Mais c'est une blague. Le micro était coupé. Attends, gueule, gueule dessus. Gueule sans PlayStation. Attendez, vous allez me dire, depuis 7 minutes, il n'y avait pas de son? Il n'y avait pas de son. Non, les gars, attendez, vous êtes sérieux? Ils sont sérieux. Non, non, les gars. Si, si, ils sont sérieux. Y avait... Le micro était coupé, je viens de voir. Depuis le tout début. Depuis le tout début. Ah, je suis désolé, bon. Catastrophe! Oh, j'ai fait un espèce de réveillon, j'ai fait de la magie là pour remettre le micro. C'est terrible. Bon, je recommence tout. Donc, je sais même plus ce que je disais, moi. Bonsoir, messieurs, dames. Nous espérons que vous allez bien. Bonsoir. Nous nous retrouvons pour la critique du jeu Hogwarts Legacy. Nous sommes en direct de la PlayStation 5. Console formidable. C'est une console incroyable, évidemment. Merci, Sony. Ce soir, ça va être une grande et longue soirée. Ça va être une review. Longue. Avec plusieurs personnes. Ah. Il y aura toi. Hideo qui a passé 27 heures. 27 heures. 27 heures. Est-ce que comme Pouillot, tu as fini toutes les quêtes en 27 heures? Toutes j'ai les quêtes annexes. J'ai fini toutes les quêtes. Oui. Et croyez-moi que ça décolle pas. Il y aura Olivier. Ah. Olivier qui vient nous rejoindre bientôt et Flavien. Adoré le jeu. Les deux ont adoré le jeu. Tu es sûr? Source sûre. Eh ben écoute, pourquoi pas. Flavien nous rejoindra sur le coup des 23 heures. Et du coup, je vous annonçais ça en member. Ça serait sympa de faire passer certains d'entre vous à la fin de la review. Bon, je m'étais dit idéalement des gens positifs pour contrebalancer avec notre avis, mais si tu me dis qu'Olivier et Flavien sont positifs, on va peut-être prendre un peu tout le monde. On verra. En tout cas, mais du coup, on va... Vous allez devoir ajouter Olivier, en fait. Je vais demander à Olivier de s'en charger parce que là, on a dû passer par le compte d'Hideo et non le mien. Pour vous montrer ce magnifique personnage. Parce qu'Hideo va vous montrer certaines choses spécifiques. Et j'ouvrais du coup le live. Du coup, j'ai parlé pendant des minutes entières pour rien. Je suis tombé il y a une heure ou deux sur un truc de fou, c'est qu'ils ont modifié des romans de Roald Dahl. C'est quoi Roald Dahl? Tu sais, c'est l'auteur qui a écrit Mathilda, Charlie et la chocolaterie, etc. Tu connais pas? Non. Tu connais pas? Roald Dahl, non. Mathilda, tu connais le film? Mathilda. Charlie et la chocolaterie, ça te parle? Johnny Depp. Oui. C'est Roald Dahl? Oui, le bouquin à la base, c'est ah, lui. Ah, ok, je savais pas. Toi, tu as vu le film avec Johnny Depp? J'ai vu mais le... tu vois, tu connais. Oui, je connais. Ok, ben ils sont en train de... Là, il y a une nouvelle édition qui est parue. Enfin, des nouvelles éditions. Et ça remplace des mots entiers qui transforment complètement le sens des phrases, enfin tout. Et je trouve ça extrêmement grave parce qu'on est en train d'effacer la culture et du coup, on est en train d'effacer l'histoire. Moi, je comprends qu'on a évolué que des phrases ou des appellations ou des stéréotypes puissent choquer à l'heure actuelle. Je comprends totalement. Mais c'est pas pour autant qu'il faut effacer ce qui s'est dit à une époque. Sinon, on va jamais s'améliorer, on va jamais avancer. Bref, c'est extrêmement grave. Je suis vraiment très très choqué, les gars. Je vais peut-être en dédier une vidéo. J'en reparlerai en temps et en heure. J'étais passé à côté du truc. Hein. C'est sorti il y a 2-3 jours. Hein. J'étais passé à côté. Roald Dahl, absolument. Roald Dahl. Ronald McDonald. Désolé si je le prononce pas très bien. Tu sais ce qui se passe dans 28 secondes, DG? Non, dis-moi. Nous allons créer une nouvelle espèce. C'est le parc Azo, c'est Jurassic Park. Formidable. Bon, du coup, c'est surtout Hideo qui va faire la review. Non, parce non, que toi. Hideo. Non, parce que. Non, non. Je vais expliquer pourquoi c'est. Moi, je vais vous donner l'avis que je vous ai donné finalement en partie 3. J'ai pas fini le jeu. J'ai regardé Hideo le finir. Non, mais j'estime que je suis pas légitime de pouvoir donner un verdict définitif. Tu es totalement légitime. C'est toi qui vas en parler mieux que moi, beaucoup mieux que moi. Olivier Flavien qui l'ont terminé également. Oh, le petit sombre. Et les personnes parmi vous qui l'avaient terminé. Non, je pourrais vous répéter certaines choses que j'ai senties avec le jeu qui n'ont pas changé malheureusement avec la fin du jeu. Mais Hideo, vas-y, c'est à toi, je te passe le micro. Je découvre en même temps un truc totalement énorme. Il y a un petit sombral, là, regarde, c'est choupi. Même si c'est moche, c'est ignoble. Ah, c'est choupi. Mais c'est choupi un petit sombral. On dirait un alien. Hideo, c'est à toi. Bah écoute, c'est à moi, c'est à moi. J'ai fini le jeu, comme tu l'as dit, en mode difficile, faut l'avouer, pour me rendre compte vraiment des failles et des tares de ce gameplay qui quand même, si on prend son aspect global, est plaisant à jouer, mine de rien, mais qui, lorsqu'on se rend compte, lorsqu'on le pousse à bout, on se rend compte, comme dans tous les autres jeux, qui n'est pas abouti, n'est pas précis. On se rend compte que le travail était plus abattu sur le côté... univers DA qui est pour le coup incroyable, ça je le nie pas, le travail qui était abattu dans l'open world. Attention, je dis pas la structure de l'open world, l'architecture qui est totalement à la ramasse. Je parle vraiment des détails des maisons qui sont tous pour l'unique personnifiées, personnalisées. C'est pas une simple réutilisation d'assets, il y a vraiment une identité dans chaque maison, chaque truc. Il y a vraiment un soin apporté à cet open world, à ce jeu, en termes d'univers. Mais concernant le reste,
c'est pour moi, je pense qu'on a été tous comme DG durant le premier live. D'ailleurs, il n'y a que le premier live qui a marché sur cette chaîne, donc on est responsable peut-être des ventes de ce jeu, parce que si on s'arrête sur le premier live de cette chaîne, on se dit tous, c'est quoi ce jeu de dingue. Il y a eu un bug, les mecs, je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'algorithme. Pour une raison qui me dépasse, la première partie du playthrough a fait beaucoup de vues. Alors, mais je ne comprends pas, hein, parce qu'il n'y a pas plus de gens qui commandent ce playthrough. Je ne reçois pas de notif, mais là, je me suis rendu compte que la vidéo avait dépassé 40 000 vues. C'est fou, ça. Donc, il y a un problème. Et finalement, c'est de fil en aiguille, enfin, de partie en partie, qu'on s'approche plus du verdict qu'on a actuellement. Et ce qui est terrible, et je m'excuse encore une fois. Tu t'excuses. Non, mais je m'excuse vraiment envers ceux qui ont acheté le jeu suite à la première partie du playthrough, en fonçant dedans, en pensant que c'était un chef-d'œuvre. Je suis désolé, entre-temps, la vie a évolué. C'est pas que la vie qui a évolué. Non, mais je suis tout désolé. Tout a évolué. Mais c'est aussi YouTube. Il y a eu d'autres parties, mais je sais pas pourquoi, il y a que la première partie qui est passée en recommandation. Je ne comprends pas. Parce qu'il faut être positif. Quand t'es positif, YouTube met en avant. Voilà la vérité. Non, mais c'est terrible. C'est terrible, les gars. Mais c'est ce que je vous avais dit plus d'une fois. Quand t'es positif, tout se passe bien. Quand tu commences à dire les choses, ça peut mal se passer. Disons que tu vas être Shadowman, etc. Mais pire, tu peux être striké comme ça a été le cas avec Sonic Frontiers. Bref. Exactement. On va pas revenir sur cet épisode douloureux. Il nous poursuit ça, toi. Je poursuis. Et donc, on était tous emballés. On découvrait ce petit monde, ces musiques, cette DA, même cette cinématique. Au début, je trouvais ça assez soigné dans la présentation, dans la découverte. Il y avait un charme. Moi qui étais totalement, et je pense que DG est dans le même bateau, dans le même sac, totalement hermétique à ce monde qui s'appelle Harry Potter. Pourquoi tu l'as acheté finalement ? Mais parce que j'ai fait le premier live avec toi et je me suis dit, ok, ils ont fait un travail que même pour les mecs qui sont pas fans de cette série, on peut, il y a quelque chose quoi. Ça veut dire que moi aussi je t'ai convaincu avec mon optimisme. Et tu m'as convaincu avec ton optimisme. Et Joachim aussi. Il a été convaincu par. Oh tout le monde a été convaincu par toi. Tu es responsable du trou de la sécu. J'ai fait tes chouvas. Tu dois rendre l'argent. Rends les dons. Je suis désolé. Et donc ce jeu, malgré tout, c'est comme je disais avant que le micro soit coupé, c'est un peu l'effet Zabon. C'est-à-dire que vous mariez avec une femme, et puis la nuit, vous vous rendez compte que c'est Zabon. Donc tu parles de Zabon Dragon Ball, Dragon Ball, sa première forme. Dans sa première forme, qui se transforme. Dans sa première forme, voilà, c'est bien. Et la deuxième forme, ça devient un monstre. Voilà, c'est pas non plus le cas de ce jeu, quoique. Mais vraiment, lorsqu'on s'aperçoit, lorsque les systèmes sont mis, lorsqu'ils sont vraiment... Lorsque voilà, on a fini ce long tuto quand même, qui dure au moins 15 heures, où il présente des nouvelles choses et qui justement arrive à faire illusion d'un point de vue joueur où tu es toujours en train de découvrir des nouvelles mécaniques, des nouveaux trucs. Et ça peut marcher en termes de jeu, justement, d'attiser la curiosité, de vraiment motiver le joueur à continuer. Mais une fois que tout est mis en place, il ne se passe plus rien dans cet open world. C'est le vide, c'est le néant, je trouve. Le mystère, le secret, l'agencement d'un Elden Ring qui arrivait toujours à susciter la curiosité et l'émerveillement à travers justement des découvertes et même à travers ce level design, ce génie du level design. Il n'y a rien du tout dans cet open world parce qu'il y a déjà un truc, un principe qui, moi, je trouve, était sympa sur papier mais qui, mécaniquement, manette en main, je trouve assez... Moi, ça ne me parle pas. Je ne dirais pas que c'est raté non plus, mais le gameplay emballé... Qu'est-ce que tu fais à tourner en rond comme ça ? C'est ma manière de jouer au jeu quand je pars, c'est je tourne en rond. D'accord. Mais le gameplay emballé... Tu vas prendre ton balai que je fasse un petit peu le tour ? Allez, t'as raison. Bon, justement, on va parler du gameplay emballé. On va vous montrer l'effet Zabon et n'oubliez pas de vous abonner. Le gameplay emballé, c'est pour moi sympa sur le papier, mais en fait, ça détruit, ça annule tout sentiment d'exploration dans cet open world. Parce que l'autre... Vas-y, regarde, prends. L'autre jeu qui avait fait ça, entre guillemets, on pouvait un peu survoler l'open world, c'était Breath of the Wild. Sauf que Breath of the Wild... On pouvait pas survoler ad vitam aeternam. C'était un paravoile et on était obligé à terme de redescendre sur le sol. Et donc il y avait cette nécessité d'explorer à pied. Et là, du fait qu'on puisse explorer et survoler ce monde, et ben c'est comme tout le jeu, on glisse, on survole. Il n'y a aucun intérêt à descendre. On va de point en point, d'intérêt en intérêt. C'est le même défaut que tous les opposants occidentaux. C'est des points d'intérêt marqués sur des cartes. Et là, fais Revelio, DG. Montre Revelio. Montre ce qu'on fait pendant 50 heures. Voilà ce qu'on fait pendant 50 heures sur ce jeu. Revelio, on révèle rien. Il n'y a rien. C'est des points d'intérêt. Moi, ça ne m'attire pas. Moi, ça ne me donne pas envie d'explorer, d'atterrir, de faire ce qui... Moi, je suis désolé, mais moi, c'est un gros carton rouge. Alors que regardez cet open world, comme il est beau quand même. La DA, l'architecture, ils ont fait un travail.
Et c'est, pour moi, c'est un gâchis total. Surtout le château. Mais le château, l'incorporation du château dans le monde. Il faudra qu'on en reparle parce que ce château est vraiment fabuleux. Mais oui, c'est... Pour le coup, j'ai un petit peu rejoué vraiment ballonnant dans le château. C'est fou le nombre de détails. Je me demande si c'est pas l'environnement le plus détaillé qu'on a vu à ce jour dans un jeu vidéo. C'est bourré de secrets. Oui, oui, de scénettes, oui. C'est magnifique. C'est magnifique. Les pièces où il y a de la musique classique, c'est génial. C'est génial. Il y a plein de trucs. Il y a plein de secrets, en fait, il y a plein de trucs. J'adore le château. J'adore le château. Dès qu'on sort le château, à l'intérieur, à l'extérieur, je trouve ce château incroyable. C'est magnifique ce qu'ils ont fait sur le château. Tout le reste, bon, bah, je vais te laisser en... Je vais en reparler après. Non, mais tu peux en reparler. Hein. Non, non, mais vas-y, vas-y. Non, mais on peut en reparler de cette fausse promesse de la liberté. Il n'y a aucune liberté, il y a des murs invisibles partout. En fait, le jeu est un entonnoir scénaristique, ce que je peux comprendre, qui est comme tous les autres. On va vous montrer les limites de la carte, quand même. Montre-nous les limites. Oui, le château. En fait, là, c'est un tunnel. Ce jeu, c'est un tunnel, c'est pas vraiment un entonnoir. C'est un espèce de tout droit. C'est très bizarre. C'est peut-être le truc le plus décevant du jeu, c'est les limites de la carte. Moi, pour l'instant, j'ai jamais vu ça dans un open world. J'ai jamais vu des limites aussi restreintes. Voilà les limites. On y est déjà. Regardez. Et là, regardez. Ça, c'est une des limites. Ok. On peut pas aller au-delà. Et je vais vous montrer l'autre limite. L'autre limite, c'est pire, c'est la ville elle-même de Préolard. Alors, on peut pas la survoler, Préolard, on peut pas la survoler. Alors, on m'a dit que c'était comme ça dans les bouquins Harry Potter. Mais je m'en fiche des bouquins Harry Potter. Je veux pas les lire. Non, mais. On est dans un jeu, on n'est pas dans un livre. Pour vérifier, mais si c'est le cas, à la limite, pourquoi pas. C'est pas un game breaker non plus. Par contre, ce que je trouve dingue. Si, c'est un game breaker. Les limites de la carte, les gars, c'est les plus petites que j'ai vues dans un open world sans deck. C'est vrai, on se sent vraiment. Non, mais. Je n'ai pas d'autre exemple qui me vient en tête. J'ai pas d'autre exemple. Là, vous allez voir, regardez. Vous voyez, il y avait une limite qui était juste en face. Hein. Et là, regardez. Vous allez voir. C'est inédit à ce jour. J'ai vu des limites scandaleuses dans un open world. Mais là, vous allez voir. Ah bah là, on regarde. Et vous, hein, allez, compter, vous allez compter le nombre de minutes. Je pense que ça va même plutôt se compter en secondes. Pour traverser d'une limite à l'autre en largeur. Parce qu'en longueur, par contre, c'est beaucoup plus généreux. C'est beaucoup plus généreux, mais comment c'est habité cet opponent? Comment il est architecturé? Regarde, regarde, il m'oblige à baisser. Je peux regarder. Mais oui, en plus, c'est pas moi qui baisse, c'est lui. Ça, qui c'est et ça. Là, voilà, c'est l'autre limite. Là, ils ont fait un effort, ils ont mis voilà, une paroi. Là, t'as quand même une paroi. Ils ont une paroi. Voilà, non, mais voilà les limites. Alors, du coup, ce qui rattrape un peu le tout de cet open world. Sauf que non. Parce que c'est même pas vraiment. La deuxième partie de carte, il se passe rien, non, c'est le vide. En fait, si vous voulez, l'intérêt, c'est que c'est en longueur. Voilà, c'est un open world en serpent. C'est ça, vous voyez, c'est ça. Mais en fait, les limites sur la largeur sont ridicules. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Non. Est-ce que c'est grave? Non. Non, mais on a l'impression d'être... Très renfermé, très limité dans nos... Je sais pas, il y a un côté claustrophobe pour moi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. Bref. C'est pas si grave que ça, mais c'est la première fois que je vois ça. C'est pas si grave que ça si le monde autour était bien construit et intéressant à parcourir. Et si je suis désolé, mais les campements... Tous les autres défauts qu'on cite dans les autres open world, qui sont là par je ne sais pas quelle magie, par abracadabra effacé par tout le monde en disant que c'est génial cet open world qui nous rappelle Breath of the Wild, mais c'est une blague. Non, c'est les mêmes tares, des campements, des grottes, les chargements. J'ai jamais vu ça, des chargements partout pour entrer dans une grotte, pour sortir d'une grotte, pour. Non mais ce jeu est incomparable avec Breath of the Wild dans sa conception. Mais même Elden Ring. Non mais c'est deux philosophies complètement. Je suis d'accord. Là on est dans un jeu à l'Ubisoft. Tout à fait, c'est un skin. On va tempérer tout du long et de toute façon après on a des gens qui vont arriver qui vont certainement parler de manière beaucoup plus positive. Je les clasherai. Mais simplement. Je les prendrai un pain. Pour moi, et ça dépend pour vous en fait, il faut voir quel type de joueur vous êtes. Pour moi, dire que c'est un jeu similaire à ce que fait Ubisoft, c'est pas un compliment. Peut-être que pour vous, ça vous dérangera pas, peut-être que vous êtes très fan des formules Ubisoft, que vous n'en êtes pas lassé, et dans ce cas, tant mieux, vous pouvez foncer là-dessus. Pour moi, en 2023, ces cartons rouges, je ne peux plus jouer à ça. Je peux plus, c'est personnel. Je peux pas en faire une généralité. Non, mais je vais pas en faire une généralité et dire que tous les gens ont des good shots parce qu'ils aiment cette formule. Non. Si vous aimez cette formule Ubisoft, tant mieux pour vous. Et c'est génial. Pour moi, ça ne prend plus. Je ne m'amuse plus là-dessus. Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt comme moi ou est-ce que vous aimez cette formule? Ça vous doit. Voilà. Cette critique va servir uniquement à vous orienter. À vous positionner. Par rapport à vos goûts. C'est tout, c'est la seule raison d'être de ces critiques, sinon on sert à rien. À part être des gens qui vont gueuler dans le micro pour, c'est-à-dire que c'est nul, pour donner un avis. Si on peut aider des gens à savoir. Parce que là, il y a beaucoup de jeux qui sortent, les gars. Et je suis désolé, on est en retard. Oui, il y aura la review d'Atomic Heart qui va sortir. Comment ça? Oui, je vais m'en occuper de la review d'Atomic Heart. Ah, énorme.
Mais le jeu sort aujourd'hui, donc c'est compliqué. Il y a la review de Wild Hearts qui va sortir. C'est pas vrai. Je vais commencer par Atomic Heart parce que je pense qu'il est plus court. Vous allez avoir ça dans les semaines qui viennent. Je suis désolé. Il y a Yakuza Oshin aussi, ça arrive. On n'a pas les jeux en avance. Sauf un truc, c'est une surprise, mais les mangas, ne spoilez pas. Ça sera le mois prochain. Mais bref, je suis désolé, on a un peu de retard sur les jeux qu'on vous teste. Donc je sais pas s'il y en a qui attendent qu'on sorte une critique pour acheter votre jeu. Mais ça, vu le nombre de jeux qui sortent, peut-être qu'il y a des gens qui attendaient cette vidéo pour affiner leur achat. Par contre, je vais quand même dire un truc, et ça je pense que tu vas le confirmer aussi, que tout le monde va le confirmer. Si vous avez des enfants... Ah, je confirme. Pour moi, c'est achat obligatoire. Je confirme. Moi, si j'avais un enfant qui a entre, je sais pas, 4, 5 et 10, 12, 13 ans, si les ados sont encore différents, j'aurai un enfant, j'achète obligatoirement le jeu. Je confirme. Il est calibré pour ce public, parce qu'il y a un côté extrêmement chanteur, c'est magnifique. Et très accessible et très plaisant aussi à faire. Quand tu suis la narration, le scénario, et qui met justement en valeur ces environnements, ok, c'est super, ça atteint un niveau plaisant. Mais en totale liberté, je m'ennuie total. Après, c'est mes goûts, c'est... ça. C'est pas péjoratif hein, quand je dis ça. Je dis simplement que si j'avais des gosses, direct j'aurais pris le jeu, je me serais certainement beaucoup plus régalé avec eux à redécouvrir le jeu à travers le regard d'un enfant. Parce que moi, ces codes-là, je les connais, j'en peux plus. Mais un gosse, il découvre ça, pour lui, c'est génial. Et puis les gosses se lassent beaucoup moins vite quand on était petit. Mais qu'est-ce qui se passe à quand Combien de fois on matait les mêmes VHS? On n'avait pas beaucoup de VHS. Moi, j'ai maté un milliard de fois les mêmes VHS. Ah bon? Bon, faut dire que le film était bon. Il y avait des bouses aussi. Mais Jurassic Park, je l'ai vu un milliard de fois en VHS. Quand t'es petit, tu te lasses pas. Bref. Si vous êtes père de famille, mère de famille, pour moi c'est achat obligatoire pour ce mois de février. C'est peut-être un des meilleurs jeux achetés cette année pour un enfant. Vraiment, c'est assez impeccable. Par contre, pour le vétéran de jeux vidéo, qui est dans notre posture, c'est-à-dire qu'on n'en peut plus de voir des jeux Ubisoft, là c'est carton rouge. Voilà, je peux pas le dire autrement. Moi, bouffer encore et toujours les mêmes codes sans innovation, j'en peux plus. C'est pas pour autant que je vais cracher sur l'entièreté de ce que j'ai fait pour l'instant. Et toi, Ido, vas-y, reprends la barre, parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas assez légitime pour en parler. Ido, ça t'a fait. T'as passé quand même 10 heures. Montre les autres montures. Parce que y a vas-y, différentes montures. Je sais pas comment faire. Mais comment ça? J'ai pas débloqué le griffon et l'autre truc. Bah, je vais te montrer, c'est très simple, c'est L1 triangle ou L1 carré. Mais on va se servir que du balai, parce que bon, le temps qu'on sorte le griffon, ça prend une plombe, et le temps qu'on vole, ça prend une autre plombe. Ah, mais c'est super, mais. C'est comme tout le reste du jeu pour moi. C'est donne-moi ça. Je reste sur ma position. Je trouve ça cool, tu vois. Oui, mais je reste sur ma position initiale. C'est un musée à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a testé les interactions, une fois, deux fois, trois fois. Ah, c'est la classe, quand même. On passe. Bah, je trouve que c'est la classe, oui. T'aurais dû faire un personnage habillé comme Griffith, là. Tu peux changer la couleur du griffon, quoi. Blanc ou gris ou noir. Ah, faut le mettre en blanc. On peut mettre en blanc. Ah, excellent. Mais une fois qu'on a fait les interactions, une fois, deux fois, trois fois. C'est un truc qu'on ne revient plus dessus. C'est sympa une fois, sympa deux fois, mais c'est comme le parc d'attraction, c'est comme le manège. Faut être malade pour refaire 10 fois le Spetz Fontaine. Je réutilise à chaque fois cette métaphore, mais c'est un peu vrai. Et le reste est à l'image de ça, ce sentiment très, très basique, très superficiel. En fait, tous les systèmes RPG sont des faux systèmes, en vérité. Le niveau est totalement dérisoire, n'a aucun intérêt. On peut totalement rouler sur le jeu, quel que soit le niveau de difficulté. Moi, je l'ai fait en difficile, donc on peut totalement underlevel. La gestion des armures, etc., le loot est totalement affreux. C'est-à-dire qu'on peut récupérer des armes. En fait, il est aléatoire. Il n'est pas du tout en correspondance avec notre environnement. C'est-à-dire que on récupère une armure légendaire dans un coffre, dans une pauvre gotte, et d'un coup, dans un autre truc, on récupère une armure basique qui met plus 10 à notre armure légendaire. Donc on est tout le temps dans notre menu à changer d'armure. C'est ignoble. Et je trouve ça très... En fait, tous les aspects, tous les systèmes, pour moi, sont des faux systèmes. Mais ce qui n'empêche qu'il a des qualités et qui reste, je trouve, quand on suit sa trame. Attends, je vais changer. Il n'arrête pas de faire du bruit avec la manette, le griffon. Hein. Pose-moi ce griffon. Et on a quoi d'autre, du coup, tu m'as dit? Une dernière bête, mais elle est totalement... Elle sert qu'à une quête. Je ne trouve pas vraiment un intérêt à l'utiliser dans l'open world. C'est un espèce de buffle taureau bizarre. Ah, j'ai vu passer, alors, sur Switch, j'ai très très peur. Regarde-moi, c'est ignoble! Qui va utiliser cette chèvre? C'est une chèvre, ça? Bah, je crois que c'est une chèvre. On dirait une sorte de... On peut rien faire, on peut même pas sauter. On dirait un monstre sorti de Monster Hunter. On peut charger avec L2, et là, on se rend compte d'un autre truc. Il peut passer dans la flamme? Je crois pas, non. Si, regarde. Ah ouais, tu m'apprends un truc. Bah, c'est sympa. C'est comme le chocobo dans FF.
pourquoi pas. Pour le mec qui veut se balader uniquement à pied un peu plus vite, c'est pas mal. Ouais, mais on peut... là, tu te rends compte que tout est statique, tout est factice, quoi. C'est ah non, mais bien sûr. Aucune interaction avec le décor, c'est vraiment je que des. Ça sympa c'est sympa d'avoir pas... des montures. C'est vrai que c'est sympa. Mais il y a le côté mémo, en fait. Pour moi, dans ces montures, mais enfin, bref. Là, les arbres, tu peux pas les détruire, par exemple, mais c'est pas très problématique. C'est pas non plus une. Il aurait changé drastiquement l'expérience de jeu. C'est une feature qui. Ça rajoute pas de dimension, c'est ça que je veux dire. Parlons du gameplay. Du gameplay simple, de la boucle de gameplay. Elle est basée sur. En fait, le monde est construit sur le fait de réaliser des défis, des petits défis à droite, à gauche. De tuer une cinquantaine de monstres, de faire les trucs de Merlin, qui sont tous des petites énigmes qui sont. Sont comment dire répertoriés en six grosses énigmes, en six grosses familles archétypes d'énigmes. Donc en vérité, c'est pas du tout comme Breath of the Wild où chaque sanctuaire était basé justement sur ce gameplay systémique et du coup on pouvait avoir une infinité de solutions. Là, c'est à chaque fois c'est une solution. En fait, c'est ça, c'est un leurre. On te fait miroiter. Et qu'est-ce que tu fais En fait, j'ai oublié comment on jouait. Catastrophe. On te fait miroiter un champ des possibles. On te fait miroiter un champ des possibles. C'est catastrophique ce que tu montres. Je sais plus jouer, c'est terrible. On te fait miroiter un champ des possibles, sauf que ce champ des possibles est restreint à un seul possible. Celui que les développeurs ont voulu faire aux joueurs. C'est un jeu très scripté, très linéaire, très couloiresque dans sa conception, qui pour moi contredit totalement la formule de l'open world, mais c'est à peu près le similaire avec Horizon 2. C'est similaire aussi avec Forspoken. Donc c'est ça, je comprends pas. C'est pourquoi ce jeu, d'un coup, il est mis en faire valoir d'un savoir-faire occidental en termes d'open world. Je suis pas d'accord. Il a des qualités indéniables, mais il est aussi, je suis désolé, affublé des mêmes défauts que ses contemporains. Alors oui, il y a peut-être ce côté-là, comme je disais, cet univers qui peut faire un peu... qui peut enchanter, qui peut clairement porter le jeu. Ça, je suis pas contre. Et même les quêtes, entre guillemets, que ce soit les quêtes annexes. Alors non, attention, il y a des quêtes annexes où c'est ridicule. C'est-à-dire qui se résume à aller voir un mec au fin fond de la map pour qu'il nous dise « Ok, je vais te contacter par Hibou ». Le mec, il pouvait pas nous contacter par Hibou à la base. Il nous oblige à faire 500 000 mètres. C'est ridicule. Mais sinon, il y a des quêtes où au moins il y a cet effort, j'allais dire narratif, mais pas du tout en mise en scène. La mise en scène, c'est Witcher 3, c'est du plan, contre-plan, etc. Donc on n'est pas du tout impliqué, je trouve, dans cette... ni émotionnellement, ni... émotionnellement tout court. Alors bien sûr, il y a quelques quêtes annexes, notamment celle de Sébastien Pallois. Écoutez, j'ai retenu Sébastien Pallois, me faites pas... je sais pas comment, avec sa sœur, Marlène, sa sœur, que j'ai trouvé intéressant dans le fond, puisqu'elle aborde des thèmes, etc., avec la magie interdite. C'est la seule quête. Le reste, c'est zéro. C'est au bas de plafond. Tout le monde, c'est sucré la praline, je sais pas comment on dit. C'est aussi assez décevant dans ce point de vue-là. Je trouve que, d'un point de vue, tonalité. Après, oui, c'est pour ça que ça s'adresse aux enfants. Je suis d'accord avec DG. Mais, c'est assez bon enfant. C'est-à-dire, pareil pour les choix RPG, les fameux choix de dialogue. Il n'y a aucun choix, on nous dit, on peut entre guillemets jouer la pierre raclure de l'espèce, mais les personnages n'interagissent pas avec nous. Ils nous disent pas, mais t'es vraiment un fumier. Ils nous disent, oh, c'est pas grave, mais t'aurais pu être gentil, mais c'est pas très grave. Il n'y a pas vraiment d'implication, il n'y a pas vraiment d'impact de nos choix. Dans cet univers-là. Surtout qu'il n'y a aucune interaction avec les PNJ. Il n'y a aucune interaction, bien sûr. C'est dommage. Alors, dans le château, il y a quand même un effort. On regarde, il y a quelques scénettes avec les professeurs, avec des armures. Il y a une espèce de féerie, de magie. Le château est très vivant avec les tableaux. Ça, c'est génial. Les tableaux, exactement. Comme ça, avec les musiques. Non, le château, ils ont fait un travail colossal. Pour moi, il y a tellement de petits détails dans ce jeu, c'est incroyable. C'est pour ça que je peux pas non plus décrier et totalement défendre le jeu, parce qu'ils ont fait un travail colossal sur pas mal de facettes du jeu, et que je trouve a été totalement, pas gâché, mais il y avait un potentiel clairement pour beaucoup mieux faire, clairement. Et oui, donc les faux choix RPG, etc., comme je disais tout à l'heure, le niveau, et puis parlons un peu du gameplay, la boucle de gameplay, qui, comme je disais tout à l'heure, se résume à faire des défis, à remplir son cahier de sorcier à droite, à gauche. Donc c'est en vérité très peu intéressant à faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de véritable motivation, à part
Bah, à part se remplir ce cahier et puis le game. Pour le coup, le game. Qu'est-ce que c'est que cet immonde ? C'est génial ça. Il est immonde le chat. J'adore. Ah, pour moi, les chats, c'est les pires chats que j'ai vus dans un jeu, je le dis. Hein. Oui, non, mais j'adore les intentions avec les tableaux, ouais, je trouve ça génial. Pareil. Mais le gameplay des combats, pour le coup, le gameplay du combat, que j'ai trouvé mécaniquement assez, assez simple, assez accessible, mais intéressant lorsqu'il met en place. Où est-ce que t'es tombé là ? Lorsqu'on met en place des choses. Lorsqu'on met en place des choses. Mais parce que ça me fait rire. Lorsqu'on met en place des choses, des sorts, par exemple, le côté. Voilà, le côté briser la défense de ses adversaires, etc., avec des sorts. En fait, ça m'a rappelé un peu deux systèmes de combat. Non seulement, bien évidemment, comme l'avait dit Flavien DG, je suis d'accord, les systèmes à la Arkham, avec cette espèce de parade contre-esquive, attaque. Ce rapport-là, ce côté-là. Mais en termes de pure attaque, de gestion de sorts, de stratégie, ça m'a rappelé aussi d'autres jeux. Et là, pour le coup, vous allez dire, mais t'es totalement frappé, mon petit gars. FF13, parce qu'il y a cette dimension où il faut maintenir les ennemis en l'air, et etc., pour justement... Qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est catastrophique ! J'essaie de l'attraper ! Mais tu t'attrapes avec... Là, on voit pas avec le chat. Tu vois, j'avais trouvé une page qui te manquait. C'est vrai. Mais c'est aussi ça, comment je trouve un peu nul, comment il remplit ce monde, c'est avec des pages qui flottent, et c'est ça, quoi. C'est... Pour les fans, ça peut être génial, mais pour le mec qui est totalement hermétique, c'est pas intéressant. Alors je te laisse faire cette énigme. Mais donc ça m'a rappelé FF13 pour le fait de maintenir et d'essayer de vraiment rallonger ce maintien des ennemis en l'air et donc vraiment faire le plus de dégâts, etc., sans être touché. Et puis aussi des MMO plus classiques, notamment dans la gestion des sorts. C'est-à-dire qu'on a vraiment voilà, cette roue de sorts qu'on peut... Ne dérègle pas mes sorts ! Ne dérègle pas mes sorts ! On peut... Mais c'est t'as putain, mis un sort, c'est pas le bon t'as sort. Même pas mis le bon sort. Merde, mais c'est lequel, c'est celui-là, c'était celui-là, merde. T'as tout déréglé. Cette roue de sort où justement il y a une espèce de cooldown, c'est-à-dire une jauge de charge dès qu'on utilise un sort pour qu'il se recharge, et ben c'est un peu comme les MMO classiques, notamment les classes de toutes les classes de DPS, etc., de tanking, etc. C'est exactement la même gestion, c'est-à-dire qu'on exécute une espèce de routine, une stratégie, une organisation de sorts pour justement faire le maximum de dégâts. Et j'ai trouvé ça pas mal parce que ça apporte aussi une dimension de timing, c'est-à-dire qu'on pouvait justement, connaissant la durée de chargement, de recharge des sorts, on pouvait amener ce côté-là très, très cadencé, très... voilà, ce système de combat très, très timé. Cette dimension de timing, etc., intéressante. Mais il reste accessible, mais je ne sais pas pour longtemps qu'il est aussi totalement dénué de profondeur, je trouve. Mais concernant, après, il y a le bestiaire, qui est ridicule, bien sûr. Le bestiaire qui se résume à des gobelins, à des trolls, à des araignées, et des loups qui se battent en duel, mais ça s'arrête là. Les boss sont totalement ridicules. Le boss de fin, j'en parlerai pas. Peut-être pour pas spoiler, mais aussi parce que il y en a pas en parler. L'histoire. On va en parler de l'histoire. On nous fait parler d'une espèce d'urgence cataclysmique de cet open world où il y a une espèce de, je sais pas, apocalypse qui se prépare avec les gobelins qui forment des complots. Je vais pas reparler des choses obscures derrière cette forme des gobelins, mais c'est ridicule, ça n'avance pas l'histoire de A à Z. Ça traîne en longueur, ça traîne des pattes. Je trouve que Non, surtout pas ça. Voilà, les autres modules de gameplay, c'est des trucs qu'on a déjà vus qui sont pas intéressants, quoi. Mais l'histoire, je trouve, est totalement tire en longueur, c'est tire pour rien de raconter, pour vraiment et surtout pour le dénouement final qui est ridicule. Aucune surprise dans cette histoire, aucune surprise. Et j'ai trouvé ça décevant concernant vraiment la richesse, encore une fois, de cet univers, cette DA, cette musique, même ces musiques. Et voilà, il y a des petites scénettes, notamment comme ça, aléatoires, qui viennent enrichir, qui viennent rythmer un peu cette exploration. Dans le château, encore une fois, que j'ai trouvé remarquable. Mais en dehors du château, c'est un peu le vide de néant. Donc, restez sur le château, faites 10 heures sur ce jeu, et revendez-le. Non, mais après, c'est un peu exagéré, mais... C'est dommage, je trouve que
pareil, le... après il y a des trucs qui ne m'ont pas intéressé, qui peuvent intéresser d'autres aussi. La personnalisation de, son, de sa chambre, la salle de demande, elle est, c'est approfondi, il y a beaucoup de choses qui peuvent plaire, qui peuvent justement intéresser pas mal de monde. Moi ça ne m'a pas intéressé, j'ai... mais c'est, le travail est là, quoi. Le travail est là et on peut le faire. Oh, tu peux bouger les tableaux. Je crois que c'est le seul tableau que j'ai vu que tu pouvais bouger. Tu peux bouger ce tableau-là ? Frappe-le. Ah ouais, il y a des tableaux que tu peux bouger. Ouais. Puis t'as le système de zoo, à peu près la Phantom Pain, où tu peux capturer des monstres et les faire reproduire. Et regarde, ça c'est énorme, les armes qui bougent. Ouais, je suis d'accord. J'adore. Où tu peux les faire reproduire. Mais encore une fois, pourquoi on devrait faire ça, à part le côté waouh, le côté émerveillement ? Il n'y a aucun intérêt ludique à part faire ça, aucune récompense véritable, aucun feedback. C'est-à-dire qu'on fait uniquement ça pour vendre. Ah mais c'est Pirates des Caraïbes. Ouais, c'est Pirates des Caraïbes. Donc j'ai trouvé ça très dommage, très en surface. On resterait en surface sur pas mal de systèmes, mais ce qui n'empêche que ça peut, ça n'enlève pas tout le travail, ça n'enlève pas tout le travail. Et moi je dis respect quand même pour ce travail. Mais moi, en termes de vraiment de propositions de gameplay, de propositions de jeu, je l'ai trouvé assez banal. Sans être méchant, sans vouloir être méchant, assez banal. Hein. Donc c'est un jeu qui reste banal malgré la magie, donc c'est un peu dommage, quoi. C'est une magie banalisée. Après, toi, tu n'es pas fan de l'univers Harry Potter. Alors là, s'il y a bien un truc que je suis pas fan, c'est l'univers Harry Potter, oui. Donc c'est ça aussi, c'est, je me dis, bon là, parce que j'ai oublié une catégorie de joueurs, je disais les vétérans du jeu vidéo, les pères et les mères de famille, mais il faut aussi penser aux fans d'Harry Potter avant tout. Et aussi, il faut penser aux mecs qui n'ont jamais joué à un jeu de leur vie, ça peut marcher. Ah mais si t'es très très fan de l'univers, ça peut quand même grave le faire. Ça m'a l'air très respectueux. C'est peut-être la meilleure adaptation d'un truc comme ça, d'une licence en jeu. J'imagine, je pourrais pas le dire, j'ai pas joué aux autres, mais j'imagine. Vous avez vu le château, à quel point il est grand, détaillé, etc. C'est... Le boulot abattu est phénoménal. Phénoménal. Mais c'est encore une fois qu'on a fait les quêtes scénaristiques, les quêtes principales de narration, ça sert à rien ces décors, je suis désolé. Ok, ils sont super bien, ils sont pas exploités en termes de... Mais après c'est comme tout, c'est pas comme un Resident Evil, c'est pas la même manière d'appréhender un level design, mais... Je trouve ça dommage. Non mais je vois ce que tu veux dire, c'est, en fait le problème du jeu... Et puis les chargements comme ça d'ici. C'est qu'on n'a aucun impact sur ce monde. Oh, exactement. On est pris par la main, c'est comme Pirates des Caraïbes, c'est un ride. C'est ça. Comme tellement c'est de jeux... C'est une balade, c'est un ride, une balade... Comme tellement de jeux qui sortent, où tu suis les missions... C'est ça. Mais où tu n'as aucun impact sur l'environnement, la faune et la flore, rien... Ça marche pas, en fait. Quand certains osent comparer ce jeu à Breath of the Wild, il n'y a aucune interaction. Le système, voilà. Non, mais vous n'avez pas, le maître vous n'avez mot, pas compris, c'est expérimentation. En fait. Le maître mot, c'est interaction, expérimentation, Breath of the Wild. Ces deux mots n'existent pas dans ce jeu. Moi, je peux comprendre qu'on se fasse chier devant Red Dead Redemption 2. Je peux le comprendre. Je l'entends, etc. Il y a des systèmes dans Open World. Ne pas voir le travail qui a été effectué sur la crédibilité de cet Open World, c'est-à-dire qu'on a un impact réel sur la faune et la flore. Que c'est le monde le plus vivant qu'on ait vu jusque-là dans un jeu vidéo, c'est un peu dommage. Quelqu'un du grand public, tu vois, qui voit pas tout ça, c'est pas grave, mais ne vous prétendez pas testeur ou connaisseur si vous ne voyez pas, c'est quand même assez grave. C'est incomparable avec Hogwarts Legacy, là, où là c'est vraiment du carton-pâte, il n'y a aucune crédibilité. Pareil pour Breath of the Wild, où il y a un côté organique qu'on n'a jamais vu dans le média, à part là pour la suite qui va arriver. Là, on est à 1 milliard d'années de Breath of the Wild. Hein. Là, on revient pour moi 10-15 ans en arrière sur la conception d'un open world. Mais encore une fois, voilà, si vous n'en êtes pas lassé, c'est pas grave. Et moi, j'attends autre chose. Voilà. Faudrait qu'on invite Olivier et Flavien. Flavien, il va arriver à 23 ans. Je peux le faire. Je vais inviter tout le monde. On va inviter Olivier. Je vais inviter tout le monde. Invite tout le monde. Et on... bah, du coup, je vais demander à Olivier de se charger d'inviter les members. Alors pourquoi Olivier joue Elden Ring ? C'est une blague ? Bah, il a le droit de jouer Elden Ring. Mais il est passé déjà Elden Ring, ça veut tout dire. Il n'en peut plus de... Non, mais peut-être qu'il a envie de parler d'Elden Ring. De comparer. Peut-être qu'il veut jouer à Elden Ring tout en commentant Hogwarts Legacy. Il a totalement raison. Attends, faut que je trouve le numéro. Il est là, c'est bon. Le numéro de qui ? Olivier. C'est parti, mon kiki. Alors, je vais essayer d'autoriser la voix. Ah ! Je balance, je mets la balance, paramètres du chat vocal. Oui.
Hop. Partagez votre voix, autorisée. Ah, parce que c'était pas... Voilà. Alors, bonsoir Olivier, nous t'entendons en tout cas. Salut mon pote. Allô, vous m'entendez les gars? Oh. Tu nous entends Olivier? Olivier, je t'ai envoyé un message Max. Sur ton portable. Non, mais non, sinon ils auront de l'écho. Moi, j'entends pas. T'entends pas, là? Olivier parle. Tu l'entends? Un peu faible. Un peu. Ouais, mais sinon, ils auront trop d'écho. On va faire un... On n'entend pas Olivier, on n'entend rien, Olivier, on n'entend pas. Il faut que tu partages ta voix. Non, ne dis pas que tu sais pas partager ta voix après toutes ces années, c'est dramatique. Mais c'est tout le temps. Mais tu te fous de moi. Sur PS5, ça fait 2 ans que c'est à ce problème. À chaque fois, on invite un mec, on reste 5 minutes dans les options pour partager sa voix. Olivier, s'il te plaît. On a perdu Olivier. Oh là 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 là. Je rêve. Est-ce que c'est toi qui l'as dans les paramètres de la partie de vérifier? Mais je l'ai vu la paramètre de la partie. Non, toi, t'as vu ton micro. Afficher le groupe. Non, mais non. Paramètres du chat. Oh vocal. Là là. Mais non, regarde. Ok. Partagez votre voix. Oui, alors ok. Attends. Ok. Mais c'est le truc. Alors quoi? On entend faiblement. Comment ça, on entend? C'est pas possible, on l'entend nickel, nous. Les gars, vous m'entendez faiblement, c'est une blague. Attends, on va régler le problème, Olivier. Bah non, y a pas de problème. Paramètres du chat vocal. C'est peut-être paramètres du chat vocal. Mais je l'ai fait, ça. Rappuie. C'est dingue. On va régler ce problème technique, les mecs, ne vous inquiétez pas. On l'entend pas trop, Olivier. En fait, on entend juste le retour... Ouais, par rapport à la télé. C'est catastrophique. Catastrophique. Ah, est-ce que tu penses que c'est là? Non, je pense pas que ce soit dans le live. Désactiver le microphone, non. On n'entend rien, c'est honteux. Ah, c'est... Attends, c'est quoi ce... Idéo, je ne comprends pas. Mais je comprends pas. Il y a 4000 sous-menus dans cette console. Non, Idéo, reviens sur le truc du live là. Pourquoi le truc il est... Regarde, désactiver le microphone, pourquoi? Pourquoi il y a marqué ça? Pour désactiver notre microphone, mais c'est le nôtre. Mais pourquoi il est en mode désactivé? Non, il est en mode activé. Ah ok. C'est pas clair. L'ergonomie, c'est à la rue. Je suis d'accord qu'il y a un truc bizarre. Hein. T'es sûr? Alors tu sais ce qu'on va faire, parce que la dernière fois, on a vu un problème comme ça une fois, Idéo. Ouais. Et Olivier, est-ce que tu peux créer la partie de nous inviter? Vas-y, ouais. À tous les coups, ça va marcher. C'est quoi c'était? C'est quoi? Parce que la dernière fois, pareil, t'avais créé une partie, tu m'avais invité, on m'entendait pas, et après je t'ai invité, ça a marché. Oh là là. Il doit y avoir un truc avec ton compte, c'est à force de tout mettre en anonyme comme ça. Je suis anonyme. Robin, est-ce que c'est un jeu oubliable? Pour moi, oui, mais... Pour d'autres, non, peut-être. Pour d'autres, peut-être, non. Je pense que ça dépend de votre affect à l'univers Harry Potter. Oh oui, déjà. Voilà. Mais pour moi, en termes de proposition, oui, c'est un jeu très oubliable. Ah, mais disons que... Il apporte rien. Moi, regardez, moi, je me souviens du pouvoir de la force, les deux. Et parce que je suis fan de Star Wars, enfin, j'ai été fan. Mais après, objectivement, est-ce que le jeu a changé quelque chose aux médias? Non. Donc, pas grand monde se souvient de ce jeu. Et je pense que ça serait un peu pareil pour Hogwarts Legacy. Dans 10 ans, les fans d'Harry Potter s'en souviendront. Pour moi, ça sera de l'anecdotique absolue. Voilà. Pourtant, il a battu tous les records de vente. Bah, tant mieux. Mais attends, à mettre en contexte, parce que le mec où j'ai acheté le jeu, il m'a dit on n'a jamais eu autant de retours aussi. Moi, je suis content pour les développeurs qui se payent bien, etc., parce qu'il y a quand même un certain travail abattu. C'est pas eux que j'en veux. Moi, j'en veux avant tout aux médias, aux professionnels qui mettent des 20 sur 20 à des trucs qui sont extrêmement critiquables, parce que le problème, c'est que s'ils font une suite, ils vont pas corriger le quart des problèmes qu'il y a dans ce jeu. J'ai pas reçu l'invite, Olivier. Olivier, il faut renvoyer l'invitation. J'ai pas reçu l'invite. J'ai pas reçu ton invitation, Olivier. Je n'ai pas reçu ton invitation. Je vais lui envoyer. Mais c'est un fiasco, c'est un fiasco. C'est pas grave. Au pire, c'est Flavien qui le fera. Olivier! Olivier, rallume ta PS5. C'est ta PS5 le problème. Mais si, tu vas dans les parties. Mais et là, je ne vise personne en particulier. Je vise tout un tas de gens dans la profession. Outre-Atlantique aussi, hein, partout.
Ah oui, d'accord, le mec est parti là-dedans. Trop, mais c'est même pas de la gentillesse à ce niveau. Écoutez, je vais quand même nommer, pas les personnes habituelles hein, auxquelles vous pensez. J'en parlais là, si vous avez regardé le facecam avec Hideo. Je parlais d'un magazine, parce qu'il y a un magazine qui sort là, tous les mois, et il y a aussi une chaîne YouTube qui porte le même nom. Et ces gens-là, par exemple, ont reçu Hogwarts Legacy, le collector. Mm. Gratuit. Les mêmes personnes qui te mettent une note maximale, tu vois. Tout est parfait. Et genre, merci de nous avoir envoyé le collector. Mais tu te rends compte du scandale? Et personne n'en parle, évidemment. C'est pas grave. Mais ça fait des années que ça dure, hein. Ça fait des années. Je vous en parlais à l'époque de Cyberpunk, j'en parlais avant. Donc ça fait chier à chaque fois de devoir le rappeler. Mais en fait, il y a toute une partie de la presse qui est dans un état de corruption tellement absolu. Je sais pas ce qu'on peut faire, hein. À part moi, de vous commander d'arrêter de regarder. C'est personne. Pour qu'on s'en sorte un minimum. Mais c'est pas prêt de changer. Allô. Olivier, rejoins la partie. C'est pas nous qui avons rejoint la partie. Oula, oula, Olivier. Ne me dis pas, Olivier. Ne me dis pas que le problème vient de nous. Tu satures à mort. Oui, 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 tu satures, oui. Tu satures à mort. Non, je ne pense pas à ces personnes en particulier. Je pense à un magazine qui sort en kiosque et compagnie, là, partout. Et il y a une chaîne de jeux vidéo qui porte le même nom, c'est la même chose, la même entité. Ce sont des escrocs, absolus. Mais c'est pas que eux, hein, c'est partout, c'est pareil aux États-Unis, les mecs. C'est partout. On entend tout. Est-ce que tu nous entends, Olivier? Allô? Ah bah c'est bon, c'est bon. Ok. Nous, on n'entend pas, les gens n'entendent pas. Est-ce que vous entendez le son de la voix d'Olivier dans le chat, s'il vous plaît? Et je veux bien, moi je veux bien après que certains testeurs aient authentiquement adoré le jeu, ok, pas de souci. Le problème en fait, c'est que quand tu vois l'historique de pas mal de testeurs qui mettent tout le temps des 20 sur 20, etc., au bout d'un moment tu te poses des questions. Il y a un problème. Olivier, est-ce que vous l'entendez? Non. Comment ça? Parle, Olivier. Mais c'est fou. Olivier, parle. Non, mais c'est la meilleure celle-là, les gars. Olivier, s'il te plaît, est-ce que tu peux relancer ta PlayStation 5? C'est sûr, enfin là ça peut venir que de chez toi. Ouais. Ouais, vous entendez le retour sur la télé, je suis vraiment désolé. Hein. Est-ce que vous l'entendez mieux là? C'est dingue. Ou c'est nous qui avons mal réglé un truc? Je suis désolé, ça va s'améliorer les mecs. Ça va s'améliorer. Non. Et c'est la partie d'Olivier là. Attends. Désactiver. Non, c'est pas ça. Afficher le groupe. Tu l'as fait afficher le groupe? Ouais, t'as déjà regardé. Paramètres du chat. Reclique dessus pour voir. Mais c'est fou. Alors attends. Partager votre voix autorisée. Ouais. Connexion autant. C'est quoi transcription de chat? Ah. Pourtant, on a tout autorisé. Bah ouais. Non. Ah non, non, bah non. Je peux pas te mettre en sourdine. Bah non, regarde, le sourdine, hop, ça fait ça. Non, c'est t'es pas en ça. Sourdine. C'est pas ça. T'es pas en sourdine. Olivier, tente de relancer la PlayStation 5. Utilise. À tout de suite, mon pote. Portable. On va retenter les gars. Donc on en était où? Ouais, enfin bref, la presse, mais je pense qu'il faudra que je redédie une vidéo. Ça me fait chier de répéter la même chose en fait. Bref, en tout cas moi c'est surtout ça qui me fait de la peine pour l'avenir du média. Parce que vous voyez ce qui s'est passé à God of War Ragnarok, 1.5, un DLC. Pourquoi? Parce que tout le monde a mis 20 sur 20 à l'époque. Tout le monde a dit c'est incroyable, c'est génial, sans citer tous les défauts que j'avais listés. Donc nous, évidemment, on n'est pas sur Metacritic et compagnie, donc notre avis, on s'en fout quelque part, à part pour vous qui nous écoutez. Les développeurs s'en foutent. Par contre, les développeurs, je pense qu'ils accordent attention au Metacritic. S'ils voient que le Metacritic, il est à 80, aux ventes, évidemment, bah, qui dépendent aussi pas totalement, mais un peu du Metacritic. Si un jeu à 60, vous vous rendez bien compte que ça va impacter les ventes. Donc oui, les développeurs, ils réfléchissent en fonction de ça, mais quand on leur dit 20 sur 20 change rien, ils font une suite et ils changent rien. Et donc là, Hogwarts Legacy, s'il a une suite, vous vous doutez bien que ça sera la même chose. Sauf si les développeurs ont vraiment ultra bonne conscience et se disent on va quand même tout faire. Mais moi, ces dernières années, à chaque fois que je vois un jeu qui est les notes ultimes, je vois pas les suites s'améliorer. Hein. Les jeux Ubisoft restent des jeux Ubisoft, etc. Finalement, je crois qu'il y a que Rockstar
Et encore non, regardez, Rockstar, ils ont un problème depuis toujours, hein, depuis GTA 3, là, le gameplay, le gameplay. Ils ont jamais changé le putain de gameplay. C'est vrai. Et, je vais vous dire, de toute façon, Rockstar, même si demain, ils ont un 10 sur 20, ils s'en foutent, parce que le jeu, tu mets GTA, t'es assuré d'en vendre par palette encore et encore. Bon, eux, ils sont hors catégorie, je sais même pas si c'est un bon exemple. Mais bon, vous comprenez la logique. Vous comprenez la logique. Écoutez-moi, en attendant Olivier, ce jeu, je lui trouve plein de bonnes intentions. Le château, en fait, les premières heures ont été assez géniales parce que le château est blindé de détails, c'est enchanteur, c'est féerique. Ça fait du bien dans cette époque, il faut le dire, c'est catastrophique. Là, on fait une critique du jeu vidéo, évidemment, il y a beaucoup plus grave qui se passe actuellement dans notre pays, évidemment dans le monde. On vit une sale époque. Donc c'est bien d'avoir un jeu féerique, beaucoup plus léger, qui sorte pour rêver un peu, pour s'échapper un petit peu. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien pendant les premières heures, mais après, petit à petit, je me suis retrouvé confronté à tous les défauts habituels de bon nombre de jeux de ces 10 dernières années. Et moi, je ne peux plus, en fait, avec ce genre de formule. Le gameplay, j'ai l'impression de voir la même formule que les Arkham, les jeux de Rocksteady. J'en peux plus, ça ne m'intéresse pas à jouer manette en main. Après, je dis pas, il y a énormément de sorts, il y en a peut-être même trop, mais bon, pour les fans d'Harry Potter, j'imagine que c'est génial, moi, ça m'a emmerdé. Je trouve qu'on s'emmerde, hein. Les combats sont tout le temps les mêmes, la même logique, le bestiaire se renouvelle pas. Mais ça encore, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un des seuls points positifs. Les combats, à la limite, ça va, tu vois, ça reste bien foutu, ça va. C'est du déjà vu, mais ça va. L'open world, j'ai le sentiment qu'il n'y a aucune interaction réelle, on n'a aucun impact. En fait, on traverse ces décors, on traverse ces quêtes, mais on n'a aucun impact sur cet environnement. Il y a beaucoup de zones où il se passe rien. Vous allez me dire, c'est pareil dans tous les open world et vous aurez raison. Il y a beaucoup d'open world, en fait, il se passe rien aussi. Sauf que là, c'est tellement en entonnoir, les limites sont tellement grossières sur la largeur que voir des zones de désert en étant aussi confinées, ça fait quand même très bizarre. Je me dis, à la limite, ils auraient presque dû partir sur un jeu linéaire. Parce que tu vois, avoir le château comme base, le château en hub, après faire des vrais niveaux, je ne vois pas ce qu'apporte, si vous voulez, je ne vois pas ce qu'amène cette open world. Surtout quand on a fait Red Dead 2 et Breath of the Wild qui sont un milliard de fois plus intéressants et au-dessus. Là, moi, je me suis emmerdé comme un rat mort dans cette open world, je ne vois rien à y faire. Par contre, le truc qui est génial et inédit, c'est de se balader avec le balai. Ça, c'est inédit, je trouve ça super. Ah, Olivier, t'es de retour. Alors, est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous entendez Olivier, s'il vous plaît? Rassurez-nous. Ça loupe, c'est-à-dire. Vous l'entendez pas? Ah là 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 là. Oh, pourquoi il est sans fort? Ah, je suis désolé, Olivier, je comprends pas. Hein. Tu utilises ton portable ou pas? Bah non, je suis à la manette normale. Alors, essaie. Écoute, foutu pour foutu, essaie avec ton portable. Si t'as l'application. On en est là, je crois. C'est terrible. Oh, regarde, il est centaure déjà. Ah, vous me dites que je boucle sur mes. Bah, c'est vrai que je répète ce que je disais dans la partie 3, mais bon, je réitère parce qu'apparemment beaucoup de gens sont passés à côté de cette partie. Bref, c'est pas l'open world, donc pour moi inintéressant. Pour moi, c'est le symptôme même de ce problème du jeu. C'est pas un véritable open world parce que finalement il y a beaucoup de temps de chargement déguisé. Donc ça, c'est une petite déception, surtout après un jeu comme Elden Ring. Oui. Le jeu n'est pas du tout non plus conçu comme Elden Ring où il y a des surprises absolument partout, ni comme un Breath of the Wild. Qu'est-ce que je peux vous rajouter? Bon, bah, du côté du scénario, ça ne m'a pas intéressé, ça ne m'a pas pris du tout. Le professeur Fig, il t'a pas je intéressé. M'en fous. Le professeur Weasley, t'as pas intéressé. Mais c'est un le ensemble. Professeur en fait, indien, là. Je vais pas répéter encore ce que je dis sur le wokisme, etc. Je suis fatigué de répéter les mêmes choses. Je comprends aussi pourquoi ils ont injecté ça, parce qu'ils avaient peur de se prendre des polémiques. On va dire qu'on s'en fout. Je pense que, en fait, faudrait que Flavien vienne ou Olivier, parce que vous êtes fan de l'univers Harry Potter, moi non. Donc, c'était compliqué pour moi de me happer dans cet univers, j'imagine. Même si je le trouve enchanteur, hein, visuellement, je trouve l'univers enchanteur. Mais en fait, plus c'est avancé, plus je me suis dit, en fait, Harry Potter, c'est un immense plagiat du Seigneur des Anneaux et de Star Wars. C'est vraiment un mix de ces univers en beaucoup moins bien. Tu sais ce que m'a dit Thomas? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand tu voles à travers avec le balai, ça me rappelle le vaisseau dans Star Wars, la moto. Là. Enfin, en tout cas, ouais. Bah oui. Mais en fait, si tu veux, c'est peut-être aussi le jeu qui fausse mon impression. Peut-être que si je lisais les bouquins Harry Potter, je me dirais que l'univers est extrêmement riche, etc. En tout cas, l'impression que donne ce jeu par rapport à l'univers Harry Potter, c'est
un descendant foireux de Star Wars et du Seigneur des Anneaux, mais ultra pauvre de la mort. J'imagine que l'univers des bouquins est quand même beaucoup plus fourni que ça. Bon bref, en tout cas, le scénario, je suis passé complètement au-dessus, ça ne m'a pas intéressé. La musique, excellente. La BO est très très bien. Et ça fait plaisir parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent où la BO n'est pas à la hauteur. Donc ça, c'est un bon point. Même si j'aurais aimé retrouver les thèmes de John Williams, qui a quand même composé quelque chose de bien supérieur à ce qu'on entend dans le jeu. On le retrouve une fois, le thème principal. Mais vu le niveau moyen en ce moment dans le jeu vidéo, je suis content de cette BO quand même. Ils ont fait un bon boulot. Alors, je précise, au niveau de la BO, oui. Il y a un plagiat honteux du Lacrymosa de Mozart dans le château. Ok. Par contre, il y a des vraies musiques classiques dans le château. Attends, Kido regarde dans les paramètres de diffusion. Ah. Vous recevez pas les notifs en live, c'est normal. C'est dans les parties en cours. Regarde, Ido, regarde les paramètres de diffusion. Et je crois que tu peux pas les regarder une fois que t'as lancé le live. Je pense que t'as fait une connerie, en fait. Impossible. Enfin, je te dis une connerie, c'est moi qui ai lancé le live, mais peut-être que j'ai pas fait attention. Ah, voilà, c'est là. Voilà, regarde. Oh bien joué, bien joli. Putain, c'est nous, en fait. Parce que moi, sur mon compte, j'avais t'es intégré. Nul. Mais non, mais moi, sur mon compte, j'avais intégré, mais je pensais que toi aussi, tu l'avais fait. Non, mais c'est pas et c'est pour ça, Ideo, c'est pour ça quand t'avais lancé un stream de ton côté qu'il y avait ce problème. Bah oui, mais pourquoi t'as pas le il y a trop d'options dans 4000 sous-menus. Et après, c'est de ma faute. Ils sont jamais dans les mêmes menus, c'est honteux. Comment ah non, j'ai activé. Bref, attendez, je finis. Mais bon, encore une fois, en fait, j'ai envie de vous dire, m'écoutez pas parce que j'ai pas fini le jeu. Moi, je vous donne là, mais si vous voulez vraiment mon impression. J'ai même pas envie, écoutez, simplement, si vous voulez, je donne jamais de notes. Je mettrai quand même un bon 13 sur 20 pour être très 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 généreux. Parce que je reconnais le travail, il y a du boulot. Mais en vrai, ce que je pense à l'intérieur de moi, je mets une note en dessous de la moyenne. Mais non, mais ça, si tu veux vraiment, si vous voulez vraiment mon avis, pour moi, ce jeu vaut 9 sur 20. C'est très méchant, hein. Mais parce que je me suis emmerdé passé les premières heures. Que tout est un plagiat de jeux précédents qui faisaient tout mieux, quasiment. Hein. Enfin, je sais pas, ne serait-ce que le système de combat, je le trouve beaucoup mieux pensé dans l'Arkham. Entre-temps, Spider-Man est passé, il le fait beaucoup mieux. L'Open World, j'ai vu un milliard de fois mieux. Je vois aucun intérêt à ce jeu à mes yeux, pour moi. Je mets en dessous de la moyenne. Mais en étant généreux, en reconnaissant le travail, en étant vraiment un peu à Disneyland, parce que c'est un peu Pirates des Caraïbes, parce que le château est très bien fait, qu'il y a un côté enchanteur, 13 sur 20. Allez, 13 sur 20, ok? Avis réel, 9 sur 20. Avis gentil, 13 sur 20. Ça va. Mais encore une fois, j'ai pas fini le jeu et je pense pas que mon avis aurait changé. De toute façon, j'ai vu vidéo finir le jeu et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette fin de merde. Bref, Olivier, maintenant, c'est à toi. Idiot, je te redonne le micro. Mais est-ce qu'on entend Olivier? Eh, vous l'entendez maintenant, Olivier? Non, vous l'entendez. Comment ça? J'ai tout activé. T'as pas activé les bons trucs? Si. Ah bah si. Active tout. Comment j'ai tout activé? Ah ouais, quitte la partie, reviens. Elle est maudite cette partie, elle est maudite. Remontre-moi, calme-toi, remontre-moi les options. Quelles options? Les options de diffusion. C'est déjà ces options de capture, pas de diffusion. De capture. Donc c'est les captures vidéo. Ah ben d'accord, mais t'es pas dans le bon truc. Mais les options de diffusion, elles sont là déjà. Aïe, elles sont là, Ideo. Diffusion. Option. Ideo. Allumer la caméra. Non, mais Ideo. Quoi? Me dis, non. Attends, non. Si, tu peux faire ça. Non, qu'est-ce que tu fais? Non, pas ça. Ça, pas bête. Oh, regarde, option. Il y a marqué option. Oui, bah c'est ça. Il y a que ça en option? Bah oui, il y a que ça. Mais je suis prêt à parier. Non. Comment ça, non? Non. Je l'ai déjà fait, le problème où les mecs, on n'arrivait pas à l'entendre. On pouvait le faire en direct. Fallait pas relancer la partie, ça n'a pas de sens. Écoute, je suis prêt. Non, je peux pas le croire. Je suis prêt à parler. Je l'ai fait 4000 fois ce problème. Je l'ai eu 4000 fois. Je pense que c'est parce qu'elle c'est à l'origine de la diffusion. Non. Est-ce que par exemple tu peux modifier le chat là Oui. Montre-moi. Je peux modifier le où chat. C'est que tu fais ça. Je le fais ici. Ok. Bah, par un tour de passe-passe, je le fais là. Je le désactive, je l'active. Ok. Attends. Va pas trop vite, reviens. C'est caméra, micro, option d'incrustation. Putain. Et là, option, fais option. Mais option, c'est allumer la caméra, c'est super nul. Ouais, mais moi, je suis pas... Non. Et du coup, comment ils ont branlé leur truc, Sony? Je peux pas, je suis désolé, non. Sony, ils sont 10 ans en retard sur l'interface. C'est un truc de malade. Tu sais, sur PC, tu peux faire 10 milliards de trucs en direct. Et Sony, je suis prêt à parier qu'une fois que t'as lancé le truc, t'es foutu. Non. Bon, on va voir. Oh, la team, ça
quoi? Ça va, mon pote? Est-ce que vous entendez Olivier? Spider-Man, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, Spider-Man? Beaucoup mieux. Mais c'est pareil, tu es plan contre champ, tu fais chier, tu t'endors. On n'entend pas Olivier en ce moment. Non. Non, non. Est-ce que vous entendez Olivier? Non. Oh là 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 là. Franchement, je comprends pas. C'est pour la première fois de ma vie, j'avais écrit une page entière de choses. Je... Non, 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 attends, mais je pense qu'on va avoir une seule solution, Iléo. Non, désolé. Si. On va avoir une seule solution. Donc ça marchera pas. Bah, on va aller sur mon compte, parce que moi ça marche sur mon compte. Quand je vous invite, y'a pas de problème. Ou alors, faudrait faire un test avec quelqu'un du chat. Mais non, mais attends, mais déjà, il y a 3 jours, on a fait un live avec Thibaut sur Harry Potter, exactement pareil, ça a marché très bien. Mais c'était chez moi, enfin c'était moi qui hostais. Ah non, c'était toi qui hostais. C'était moi. Non, c'était chez lui. Bah oui. Est-ce que c'est parce que tu... Qu'est-ce que t'as fait, tu sais, quand t'as ajouté le truc de la PlayStation 5, là? Parce qu'on est sur ma PS5. Oui. Ton compte, là. Oui. Comment tu l'as associé? Bah, via le truc... Mais le téléphone, là, c'est ça qui doit... Mais non, c'est pas ça. Ah, je vois pas ce que c'est pas vrai. Possible. Y a... Faisons le test avec quelqu'un du chat. Y a Flavien qui arrive dans 5 minutes. Oh, testons avec Flavien. Ouais, on va attendre Flavien. Hein. C'est incompréhensible. Ouais. Franchement, je suis très... Attends, je vais aller dans... Diffusion. Ah, tu peux y aller, là? Oui. Incrustation. Non. Audio. Ah, mais... C'est... Attends, là, c'est bon, Olivier. Ça doit être bon. Parle, parle, s'il te plaît, parle. Depuis tout à l'heure, c'était toi, là. Parle. Non, parle. Mais c'est la meilleure, celle-là. Mais parle ouais. Ça fait une heure. C'est bon, c'est bon, t'entends. Oh là 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 là. Cette console, vous pouvez dire bravo, Idéo, le technicien. Mais ça, tu es dans un menu obscur. Et ça, pourquoi? Parce que t'as associé le compte, tu vois. Mais pas du tout. Non, mais, c'est non, mais, par défaut sur PS5, c'est nul. Qu'est-ce que je te dis? C'est que moi, sur mon compte, j'ai pas ce problème. Toi, sur ta PS5, t'as pas ce problème. Mais vu que t'as associé ton compte sur ma PS5, il a pris le truc pour un compte vierge. Ah. Et du coup, il a. Alors, c'était quoi le problème, Idéo, qu'on tâche? Bref, bravo, Idéo. Bien joué. Merci, merci. Olivier, maintenant, c'est à toi. C'est à toi, mon enfant. Bonsoir les amis, ça va? Oui, ça ouais. Va. Nickel, je vais baisser un peu le son ici. Oui, vous avez l'air un peu énervé. Pas du tout, on est totalement détente, Olivier. On t'attendait, on attendait que toi. Messieurs, moi je viens, si ça vous dérange pas, pour parler de Harry Potter, l'héritage de Poudlard. C'est quoi? Comme vous, j'ai été hypé il y a 8 mois par le trailer, parce qu'en vérité, personne ne s'attendait à ce jeu. Comme vous, non? Personne s'attendait à un jeu Harry Potter en 2023 qui en plus est qui plus est était un monde ouvert qui plus est avait l'air énorme. Attends, donc après qu'est-ce qui se passe? On nous dit sont horribles. Et ben vous savez quoi, allez vous faire foutre, je vais aller sur une chaîne concurrente, voilà la vérité. Mais j'en sais rien, on n'entend rien maintenant. Il y a Flavien là qui vient d'arriver. Le son coupe, on entend mal. Non. Oh mais le gars, oh, un peu d'effort. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche, bordel? Flavien, je vais me refaire un café, j'arrive, démerdez-vous. Non mais, et Flavien, mais toi aussi, DG, c'est quoi cette installation? C'est quoi ce setup kit main libre? Mais les gars, pourquoi vous dites qu'on m'entend pas? Je suis en train de m'écouter dans le live, on m'entend parfaitement. Bah alors, pourquoi? C'est des mecs, c'est des rageux aussi, faut pas les écouter. Mais on m'entend parfaitement, c'est quoi ces rageux? Par contre, gars, Flavien, on n'entend pas là. C'est Flavien, hein, c'est pas moi. C'est Idéo en plus. Mais comment ça? C'est moi. Je règle les problèmes, moi. Tu frottes le micro sur toi, là. On sait pas ce que tu fais, là. C'est pas moi, c'est Flavien. C'est moi, putain, alors que je parle. Oh, toujours t'accuse. Le mauvais. On fait pas sur Discord. Ça marche très bien sur Discord. Qu'est-ce qu'on fait, du coup? On va se parler en tant qu'adulte, c'est-à-dire on va se laisser chacun s'écouter. Olivier, c'est à toi. Bonsoir messieurs, bonsoir, j'aimerais vous parler de Harry Potter, l'héritage de Poudlard. J'étais impressionné, voire j'avais l'impression de ne pas être dans le monde réel. En 2023, voir un jeu qui n'est pas une suite, qui n'est pas dans un studio
classe nous envoyer un open world Harry Potter magnifique qui avait l'air ultra complet, c'était, ça sortait de n'importe où. Personne l'attendait, personne ne le voulait. Et au final, ils ont mis d'accord tout le monde avec leur trailer. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, Hideo ? On est d'accord. Il faudrait que tu baisses le son de la télé, c'est parce qu'il y a un écho en fait. Je coupe le son du micro quand tu parles, donc il n'y aura plus d'écho. Sauf que moi, du coup, j'ai regardé mon pote DG, parce qu'entre-temps, les jeux vidéo coûtent cher, 80€, moi je les mets pas n'importe où. Donc je regarde mon pote DG, je vois dans le château, il fait le petit coulo là, à rigoler parce que les tableaux bougent. Mais j'ai vite compris que c'était nul. Il suffit de voir la première cinématique quand on arrive dans Gringotts, à quel point il n'y a aucune mise en scène, aucune ambiance, et que chaque dialogue, il n'y a pas un seul dialogue du début du jeu, et j'ose le dire, jusqu'à la fin du jeu, il y a une once d'intérêt, ou même ne serait-ce qu'une once de crédibilité, j'ai compris que c'était de la daube. Du coup, je n'ai pas acheté le jeu, et j'ai critiqué tous ceux qui ont acheté le jeu en disant que vous étiez des kikoulol. Vous satisfaisiez des jeux ridicules ou qui font perdre du temps. C'est n'importe quoi d'avoir acheté ce jeu. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai rien demandé. Il se trouve que nous sommes des influenceurs. Nous sommes des influenceurs. Moi, j'ai rien demandé. J'ai des fans. J'ai des fans dans ce monde. Et il y a Ludo RWH. Vous pouvez saluer. C'est Ludovic dans le chat qui est là ce soir. On le salue. Qui m'a offert le jeu. Alors, il m'a pas. Il m'a offert des sous et il m'a dit tu t'achètes soit Harry Potter soit Wanted Dead. C'était le soir de la sortie de Wanted Dead, une heure avant tout live. Et là je me suis dit mais attends, mais Wanted Dead il a l'air trop bien, Harry Potter il a l'air trop nul, qu'est-ce que je fais? Et finalement, je sais pas pourquoi, j'ai acheté Harry Potter. Et je pars d'Harry Potter. Je lance Harry Potter en me disant ça va être de la merde. Ça va être aussi nul que quand je regarde les gens jouer à Horizon 2. Quand je regardais Hooper regarder jouer à Horizon 2, c'était un enfer. Quand toi tu m'en parlais, c'était un enfer. Et je lance le jeu et là c'est un enfer. Je vous jure que c'est vrai. En une heure. Je m'étais endormi deux fois. C'est-à-dire qu'il y a deux dialogues où je m'étais endormi et un quart d'heure après, je me réveille et je continue le dialogue comme ça. Et donc, ça part mal. Le château, j'en avais partout la tête. Je vais même pas le visiter. Je rushais les quêtes principales pour voir où ça menait. Et moi, j'ai vécu le jeu de manière tout à fait inverse de la vôtre, messieurs. C'est-à-dire que je suis parti très bas et je suis monté petit à petit en voyant que le jeu, il avait plus à offrir que juste vraiment, vraiment un jeu ultra bas de gamme, ultra bas de plafond, avec rien qui va et aucune vraie surprise que de la poudre aux yeux. Et chaque chose qui était en plus que ça, ben je le prenais comme un truc positif parce que je ne m'attendais pas. Et au final, il faut pas cracher dans la soupe, le jeu m'a offert bien, bien plus que ce que je pensais. Et donc j'ai fini le jeu. Voilà, j'ai passé. Attends, je vais cliquer, il faut que j'appuie sur A. J'ai dû passer 35 heures en moins d'une semaine. Moi, je suis exactement à 35 heures de jeu en moins d'une semaine. C'est n'importe quoi. Alors, je me suis pas fait. Je suis pas rentré dans le monde comme on rentre dans un Skyrim et on en rêve la nuit et on pense qu'à ça. Mais c'était suffisamment agréable pour me faire tenir. Et du coup, j'aimerais en parler avec vous, messieurs, puisque maintenant j'ai dressé une liste. Des défauts et des qualités, mais pour ça il va falloir du débat. Et avant, il faudrait l'avis de Flavien. Merci. Voilà. Mais mon son, mais mon il est son... trop fini, ça va pas marcher. Il est parfait, ton son, Flav. Non, il marche pas, ça grésille, ça va pas être possible. Mais je peux le faire très rapidement si vous voulez. En plus, vous avez tout dit, c'est un gros flan ce jeu. Vous y avez déjà joué, il est dérivatif à en mourir. Il a juste un skin qui est inédit dans la qualité moyenne de la saga Harry Potter en jeu vidéo. Mais sinon, c'est un Ubisoft. Je change pas d'avis, je pensais déjà ça aux premières vidéos de gameplay. Et mais là, tu peux me permettre, Flavien, tu nous as dit il y a quelques mois que tu enchaînais tous les Assassin's Creed d'affilée.
Oui, bien sûr, bien sûr. Non, Non, c'est mais vrai que tu as j'ai. dû en faire au moins 2-3 dans l'année. Excuse-moi. Tu as raison, j'ai fait Odyssey il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que c'est le même jeu, quoi. Une fois que tu as fait un open world dans l'année, tu as les dents du fond qui baignent, il faut passer à autre chose. Parce que moi, je tiens quand même à dire que j'ai jamais fait Horizon, j'ai jamais fait les God of War, j'ai pas fait un Assassin's Creed depuis le Valhalla où j'avais joué 5 heures. Donc j'ai pas, moi, j'ai pas la redondance. C'est vrai. Et en plus, j'aime bien Harry Potter. Oui, voilà, donc ça peut aider, mais ce qu'a dit Théo et DG tout à l'heure, c'est toujours d'actualité quand même. Une fois que tu as passé les, allez, on va dire 15 premières heures qui te déroulent les mécaniques, le jeu, il est répétitif, jamais intense. C'est toujours la même chose. La deuxième carte ne sert à rien. Y a rien de très satisfaisant en fait. Comment pas? Mais c'est pas possible. Ok, je dis la vérité, je n'ai pas aimé ce jeu. Est-ce que tu avais tout pour l'aimer à la base? Ou est-ce que Bien t'es sûr. parti perdant? En quelques heures, il m'a envoyé du rêve. C'était un plaisir en tant qu'appréciateur de cet univers, avec un budget qui correspond. Mais au-delà de ça, c'est horrible. Y a rien eu qui t'a fait rêver, tu t'es pas baladé en. T'es Si, pas bien sûr. baladé, t'es pas Ah, fait bien. un petit sorcier avec un beau costume. Bien sûr, c'est vrai, t'as des petits trucs, des petits détails qui peuvent te faire plaisir. Mais à part ça, Est-ce qu'il n'y a pas certaines quêtes qui t'ont fait un petit peu vriller, enfin un petit peu émoustiller, on va dire? on va être clair, l'histoire, je la trouve nulle, je la trouve non événementielle, elle passe 40 heures à commencer sans jamais décoller, c'est que des clichés en boucle, les persos sont fins comme du papier, ils disent jamais rien d'intéressant, ils sont pas très charismatiques, il leur arrive rien de bien, mais ils ont un chouchou, c'est Sébastien. Le vague compagnon de chez Serpentard qui lui a un peu plus d'écriture dans ses quêtes, surtout sur la fin. Moi, je vais te dire, il y a quatre quêtes qui m'ont un peu fait rêver et qui m'ont un peu sorti de la nullité ambiante de tout le reste. Est-ce que tu peux en parler? On est là pour spoiler, on est d'accord. On a la quête de Sébastien, donc tout l'arc Sébastien, qui est plutôt sympathique. T'es pas d'accord? C'est plutôt sympathique, mais au niveau d'un Ubisoft ou d'un Bethesda. Je veux dire, les quêtes secondaires de Assassin's Creed Odyssey sont plus inventives, plus fun et mieux écrites. Il y a un problème, on est dans quel monde? Ben je sais pas, je les ai pas fait. Ouais, mais c'est effectivement, là où t'as raison, c'est que ça a forcément influencé un petit peu mon avis, le fait que je me sois fait un open world il n'y a pas longtemps. Sachant qu'en plus, j'ai un petit peu rejoué à Skyrim. Dans le genre open world vaguement systémique, c'était quand même autre chose, alors que j'ai plein de réserves sur Skyrim et que je suis pas complètement convaincu, loin de là. Et là, Ah ben j'adore Skyrim. il meurt sous tes bras, il est dans tes bras, le petit jeu, il a essayé de donner de son mieux, et tel Dobby à la fin de Harry Potter 7.1, il crève tout seul, c'est un soufflet qui retombe. Tu le sens partir en fait pendant que tu joues, tu sens ton intérêt s'émousser, tu fais tout le temps la même chose, le level design c'est toujours le même, le game design c'est toujours le même, tu vas faire les mêmes activités et le renouvellement de l'émerveillement, le côté parc d'attraction dont on parle à chaque fois, il n'est pas là, il n'y a pas de renouvellement de ça. Le jeu il crève et plus il avance, moins il y a de moyens pour faire des trucs intéressants. Ce qui fait que tous les trucs les pires du jeu, tu les fais sur les dernières heures, à part les quêtes de Sébastien évidemment. Mais moi, je suis pas vraiment d'accord avec Fabien. Oh, vas-y. La fin est nulle. Oui. La fin de la quête principale est complètement chiée, mais comme le reste de la quête principale, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je trouve que les quêtes les plus intéressantes, enfin, elles décollent un peu par rapport au début, vers la fin, justement. Mais à part Que ça Sébastien. soit la quête de Sébastien. Moi, j'ai eu la quête du magasin, la quête exclusive à la PlayStation. Alors par contre les mecs, juste essayez de pas spoiler. Pour l'instant on essaie de faire sans spoil. Spoil pas. On essaie de pas trop spoiler. Parce qu'il y a des gens qui ont peut-être acheté le jeu et qui l'ont pas encore fait ou qui vont pas l'acheter. Enfin je sais pas. Essayons de pas trop spoiler, pas des Faire trucs une partie importants quoi. spoiler après, c'est ça? Ouais, peut-être une partie spoiler après. Mais moi j'aimerais bien aussi votre avis en tant que fan connaisseur, surtout toi Flavien, de l'univers Harry Potter. Mais Olivier aussi, c'est un fan puriste, il nous l'a dit la Non mais dernière c'est fois. toi le fan Flavien, t'avais répondu au quiz avec Ideo, sans faute. Mais alors, là, c'est une question intéressante déjà que tu poses. Et je vais me permettre de répondre, Monsieur Sarkozy. Je t'explique. Juste Flavien, il y a moyen que tu décores au coup parce que ton micro il grésille à mort. Ouais, c'est ce que je vous ai dit, je vais Il est sur parler. téléphone. Il est pourri. Vivement les lives Discord, pour que ça soit Christ. C'est impossible pour toi d'avoir une meilleure connexion? Ah bah la connexion elle est parfaite. C'est quoi alors le Sur le problème? portable.
micro, la PS. Mais pourquoi tu passes pas par le micro de la manette PS5? De toute façon, tu sais quoi, je pense avoir donné à mon avis, on va vous écouter, et puis de toute façon, il faut que j'aille... Non, mais c'est... Ouais, c'est pas possible que tu reviennes avec une meilleure qualité? Si, je vais essayer de revenir. Ok, à tout de suite, mon pote. Parce que... Tu nous as fait faire Flavien. Non, mais il faut qu'il revienne, parce que je me dis là, j'ai envie de l'écouter... Mais si possible, sans grésillement comme ça. Il y a des phrases entières qu'on n'entend pas. Ça donne un charme. Non, mais mets-toi à la place des gens. Il y a des phrases entières qu'on n'entend pas. À la place des gens, en plein Kitman libre, ignoble, PS4 depuis 10 ans. Ils sont habitués, les gens. On va essayer d'avoir. Déjà que la qualité par la PlayStation 5 n'est vraiment pas dingue. T'as même regarde, Joachim, la dernière fois, il a mis son micro de qualité là. Même là, ça compresse le son. C'est une infamie la PS5 là-dessus. On entend nickel sur YouTube, tu vois. Vous entendez? Ah ouais? Peut-être que sur YouTube. C'est peut-être nous alors. C'est peut-être nous. Hein. Parce que moi, il y a des phrases entières que j'entendais pas. Flavien, dis-moi. Je suis étonné que Flavien n'ait pas aimé le jeu. Ah, ça m'étonne. Je pensais qu'il était plus positif. En fait, il y a que toi qui as aimé, Olivier. Mais bref, moi, c'est pas que j'ai aimé, c'est que je m'attendais vraiment à une telle bouse que finalement, il y a des trucs qui m'ont fait plaisir. Particulier quelques cinématiques, par exemple, c'est un détail, mais les cinématiques quand il y a des cours, il y a une petite tranche de vie comme ça où on suit des cours de fonction, des cours de je trouve vraiment super. Le jeu, il est magnifique, les saisons qui changent dans le château et tout, ça c'est intestable. Le château, évidemment, moi je m'attendais à ce que ça soit que visuel et qu'il y allait avoir 2-3 mini-jeux dedans où il faut faire 50 fois les trucs, genre retrouver toutes les pages, faire les clés. C'est ça, mais finalement, il y en a quand même beaucoup. Et entre les trucs du télescope, entre les trucs où il faut faire des maths, entre les énigmes du château qui sont cachées, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui les montre. Et c'est à toi de trouver, par exemple. Et j'ai trouvé, à un moment, il y a un pont, et t'as une petite énigme avec des brasiers allumés, mais c'est marqué nulle part. Quand tu fais Revelio, il n'y a rien, et tu as comme des énigmes, tu as des passages secrets. Il y en a un qui disait dans le chat tout à l'heure que ça amène aux cuisines, tu peux découvrir des pans entiers du château, des passages ultra secrets qui sont marqués nulle part pareil. En fait, il y a beaucoup plus de trucs que le minimum syndical. Ils ont quand même fait le taf. Comme disait Hideo, oui, on part ça à sa pièce. Moi, je ne l'ai pas fait, je m'en fous. faire des animaux, pareil, je ne l'ai pas fait, je m'en fous. Mais ça peut être fait. Je suis tout à fait d'accord avec Ido avec le concept de... Il n'y a pas de profondeur. C'est que tu le fais une fois, après c'est fini. Il n'y a aucun intérêt de le faire plusieurs fois. Mais je trouve que tant que c'est pas un jeu feignant, c'est un jeu qui est raté dans son écriture et dans son game design, un peu dans son gameplay, mais plutôt dans le game design, dans l'écriture et dans la mise en scène... Mais c'est pas un jeu feignant, Hideo, c'est un jeu qui a été fait avec du cœur. D'accord. Bien sûr. Et c'est déjà pas mal. Ah, bien sûr, bien sûr. Moi, c'est ce que je reproche à tous les jeux. De toute façon, les gars, si jamais Flavien peut pas améliorer la qualité, on le reprendra avec le micro tel qu'il est grisillant. On fera avec. Hein. Mais s'il peut faire mieux, ça serait vraiment top. Moi, en fait, c'est vraiment la boucle de jeu et les missions, mais toutes les missions, hein, que ce soit les principales ou les annexes. J'ai trouvé ça infâme, et puis je crois qu'on n'a pas encore parlé d'une chose, c'est qu'on... Je sais pas si t'en as parlé, Hideo. Vas-y, s'il te plaît. Que pour accéder souvent... c'est tout le temps d'ailleurs. Pour accéder à la suite des missions principales, il faut avoir un certain niveau. C'est vrai. Alors, non seulement par le niveau, mais en plus par un sort que tu dois apprendre, qui t'oblige à faire des missions anecdotiques nulles. Oui, des défis. C'est que des défis. Et c'est tout le temps ça. Et le plaisir du jeu, il est zéro pour moi. Zéro. Bien sûr. Non, mais DG, en même temps, excuse-moi. Mais tu dois faire, ça arrive peut-être 6 fois dans tout le jeu, tu dois apprendre des sorts pour ça, tu dois aller voir chaque professeur différent qui te donne une mini-quête, c'est des sorts obligatoires, ça fait partie du jeu. Si tu peux pas le faire, achète pas le jeu, je veux dire, c'est normal. Non, t'es jamais bloqué comme ça dans Breath of the Wild. Oui, mais ça n'a rien à voir. Si tu pars du principe que tu compares toi à Breath of the Wild, ça n'a rien à voir. Non, mais d'ailleurs, Red Dead 2, en fait, je vois pas, mais Phantom Pain 2, je ne vois pas d'autres jeux qui bloque comme ça en te disant pour accéder à la quête principale suivante, il faut tel niveau et il faut faire tel truc. C'est aberrant. Et puis c'est surtout quand tu vois le contenu des missions secondaires annexes qui te font faire, soi-disant annexes, parce qu'en fait certaines deviennent principales, hein, c'est aberrant.
récupérer tel objet, tester tel objet. On a l'impression d'être dans un tuto permanent pendant 15 ou 20 heures. C'est insupportable. Et moi, j'ai fini par décrocher, je ne pouvais plus. Et j'ai continué à jouer un peu. Je suis d'accord, mais pour ceux qui je ne pouvais plus avancer, en fait, ça ne m'intéressait plus. Pour ça, pour exactement ça, c'est-à-dire les missions qui demandent un sort, excuse-moi, il y en a 6. Je veux dire, ça va pas non plus te tuer, il faut acheter une potion et l'utiliser, pas non plus la mort. Mais en fait, ça paraît rien quand tu dis 6, mais manette en main, quand t'enchaînes les missions, au bout d'un moment d'être bloqué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et t'as vu ce qu'il faut faire pour augmenter le niveau. Mais moi, ça m'a insupporté. Je me suis dit, déjà que la boucle de jeu... Si je peux me permettre, oui. À partir du moment où t'as commencé à t'emmerder, ce qui était quand même assez rapidement, t'étais quand même bas level, tu devais être niveau 6 ou 7, à partir du moment où t'as commencé à t'emmerder... Les gens faites le calcul, c'était quand même 15 heures de jeu hein, qu'on a fait en stream. Oui, mais ça n'empêche pas que t'étais que niveau 6 ou 7. À partir de ce moment-là, t'as voulu rusher qui est le principal, et du coup, tu t'es retrouvé bloqué. Ah oui, mais c'est pas normal d'être bloqué. C'est parce que t'as voulu rusher. Moi, par exemple, j'ai pas rushé, j'ai fait toutes les quêtes dès qu'on me les proposait, j'ai jamais de ma vie été bloqué parce qu'on me demandait un niveau que j'avais pas. Et c'est pas normal d'être bloqué à ce moment-là. Parce que moi, j'ai enchaîné les quêtes principales parce que, constatant que les quêtes secondaires n'avaient absolument aucune forme d'intérêt pour moi, je me suis dit, autant faire les principales. Et se heurter à des murs comme ça, c'est insupportable. Honnêtement, j'ai aucun jeu qui me vient en tête. Sinon, je peux penser au From Software, tu vois, où bah, t'arrives dans des zones où t'es under level, mais bon, finalement, tu passes par d'autres zones et tu vas te refaire petit à petit. Mais là, vu la conception du jeu, je ne comprends pas qu'ils aient fait un truc comme ça. Je ne comprends pas. Mais Metroidvania, un peu. Il y a des trucs que tu peux pas faire tant que t'as pas les bons pouvoirs. Non, parce que, bah oui, mais sauf que dans Metroid, tu vas d'un endroit à l'autre, tu débloques l'objet en question, c'est pas du tout pareil. Là, en fait, t'as un cap de niveau à passer, c'est aberrant. Non, mais de toute façon, j'avais un jeu. Les mecs, moi je veux bien, est-ce que vous avez un jeu en tête qui faisait ça? Ou vraiment, littéralement, t'enclenches la quête principale, tu vas à la quête suivante et on te dit, ah non, vous pouvez pas parce que vous êtes pas niveau 17. Bah, je crois qu'il y a des JRPG, des RPG qui le font, oui. Moi, je suis pas fan des RPG, j'en fais très peu, mais je pense qu'il y en a plein qui font ça. Hein. Lesquels? Non, mais ça marche pas comme ça. C'est une logique. Les MMO, c'est sûr qu'ils font ça. Mais tu vois, dans un jeu comme ça, solo narratif. C'est bien. Non mais DG, par contre, là où je te rejoins parfaitement, parce que dans ce que tu dis, il y a deux trucs. Il y a apprendre les sorts, et ça pour le coup, pour moi, ça peut faire partie du game design, mais il y a les niveaux. Et les niveaux, c'est un scandale. En fait, les niveaux, c'est une arnaque dans ce jeu, parce qu'il fait la pire décision de game design de l'histoire des jeux vidéo. C'est-à-dire que quel que soit ton niveau, du début à la fin, les ennemis que tu vas rencontrer, ils seront tous basés sur ton niveau. Ils auront tous le même niveau. Donc, c'est-à-dire que tu fais une quête niveau 3, tu seras contre un ennemi niveau 3. Tu fais une quête niveau 30, tu seras contre un ennemi niveau 30. Et même si tu fais une quête qui était réservée au bas level, alors que toi, t'es en haut level, tu rencontreras des ennemis haut level. Ah, mais c'est complètement con, tu vois. C'est complètement con. Si on était dans un truc très ouvert, classique, en mode RPG, mais 100%, hein, c'est-à-dire comme dans les vieux Final Fantasy, et qu'on arrive à un moment donné dans une zone où on se fait péter par des mobs, je dirais rien, pas de soucis. Hein, je me suis enchaîné tous les vieux Final Fantasy récemment, j'ai vu. Hein. C'est pas ça. Là, le problème, en fait, comment dire, il y a une composante RPG, hein. Mais c'est pas un RPG. Pour moi, c'est pas ce que je peux qualifier de RPG. Mais ça, c'est comme tous les jeux actuels. Attends, je prends le micro. C'est comme tous les jeux actuels, il y a une composante RPG, mais qui ne sert strictement à rien. Et qui te bloque pour avancer sur une mission pour enfants. Non mais je trouve que c'est mal pensé. On me dit Odyssée dans le chat, j'ai pas fait. C'est possible. Non mais léger, ça va. En fait, t'as raison, mais t'imagines pas à quel point t'as raison parce que tout ce qui fait la composante RPG, c'est de la poudre aux yeux dans ce jeu. C'est-à-dire que les niveaux, c'est pas des vrais niveaux parce que quoi qu'il arrive, les ennemis en face, ils sont basés sur tes niveaux. Le loot. Il y a des coffres partout, c'est pas du vrai loot. Parce qu'en fait, t'as 15 habits différents et c'est juste leur tas qui change, c'est exactement les mêmes habits. Je sais pas, par exemple, tu vois, dans Xenoblade Chronicles X, qui est pour le coup un vrai RPG. C'est pas un truc fake comme ici. En fait, pour moi, Hogwarts Legacy, c'est comme beaucoup de jeux récents qui s'imposent une composante RPG parce que c'est la mode. Maintenant, tous les jeux font ça. C'est absolument partout, c'est un cancer. À carte de compétences. Xenoblade X, c'est un vrai RPG. Et le truc, c'est que parfois, t'as des missions qui te demandent d'avoir exploré genre 15% d'une carte avant de pouvoir déclencher la mission. Mais ça, j'ai envie de te dire, ça se fait. Ça, c'est, c'est,
ça se fait, un, ça se fait naturellement, et deux, c'est un plaisir de le faire parce que les environnements sont incroyables, le monde, c'est le plus ouvert. C'est ça le principal problème. Le plus ouvert que j'ai pu voir de ma vie, parce que tu le découvres de deux façons différentes. Au début, à pied, après, bon, une grosse surprise, je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas fait. En fait, de toi-même, t'as envie de poser des sons, de tout explorer, de. T'étudies, en fait, ce terrain. À chaque fois, t'arrives dans un nouveau monde, c'est incroyable. Mais là, dans un truc aussi fermé, un entonnoir conçu en serpent, sur un concept de jeu solo narratif, où t'es censé enchaîner des quêtes narratives à la Last of Us, un petit peu, ça n'a aucun sens. C'est ça que je dis. Ça n'a aucun sens de caper par un niveau. Pour moi, c'est aberrant. Ça m'a pas donné envie, ça m'a bloqué dans mon envie. C'est ce que je dis, en fait. Seulement, si vous, ça vous bloque pas, écoutez, dans ce cas, ne relevez pas ce point négatif. Moi, ça me fait vraiment chier. Que les gens comme toi, ils peuvent pas rusher, et les gens qui veulent se la jouer comme en Dark Souls où ils finissent niveau, ils peuvent pas, alors que c'est la base d'un RPG. En plus de ça, les ça va rien, c'est-à-dire que tu peux pas, justement, comme un Dark Souls, aller farmer pour devenir fort, puisque quoi qu'il arrive, tu seras contre un ennemi qui a le même niveau, c'est-à-dire que... Bah, tu peux, moi, je l'ai fait des fois pour compléter les niveaux, parfois je l'ai fait, mais tu te rends compte que tu gagnes quasiment aucune XP. En fait, le jeu t'encourage, du coup, à faire des quêtes secondaires nulles, niveau de... C'est pareil, la nullité des quêtes annexes qu'il y a dans ce jeu, mais alors peut-être dans les Assassin's récents, je les ai pas fait, je m'en fous royal, je n'ai jamais vu des quêtes annexes aussi pourries de ma vie, mais y compris sur les vieux Final Fantasy que j'ai refait récemment. Donc, mais qu'est-ce que c'est que ces quêtes, quoi? Qu'est-ce que c'est que ces quêtes qu'on nous donne? Les baguettes. Mais voilà, c'est pour ça que je me dis, bon, si t'as un enfant, que t'as 7-8 ans, c'est pas grave. Tu vois, tu vas accepter de le faire, t'es le parent à côté, bah tu peux quand même t'amuser, tu dis, bon, allez, c'est pas grave. Mais sans deck, les gars, quand t'as bouffé du jeu vidéo pendant 20-30 ans, j'essaie de pas m'énerver, je reste le plus calme possible, mais tu te dis, on se fout de ma gueule. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a plusieurs types de publics. T'as pour les fans Harry Potter, pour les familles, Et moi, je pense que les plus grands perdants, c'est les gens comme nous, qui sont des joueurs depuis très longtemps, qui avons vu ce genre de truc. Mais là, en plus, c'est pas juste qu'on a vu ce genre de truc, c'est que là, je vois des aberrations. J'ai du mal à me souvenir de la dernière fois où j'ai vu des trucs aussi aberrants dans un jeu vidéo. Donc, c'est compliqué. Très compliqué. Sauf que vous n'avez pas parlé du plus gros défaut du jeu. Vas-y. On n'a pas parlé. Le gameplay tel quel. T'étais censé être là pour défendre le jeu, Olivier. Mais je sais, mais j'ai quand même beaucoup de défauts. Et celui-là, c'est le plus. Des combats vas-y. Tel quel. Il est à peu près sympa, c'est-à-dire gérer les stores, comme disait tout à l'heure Hideo, les cooldowns, tu trouves un petit rythme. Il est sympa, même s'il est totalement limité par l'ergonomie et le fait qu'on ait que 4 sorts. Bon, ça peut être arrangé avec des flèches et tout, mais bon, l'ergonomie n'est pas du tout. Mais par contre, les combats en soi, c'est un enfer absolu, Hideo, mais t'as pas ressenti ça. Le moindre ennemi, il te faut au moins 4 minutes ou 5 minutes. Le moindre loup. Et t'as que des ennemis en boucle. Surtout qu'Hideo a joué en hard. C'est vrai qu'en plus, en hard, le seul le rajout, bon. C'est le fait de décupler la jauge de vie des ennemis et le fait qu'on on fait beaucoup de moins de dégâts. Non, mais je suis d'accord, le temps de. Sachant que ça gère pas la difficulté. Du début à la fin, c'est exactement qui sont aussi longs, c'est des combats qui, le moindre combat ça dure, ils sont tous pareils, ils sont tous inintéressants, c'est beaucoup trop long, les combats du bête au moins 5 fois moins long, et ça aurait pu être pas la raison pour laquelle ils font ça, c'est pour juste qu'on spamme pas R2 et qu'on fasse un petit peu des combos, mais c'est tellement raté, tellement mal géré. En fait, la vraie difficulté c'est pas le fait de mourir à se prendre des coups, la vraie difficulté c'est de supporter la lenteur de la longueur. Ouais. Ah mais moi chaque combat c'était un. Je savais que ça allait durer 3 heures. La moindre araignée, il te faut au moins 2 à 3 minutes pour la tuer. C'est un bonheur absolu quand tu dévoiles la magie en L1 plus R1 et lui enlever 20% de vie. On en est là, quoi. Je veux dire, c'est un enfer. Hideo, t'as pas ressenti ça? Ton micro il coupe un peu, Olivier. Il coupe un peu, mais ça va, on arrive à comprendre. Si, j'ai ressenti, bien évidemment, ce côté, en fait, ce flow très, très ralenti, très, comme tu dis, lourd des combats. Et je l'ai ressenti aussi sur pas mal de justement, même le dernier God of War. C'était exactement ça, c'était des phases de combat interminables, où on te faisait, comme tu dis, passer du temps pour justement que tu essayes de passer par toute la palette des sorts. Mais c'est tellement, comme tu dis, mal amené et forcé, en fait, ça force le trait. Pour t'obliger à utiliser justement ces sorts
En fait, je suis d'accord, quoi. Il n'y a pas vraiment de maîtrise qui en ressort. C'est un peu du truc abrutissant où tu répètes en boucle les mêmes patterns, bien évidemment. Le problème, c'est que le gameplay, on l'a déjà vu, revu, revu. Alors bon, voilà, pour ceux qui découvrent ce style de gameplay, ça peut être cool. Mais bon, au bout de quelques heures, je l'avais souligné, hein, ça me faisait tellement penser au Rocksteady, très vite, ça m'a gonflé. Je sais pas si je le noterais dans les plus gros défauts. Oui, quelqu'un a souligné la DA. Oui, la direction artistique, surtout celle du château, est magnifique. Il n'y a rien à dire là-dessus. Attends, Flavien, est-ce qu'il peut revenir ou pas? Je sais pas. Après, t'as pas que le château, je veux dire, après, ouais. Les bois interdits, c'est bon. Et tout est à peu près beau. T'as rien, t'as aucune raison, comme disait tout à l'heure. Je vais demander à Flavien. Traverse emballé, t'as aucune raison. Je vais contacter Flavien, voir s'il peut revenir. Ah! Attends. Impossible en raison d'un. Problème au réseau. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, Hideo, j'aimerais aussi parler de la technique. Tu t'y connais en technique? Écoute, j'ai assimilé un peu de technique. On peut savoir pourquoi ce jeu est bourré de bugs? Non, mon perso est resté. Alors, je voulais justement en parler parce que je sais pas si tu l'as remarqué, mais les bugs. Notamment dû au fait quand tu recherches ta partie et que tu te fais téléporter à un endroit où même t'es freeze, t'es lockdown dans une zone et tu peux même pas recharger ta partie, t'es bloqué de partout, tu peux même pas le truc, t'es obligé de quitter le jeu, ça m'est arrivé plus d'une fois, notamment au combat final. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais à partir de l'hiver, de l'époque de l'hiver, tous les bugs, tous les problèmes techniques sont apparus x10. Mais en termes, je ne sais pas pourquoi il y a autant de c'est pas une gestion d'optimisation, je pensais clairement un problème de pas de mémoire, mais de gestion des ressources, en fait, des ressources clairement qui n'ont pas réussi à bien optimiser dans notamment dans les scripts. En fait, t'as pas mal de scripts qui se lancent mal, qui sont, et je pense une question de oui, d'une question de véritable mémoire et de quand se lancent les scripts, mais c'est, pour moi, c'est un travail qui aurait dû être peaufiné, travaillé, ça. C'est honteux. Flavien, ah oui, ça fait un peu amateur. Les scripts font un peu amateur. On parle se coincer dans le décor. C'était arrivé au live à un moment. Ouais. Moi, ça m'est arrivé au moins 15 fois. La bonne nouvelle, c'est qu'en général, en posant les joysticks, au bout de 30-40 secondes, t'arrives à t'en sortir. Mais ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Ah ouais. Oui, le truc que j'avais montré dans la flotte, ouais. Ça m'est arrivé au moins 10 fois dans le jeu. Après, ce qui est très frustrant, bon, c'est pas très grave, c'est un petit défaut, mais sur PS5, en mode 120 FPS, ça fait un peu frustrant, c'est les temps de chargement cachés dans les portes du château. Bien sûr. Ça fout un peu les boules, parce que j'ai pas l'impression que c'est. Enfin, c'est bizarre, quoi, c'est bizarrement fait. On a l'impression que s'ils avaient voulu, ils auraient pu. S'ils avaient tenu. On n'entend plus, Olivier. On t'entend plus. Allô? Mais comment ça, vous m'entendez plus? Là, c'est bon, on t'entend de nouveau. Voilà, je disais, c'est un peu frustrant les mini-chargements dans le château parce qu'on a l'impression que s'ils avaient optimisé, ils auraient pu l'enlever, tu vois. Ouais. Ça fait vraiment amateur, on dirait. En fait, il y a un truc qui gâche un peu tout, je ne sais pas exactement la technique, c'est que le jeu est très beau en termes de texture et tout, mais il y a un problème de lumière. T'as des lumières qui... Ah, ben ça, parce que c'est simple, c'est qu'ils... Bah, la lumière, déjà, d'une, c'est ce qui pompe le plus de ressources, mais il y a des techniques qui ne sont pas employées, justement, pour... En fait, ils ont aussi, d'un point de vue technique, ils sont allés au plus vite, au plus simple, en termes d'optimisation. Ils ont enlevé des techniques de lumière, notamment l'occlusion ambiante, là, qui est une technique qui permet, justement, de rendre un peu plus de contraste et d'avoir une espèce d'une couleur plus naturelle, notamment sur la gestion des coins, et des petits rebonds, elle est totalement absente dans le jeu. C'est pour ça qu'il y a ce côté très délavé et très pâle par moments sur le château. Quoi. Seulement il y a ça, mais il y a aussi des bugs. C'est-à-dire qu'il y a plein de lumières qui passent à travers des murs, qui passent à travers la bouche des personnages. Oui, bien sûr. C'est ça qui gâche tout. Alors que le jeu est plutôt beau, mais tout est gâché par la gestion de la lumière. Tout à fait. Et bon, je sais pas toi, mais moi, donc, ça m'est arrivé à la toute fin. Je crois que c'était les deux dernières missions. Alors que je suis en mode performance, j'ai eu des grosses grosses baisses de framerate sur certains combats. Ça aussi, c'est vrai. Mais que à la fin. Pareil. Je veux pas dire le combat, mais un des derniers combats, c'est avec un combat laser, un combat de baguette, là.
À chaque fois, il y avait une baisse de framerate. C'était honteux. Et pareil, les donjons, on n'a pas parlé des donjons, mais j'ai trouvé ça... Les deux premiers donjons, c'est les mêmes. Le troisième donjon, il tranche artistiquement, mais c'est exactement la même, c'est des vagues d'ennemis. Et le dernier donjon, c'est même pas un donjon. En tout cas, donc c'est... En termes de technique pure, je pense que la version PS4 sera très 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 proche de cette version PS5. Parce que pour moi, on n'est pas du tout dans le jeu PS5. Ah oui, non, mais c'est clairement un jeu PS4. Hein. C'est assez clair aussi. C'est un jeu PS4. 10%. Par contre, la Switch va galérer, ça c'est sûr. Bien sûr. Ça va être horrible. Et par contre, je tiens à dire que malgré, pour moi, le manque, il n'y a aucun thème qu'on retient, mais je trouve que la musique, par contre, elle est excellente. Ouais. Et quand ouais, elle s'emballe, c'est vraiment un truc. Ah ouais, mais par contre, c'est... On retient rien, mais ça va super bien avec le jeu. Et c'est rare d'avoir de la musique comme ça, je veux dire, bien orchestrée, on se croirait vraiment dans un film. Ça m'a fait penser aussi à l'ambiance dans les Star Wars. C'est ça, bah Williams. Exactement, ouais. Ça m'a fait penser à ça aussi. On reconnaît les pattes, les petites nappes mélodiques de John Williams. Ils ont fait un effort d'accompagnement, de reconstitution. Non, mais tout ce qui est recréation d'univers, de trucs... Par rapport à la licence, c'est 20 sur 20, mais tout ce qui est créé autour en termes de jeu, je trouve mécaniquement ça très pauvre, très basique. Mais oui. Et puis il y a un défaut, et c'est. Les dragons, qu'est-ce qu'ils sont moches. Mais c'est pas que les dragons, c'est les chats, c'est tout. J'ai jamais vu des créatures aussi moches par moment. Bah, l'hippogriffe est beau. L'hippogriffe est beau. Les gars dans le chat, si vous pouviez éviter d'écrire des trucs genre Julien Chiasse, machin, etc., d'éviter les insultes, ça serait très bien. Surtout moi j'ai pas écouté ce qu'il a dit sur le jeu, je ne regarde pas. Voyons. Moi ce que je vise en fait, c'est pas une personne en particulier, c'est l'état de la presse globalement. Donc c'est pas que une personne, c'est tout un ensemble, mais ça fait longtemps que ça dure. Il y a beaucoup plus grave. Après voilà, faut différencier ce business des personnes. Donc ça sert à rien de les insulter. Mais c'est chiant parce que je pense que c'est important de lister tout ce qui va pas pour que les développeurs puissent avoir un feedback objectif et améliore pour la suite. Parce que là, je pense qu'ils vont faire des suites. Il y a quand même une bonne base pour faire une suite. Surtout voilà, pour ceux qui adorent cet univers. C'est pas comme si c'était de la merde absolue. Hein. C'est pas le pire produit qu'on ait vu en jeu vidéo. Parce que pour les fans, c'est quand même très très honnête. C'est pas tous les jours qu'il y a un produit à licence qui respecte à ce point-là un univers qui met autant de détails. Même si tu me demandais tout à l'heure, est-ce qu'on a vu mieux en jeu licence ? Moi, j'ai adoré Spider-Man, par exemple. J'ai beaucoup aimé. Parce que je me suis éclaté dans l'open world. J'ai beaucoup aimé la mise en scène. J'ai accroché. Bon, puis peut-être que ça me parle plus, Spider-Man. Sans être mon délire absolu, mais j'aime bien. Moi, j'ai pas accroché. Parce que justement, ça tourne, tout le jeu de Spider-Man tourne autour des combats. Ok, le thème de combat est bien. Bah, les combats sont quand même un cran au-dessus, t'es d'accord ? Ah bah non, mais ils sont 10 crans au-dessus. Mais c'est juste que moi, Harry Potter, j'ai détesté les combats. Mais il y a autre chose que les combats, il y a beaucoup de choses à côté, quoi. Ouais, mais c'est... Voilà, en tout cas, c'est clairement pas un foutage de gueule. Mais en fait, c'est pour ça, moi, j'ai préféré que les développeurs aient un retour objectif, que 10 sur 10, tout est parfait, changer un an, il y a quand même beaucoup de problèmes, faut les citer. Et c'est comme ça pour plein d'autres jeux. Et moi, vraiment, l'exemple qui m'a tué cette année, c'est God of War Ragnarok. Hein. Je suis persuadé, mais ça, j'en demanderai pas. Les critiques, il aurait eu 15 sur 20. Enfin, c'est un Metascore à 80 plutôt que 90 et quel, je sais plus combien il a eu le premier. On aurait eu un bien meilleur jeu. Et c'est hyper rageant. C'est hyper rageant, les mecs. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'espère que vous vous trompez pour. D'ailleurs, tu sais, on a fait une vidéo sur Zelda, là. Il y a des trucs qui ont leaké, on m'a dit pas. Alors, pas vu, ouais. Comme par hasard, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui. Comme par hasard. On n'a pas vu. Et moi, je regarderai pas. Par contre, on m'a dit que ça sentait super bon. D'accord. Ah, donc, ça fait plaisir. Donc, merci pour ceux qui ont écrit spoiler et qui m'ont averti. Et juste, j'ai demandé un résumé, on m'a dit que ça sentait très très bon. Donc c'est plutôt proche de l'avis que j'avais. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'en ont pas montré beaucoup dans les trailers. Un tout petit peu, tu vois, mais pas beaucoup par rapport à ce qui est prévu. Et voilà, moi j'ai. Nintendo, bon, moi j'ai fait le listing objectif. Par contre, tu as Breath of the Wild à l'époque. Pareil, tu vois, il y a des gens qui étaient pas contents de ma review parce qu'ils disaient t'as été beaucoup trop négatif. Et pourtant, je conclus en disant que le jeu était génial, mais j'ai listé tout ce qui allait pas. Dans l'optique de me dire si jamais, on sait jamais, un développeur un jour écoute ça, peut-être pour la suite, ils peuvent améliorer. Bon, mais malheureusement, tu vois, dans la presse, c'était beaucoup, beaucoup de critiques dithyrambiques, tout est parfait. Même s'il y en a certains qui ont été objectifs. Hein. Ah bah, y a heureusement, Nintendo, ils ont l'air de s'être remis en question et de se dire bon, tout n'est pas parfait sur Breath of the Wild, on en est conscient, on va l'améliorer pour la suite. Mais ça devrait être la démarche, en fait. Chaque personne devrait être son propre critique et se dire, bon, ok, le jeu a quand même 20 sur 20. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, tu vois?
Qu'est-ce que j'ai merdé? Bref, j'ai quand même espoir en Nintendo. Attends, faut sortir de là, j'en peux plus. Hein. Rendez-moi mon balai. Bref, Olivier, parce que tu m'as dit que tu avais noté plein de trucs, on attend encore Flavien le retour, on prendra ensuite des gens du chat, des members là, qui souhaiteraient intervenir. Ceux qui ont aimé le jeu. En priorité, ceux qui ont aimé le jeu. Je rebondis sur Joy Division dans le chat qui dit « Malgré les défauts, ce Harry Potter est plus charmant et tentant que God of War. » Je suis tout à fait d'accord. God of War, il n'ira jamais dans la PlayStation. Il a l'air endormissant. Et j'ai encore des défauts pour Harry Potter. C'est vraiment des défauts qui font très très mal. Il faut savoir que dans mes 35 heures d'aventure, c'est no fake et ça m'arrive rarement. Je me suis endormi peut-être 8 fois. Mais c'est vrai endormissement. Des fois pendant plusieurs heures. Devant un dialogue, j'ai jamais vu... Alors moi, j'ai pas fait The Witcher. Je sais que tous les dialogues des RPG, c'est comme ça. J'ai jamais vu une mise en scène aussi nulle. De chant contre chant. Mais c'est chant contre chant basé à une écriture traniaise qui n'en finit pas avec plein de détails de merde. Et le tout, plus la tronche de notre personnage principal, tout le temps en train de sourire. Mais c'est une tête à claque. Le mec, à un moment, on croise quelqu'un qui nous dit... Mon mari vient de mourir il y a 5 minutes. Et nous, on le regarde avec un grand sourire comme ça. C'est comme dans The Witcher 3 pour le coup. Mais bon, ça c'était pardonnable dans Witcher 3 vu le nombre de quêtes. Faire une mise en scène sur toutes les quêtes, même les plus annexes, ça aurait été quand même un peu compliqué. Donc là, je pense que c'est un peu la même chose. Il y a tellement de quêtes à la con. Tu t'imagines bien qu'ils vont pas s'amuser à faire de la mise en scène à chaque fois. Hein. Mais je vois ce que tu veux dire, ça fait partie des défauts du jeu. Faites pas un RPG dans ce cas-là avec des milliards de sous-quêtes, on est d'accord. Et en plus, du coup, la mise en scène est nulle, mais dès qu'il commence à avoir de la mise en scène dans les missions principales, là c'est encore pire. On a l'impression d'être sur un jeu PS1. Dès que notre personnage il fait quelque chose qu'on voit pas d'habitude, c'est-à-dire un mouvement, ne serait-ce qu'un mouvement, je sais pas, genre il lève le bras, c'est trop mal fait, ou alors il doit faire une roulade. Tout est mal foutu, la mise en scène et les dialogues, c'est un scandale. Par contre, si t'as, Olivier, si t'as aimé quand même globalement Hogwarts Legacy, tu devrais faire Witcher 3, ça va te plaire. J'aurai un peu la même expérience avec dialogue plus intéressant. Ouais. Après, bon, il y a quand même des problèmes. Il y a des problèmes aussi dans Witcher 3, mais globalement, c'est quand même plusieurs coins au-dessus. Hein. À part pour le gameplay qui est catastrophique, mais c'est quand même plusieurs coins au-dessus. Pardon, je t'ai coupé, Olivier. Non, mais écoute, ça va. Moi, c'était vraiment les aberrations. Gameplay, game design, là, ces combats qui n'en finissent plus, mais j'ai jamais vu ça dans aucun jeu vidéo. Et les combats qui sont tous les mêmes du début à la fin, puisqu'on a tout le temps la même différence de puissance contre les ennemis, qui n'en finissent pas, mais c'est nul. C'est une nullité absolue. Il faut absolument gérer ça. Le loot qui est inutile, une centaine de coffres qu'on a dans le château, c'est pour avoir les mêmes vêtements en boucle. C'est un faux loot. En fait, on veut faire un RPG, mais il n'y a aucune vraie composante de RPG que de la poudre aux yeux. C'est un truc de fou à quel point ça m'a sauté aux yeux. Et c'est dommage, en fait, il fallait juste pas faire un RPG. Je sais pas pourquoi tous les jeux s'obligent à faire ça aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Ça devient insupportable. Ça fait partie du cahier des charges, hein, de la part des studios qui ont en interne des... Non mais tu me fais rire, tu passes le micro. Laissons le micro Milo, ça sera mieux pour... Non mais c'est clairement ce qui est en termes de retour d'expérience aussi d'un point de vue utilisateur, on sait que c'est des trucs qui marchent, des ficelles qui marchent pour justement arriver à maintenir à peu près la motivation du joueur parce qu'il a l'impression, comme tu dis, d'évoluer, de progresser, alors que tout autour, comme tu le vois, ça va jamais plus loin, mais c'est clairement un aspect... que tous les studios se entre guillemets s'obligent à faire, mais qui, je pense, par moment, ils seraient peut-être mieux amenés à réfléchir autrement leur formule, clairement, qu'on voit ça. Mais bon. Ah oui, non, mais les arbres de compétences, ça fait 15 ans qu'on n'en peut plus. Non, mais c'est clair, c'est vraiment dommage qu'il y ait un tel cahier des charges sur autant de jeux de AAA. Non, mais c'est tous les mêmes, à chaque fois, c'est tous les mêmes jeux. 15 ans, t'appuies sur Start, t'as des onglets avec compétences, inventaire. Insupportable. Créer des game design qui sont en rapport avec votre jeu. Il y a Flavien qui m'a dit, il arrive, ça charge. Ah.
Ah, ça fait plaisir. Et du coup, voilà, je dois quand même dire un shout-out, comme on dit en Amérique, pour la quête unique à PlayStation, donc la quête du magasin. Ah, la maison hantée. Et franchement, on s'y attend pas du tout. Moi, je savais pas qu'il y C'est avait cette le quête. seul truc qui tranche, à peu près, voilà, qui est J'étais même pas au surprenant dans courant. ce truc. Je suis d'accord. Et franchement, elle te tombe sur la gueule comme ça, sans prévenir. Elle est énorme. Elle est vraiment énorme, il faut le dire, quoi. Et du coup, c'est un peu dommage parce que donc il y a une quête à Azkaban, a priori, pour les joueurs Xbox, mais on l'aura jamais, quoi. Et c'est que dans la version de luxe en plus. Ah, sérieux? Oui. Est-ce que Donc vous avez il y a quand même parlé aussi cette... le truc Oui. aberrant là? Quand on est L'accès dans anticipé, quoi. une mission. Ouais. Ah, le fait de aussi, bien sûr, On peut pas sortir on des peut pas sentiers battus sortir des du sentiers tout. battus, bien Mais dix sûr. fois pire que Red Dead 2. 10 fois pire que. Ouais, ça te met la pression, t'es vraiment mal. En fait, c'est ultra punitif, t'as l'impression que tu fais une faute grave. Alors que c'est au contraire une faute du jeu lui-même qui n'arrive pas à Ah oui, justement. l'écran il devient rouge sang. C'est ça, rougeant, t'as un compteur, t'as l'impression que c'est la fin du monde. C'est C'est terrible. pire que Majora's Mask. C'est terrible. Donc, oui, je trouve c'est. Non seulement c'est ignoble et c'est pas classe d'un point de vue visuel, mais en plus c'est punitif pour le joueur. Donc Alors pourquoi? on demande si la maison hantée c'est que sur PS5 et Deluxe. Non, Non, c'est mais c'est pas aussi dans la Deluxe, hein, version parce que moi j'ai standard, pas t'es la Deluxe sûr? vidéo. Hein. Ouais, moi j'ai la D'accord. normale. Ah, Mais t'as du la coup, c'est normale, bah uniquement ok. PlayStation par contre, et Ah, c'est les joueurs uniquement Xbox pour PlayStation, ok, la j'avais mal. mission à Ok. Azkaban. Ok. Donc ils vont à Azkaban avec les détraqueurs et tout, ça peut être sympa, mais du coup, j'ai pas vu à quoi elle ressemble. Je sais pas si les joueurs Switch en auront une spéciale. Billy the Kick, c'est pas qu'aucun jeu nous plaît, c'est que ce début d'année, pour l'instant, dans ce qu'on a couvert, c'est très 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 décevant. Entre Forspoken, Hogwarts Legacy, Hi-Fi Rush, je sais plus, Wanted Dead, pour l'instant, Ah oui, Dead Space Remake. voilà, pour l'instant on n'y est pas. Est-ce qu'on Maintenant ose là, je dire vais tester Ishin? Atomic Heart, je vais tester Wild Hearts, après il y a Hero 4 Remake qui arrive, on espère que ça va s'améliorer. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on a couvert en début d'année, je suis désolé. C'est en C'est pas qu'on deçà. est blasé, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Idéo, est-ce qu'on ose dire Ishin ou pas dans la liste? Me parle pas d'Ishin. Non, mais Ishin, je peux le mettre dans la liste parce que Aïe, aïe, clairement, je aïe. reconnais objectivement qu'ils n'ont fait pas un travail ils n'ont pas fait vraiment d'efforts pour remanier et moderniser le truc. Mais en même temps, moi, en tant que fan, c'est pour ça que je peux respecter les fans qui aiment ce jeu parce que il y a ce truc-là qui peut totalement aussi sauver et voilà quoi, qui peut effacer d'un point de vue subjectif les défauts du jeu, je peux comprendre. Mais bien sûr. Là, je m'amuse une dernière fois à faire le tour parce que c'est le seul truc qui m'a plu dans ce jeu. Faire le tour en balai. Alors non, moi j'ai vraiment aimé franchement certaines ambiances, je te dis, quand il y a des cours. Alors c'est des petites cinématiques qui durent 2-3 minutes, Mais mais je les trouve c'est super pareil, on les fait réussies. une fois, c'est pas un truc justement, c'est pas un truc inscrit dans le jeu, ça. Je suis d'accord, Oui, c'est mais sympa la première fois, heureusement. mais t'en Imagine vas on le qu'une ferait 30 fois. fois. Imagine on le ferait 30 fois, ça sera un enfer. Mais non, mais c'est pas question de 30 fois, c'est que le fait que ça soit tellement superficiel, c'est une cinématique qui justement te fait croire que ce truc-là, il a un impact et Attends, que tu suis des cours. juste, idiot. Tu vois, quand tu vois des campements comme ça, tu peux survoler. Ouais. Ils auraient totalement pu le faire dans le village. Je pense Bien qu'on. sûr. Non, mais je pense qu'on m'a pas dit une connerie. Je pense que dans les bouquins Harry Potter, t'as pas le droit de survoler la ville en balai. Hein. Ça doit être ça. Hein. C'est Parce que honteux. clairement, ils pouvaient. Non, mais c'est honteux. Ça doit respecter le bouquin pour le coup, parce qu'ils sont capables de le faire. Regarde. Ouais, je comprends pas. Bah, ça doit être un respect du lore. Ah bah d'accord. Je vois pas d'autre solution, pardon, tu penses. Ils pouvaient Non, je pense respecter pas les que ce soit lois. respect du lore, ça doit être technique. Est-ce qu'on peut me confirmer que dans les bouquins Harry Potter, on n'a pas le droit de souffler, de survoler la ville Pré-au-Lard? Non, mais ce que je voulais dire, Olivier, c'est bien sûr la cinématique en En balai. soi, l'avoir 30 fois, c'est pas ça que je dis, mais c'est le fait que. En vérité, cette cinématique n'emmène nulle part. C'est-à-dire que ça n'ouvre pas un course, ça n'ouvre pas une boucle de gameplay, ça n'ouvre rien en fait. C'est juste une espèce Ah de oui, mais tentative, une c'est fausse quand même un promesse encore une jeu. fois, en te faisant miroiter que t'es en train de suivre quelque chose. Mais en termes de gameplay, ça n'apporte rien. C'est pas. Moi, j'aurais préféré clairement que t'as à la manière de Bully ou d'autres jeux de la sorte, ou même Persona, que t'as vraiment un truc en cohérence et en adéquation avec cet univers-là de suivre des cours, un truc pédagogique. Et je trouve d'ailleurs la manière d'apprendre les sorts très nulle, où tu fais des défis qui n'ont. Bah des défis classiques, en vérité, tu achètes des trucs, tu fais des trucs que tu aurais pu faire totalement de manière indépendante, mais qu'on t'oblige à faire, etc., pour justement habiller ce truc.
et que même le mini-jeu en tant que tel, bon après c'est... Je sais pas comment on aurait pu faire mieux, mais je trouve que ce n'est pas du tout intéressant en termes de gameplay. Moi j'ai une idée, de, en fait, c'est au lieu de faire leur cooldown de merde, ouais. En fait, est-ce que tu as joué à... Pardon ? Est-ce que tu as joué au jeu Skate ? Skate, ouais, bien sûr, la démo. Et bah, quoi. Pour faire un 3-6 flip, tu dois faire le joystick. Ah oui, avec le stick droit, avec le stick droit, bien sûr. Il fallait faire ça dans les combats où on fait vraiment les sorts, ça aurait été énorme. Est-ce qu'il y a un truc dans le lore Harry Potter qui interdise de faire des loopings en balai ? En tout cas, on m'a confirmé qu'il y avait un sort de protection. Ah bah non, ils en font tout le temps. Apparemment, il y a bien un sort de protection autour de Pro-Lar qui fait qu'on n'a pas le droit de survoler en balai. Donc, il semblerait que ce soit pas une limitation technique, mais bel et bien un respect du lore, les mecs. Donc, passons pour ce point. Ouais, bah d'accord. Non, mais à ce niveau-là, c'est comme tous les bugs ou les trucs qu'on va nous dire, c'est magique, c'est Harry Potter. Non, mais... Mais excuse-moi, oh! Non, mais d'accord. Et les murs invisibles, c'est aussi le respect du lore! Non, ça non! Et les chats qui ressemblent à rien, c'est le respect du lore! Écoute, en tout cas, pour ce qui est de pré-lore, je peux le respecter. Je respecte pas. On est dans un jeu qui se veut open world. Il doit faire des concessions pour le jeu, pas pour le respect du lore! C'est le respect du lore. C'est magique. On peut le dire. Bon. Il a bon dos le respect du lore. Ouais, mais écoutez, respectons le lore. Très important. Respecter. Bon, Flavien, il m'a dit qu'il arrivait, il est où ? Flavien ? Allô ? Mais Olivier aussi. Olivier ? Moi, je suis là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les défauts, la liste des défauts, elle est où ? Bah attends, depuis tout à l'heure, j'ai commencé... On veut trouver des défauts, Olivier ! J'ai commencé en disant que j'avais aimé le jeu, et ça fait un quart d'heure que... C'est trop tard ! Ah oui, t'as dit que t'avais aimé, et bah continue ! Bah comment ça ? Bah j'ai tout dit, moi, c'est bon. Donc tu aimes est-ce que tu le valides ? Alors, DG, je suis désolé, mais t'es obligé de prendre en compte le fait que c'est pas un gros studio et que c'est leur premier open world. T'es obligé de le prendre en compte. Attends, Olivier, apparemment c'est 150 millions d'euros de budget. Ah bon ? Ça n'empêche pas que c'est pas un gros studio et qu'ils ont jamais fait d'open world. Non mais, attends, excuse, ça représente, tu te rends compte de ce que c'est comme budget ? Non, mais ce qui s'est passé, DG, ça, pour moi, c'est clair et net. C'est que les mecs, ils n'avaient jamais prévu de faire un jeu aussi ambitieux. Ils ont commencé à gratter des trucs sur le game design. Et là, les développeurs, ils se sont dit, ah oui, en fait, enfin, les producteurs, oui, enfin, ils se sont dit, ah oui. Olivier, je veux bien, mais ne fais pas passer ça pour un jeu indépendant. Hein. Bah, non, mais d'accord, c'est pas un jeu indépendant. C'est pas un God of War, Last of Us. Bah en tout cas, il me semble que le budget du premier God of War est inférieur à Hogwarts Legacy. Hein. Enfin, le premier God of War, celui sur PS4, le premier. Ah bon ? Bah, il me semble. Attends, 150 millions, c'est deux fois Witcher 3. C'est plus de deux fois Witcher 3. Non, mais Witcher 3, c'était une époque où l'inflation n'existait pas. Bah, enfin, dites-moi les jeux qui ont surpassé les 100 millions de dollars ces dernières années en coût de développement. Moi, à part l'exemple évident, c'est Red Dead 2 qui est hors de prix. Que personne ne mettra jamais autant de pognon dans un jeu, à part Rockstar, c'est colossal, 150 millions. Il y a très peu de jeux qui arrivent à ce budget-là. Les gars, allô ? Moi, je ne m'y connais pas en budget, je ne sais pas ce que ça représente. Bah regarde, Olivier, Phantom Pain, c'est 80 millions, Witcher 3, c'est 70, et c'était énorme, c'était énorme. Il y a certainement quelques autres jeux qui ont un peu plus... Peut-être qu'il y a d'autres jeux. Cyberpunk, j'imagine, ça doit être du 100 millions, j'imagine. Peut-être un peu plus. Parce que c'est quand même du temps de développement. Red Dead 2, on sait que... Enfin, on sait même pas. On l'estime à 700 millions. Parce que ça a pris 8 ans avec une équipe colossale, etc. Last of Us 2, je sais plus le budget. Je pense qu'il doit être très très haut. Mais sinon, la plupart des jeux qui sortent sont en dessous. Hein. Là, ça, c'est colossal, 150 millions d'euros, les gars. C'est pas l'inflation à bon dos, là, pour le coup. Enfin, c'est pas l'inflation qui... En plus, attends, 5 ans de développement, les gars. 5 ans à titre de comparaison, Phantom Pain, c'est 5 ans. 62... C'est 2 ans de développement. Non, 5 ans. Non, le moteur a fait 5 ans. Oui, mais si tu prends depuis le début, c'est 5 ans. Et 80 millions. Ouais. Là, c'est 5 ans et 150 millions. Ah, mais ça a augmenté les prix, non ? Ça a augmenté les prix, non, mais... Le football, il a changé ? Mbappé, il coûte 30 millions. Enfin, ok, alors Cyberpunk, il vaut certainement plus cher, mais excusez-moi, Cyberpunk est quand même beaucoup plus fourni. Enfin, rien de pas le comparer à Hogwarts Legacy. Ah, Flavien, moi je te laisse parler, je vais faire ma gueule. Enfin, le retour. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci ? Ah, c'est parfait. On t'écoute.
Ça valait le coup d'attendre. C'est magnifique, Flavien. Bah, c'est nous qui allons t'écouter maintenant. On n'entend pas, Flavien. Les gars, vous êtes nuls en logistique. Alors, il faut que tu partages ton... C'est Flavien qui doit partager. Il faut que tu partages ta voix, Flavien. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Flavien, au moins, il a une très, très, il a une très bonne connexion. Maintenant, tout va bien et vous allez l'entendre dans quelques secondes. Alors, c'est dans les paramètres de la partie. On est bon, on est pas bon. 150 millions, c'est cher. Flavo Flav. C'est trop cher. Dans les détails de la partie, on dit oui. Bah non, peut-être. Ouais, va dans les paramètres de la partie et tu mets autoriser voix. Paramètres du chat vocal. Voilà. Normalement, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ma voix est partagée? Est-ce que ma voix est cristalline? Oh là là là, est-ce que vous entendez bien, Flavien? S'il vous plaît. Nous sommes désolés pour le retard. Je suis désolé en direct. Ah, les aléas du direct auprès de la France pour ce problème technique. C'est bon, Flavien, ils t'entendent. On te laisse parler. Mais c'est magnifique. Ça me fait très plaisir. Du coup, j'avais peur de répéter ce que vous avez dit en boucle et qui était totalement vrai. Donc, je vais essayer de me concentrer sur des détails. Vous avez parlé des coffres ou pas? Parce qu'il va falloir qu'on parle de RPG et de vrais RPG. Ah bah, là, ça va plus du tout. Pour moi, les coffres, c'est la Rodka. Parce qu'en fait, il n'y a pas de loot dans ce jeu. Du coup, il n'y a pas de loot. Il est complètement RNG. C'est randomisé total. Tu peux tomber sur n'importe quoi à n'importe quel moment. Et que, vu que ça va avec ton niveau, ça fait que leveler. C'est comme les ennemis. Tu n'as pas de, par exemple, de tenue légendaire à niveau fixe que tu pourrais trouver en cherchant ou je sais pas quoi, c'est complètement randomisé. Ça, c'est l'inverse d'un RPG par exemple et d'un truc qui te met dans l'immersion. T'as juste l'impression d'aller au shopping et de choisir des skins. Ah non, mais en fait, c'est tellement flagrant que le côté RPG c'est de la poudre aux yeux, c'est vraiment ridicule pour le coup. Il faut parler de ça parce qu'il y a un gros problème, tu le sais Olivier, vous le savez dans l'équipe, les RPG c'est probablement le genre de jeu que je préfère, et les RPG occidentaux, j'adore ça, j'adore leur système, par contre je trouve que ce qu'ils ont amené au jeu grand public aujourd'hui est une gangrène. Entre autres, la venue de Skyrim et tout le game design de The Witcher 3, qui a été décliné ces dernières années je ne sais combien de fois, on en parle à chaque fois, mais de Horizon à Assassin's Creed à ce que vous voulez. Et Harry Potter, le truc c'est que, ok, admettons t'as un système à la con, comme vous en parliez tout à l'heure, des dizaines de quêtes qui sont en champ contre champ à la con avec des personnages qui te demandent d'aller chercher des trucs. Pourquoi pas, mais il y a deux paramètres. Soit c'est super bien écrit, et du coup les champs contre champs tu t'en fous parce que tu t'éclates à l'idée de découvrir des nouvelles histoires que vont te dégoter les développeurs, où ils vont s'amuser à pouvoir partir complètement en live dans un univers de fantasy et être très inventif avec les règles. Oui, par exemple The Witcher, il y en a des excellentes effectivement, donc soit ça te fait passer la pipe de la mise en scène, soit tu t'amuses beaucoup manette en main en faisant ces missions. C'est-à-dire par exemple avec Hideo, on partage un amour pour le jeu Death Stranding. Dans Death Stranding, les quêtes secondaires c'est nul, c'est la même chose que le reste du jeu, c'est va là-bas, point, il n'y a rien d'autre. Mais vu qu'on aime faire ces trajets, on les fait les quêtes. On s'en fout qu'il n'y ait pas d'histoire, on s'en fout qu'il n'y ait pas de mise en scène sur ces trucs-là précis. Est-ce que tu peux confirmer Hideo sur ce point? Je confirme. Ça me fait très plaisir. Oui, allô Flavien, salut, je confirme. Ah, ça me fait plaisir Hideo. Et bien voilà, et du coup là il n'y a aucun de ces deux paramètres, ce qui fait qu'il y a toutes les composantes des RPG. On a du loot à gogo, on a du leveling, on a la vague personnalisation, la vague gestion, du craft, putain. Il y a tous et ces trucs-là. Pire du pire, juste la bière, faut que je le dise. C'est oui. Ce putain d'inventaire qui est limité à 24 objets. Oui, non, ça c'est complètement aberrant. Alors, ça n'a aucun sens, c'est du loot comme tous les jeux à la con d'aujourd'hui, sauf que c'est limité comme un RPG où ton poids devrait être géré, tu devrais faire un choix, des choix draconiens quant à l'équipement que tu vas devoir prendre pour une mission spécifique. Là, il n'y a pas de RP. Les joueurs, ils peuvent commencer avec le choix pot qu'ils veulent, dans la maison qu'ils veulent, ils peuvent décider d'être un psychopathe ou d'être le plus gentil des moutons, ils auront le même jeu à la fin. Ouais. On a tous la même partie. Alors que c'est le principe de ces jeux-là, de pouvoir t'offrir des builds différents. Bethesda fait beaucoup de mal, je vais donner un exemple. Le leveling des ennemis dont vous parliez tout à l'heure, je suis pas 100% contre sur le papier, mais pas dans un système comme ça. DG t'a dit tout à l'heure que, je sais plus si c'est toi DG, quelqu'un a dit que ça faisait penser à Last of Us.
Pas Last of Us, mais à du Naughty Dog. C'est-à-dire que les moments de mise en scène où tu dois suivre des gens jactés pendant 10 minutes, dans des moments d'émerveillement où on va te présenter des décors et les gens qui marchent à deux à l'heure parce que c'est un blockbuster, en quoi, comme le dit Hideo, c'est compatible avec l'open world systémique où tu vas devoir jouer en automatique comme un zombie. Ils auraient gagné à faire un jeu à la Last of Us, tu vois, ultra narratif, parce que c'est pas le cœur du jeu. 25 heures, il y a que les meilleurs moments, ils mettent tout le pognon qu'ils veulent, mais ils délient pas. Là, t'as une deuxième carte qui fait la même taille que la première putain de carte, elle sert à rien. Il y a rien. C'est pour voler en balai. Il n'y a pas de gratification à trouver les grottes. La base d'un RPG, tu te balades, tu te dis pendant une heure, je vais trouver des putains de grottes. Même dans Elden Ring, c'était super, bien ça, sûr. Des grottes ou des donjons. C'est tous les mêmes. Ça, c'est Skyrim, ça a foutu la merde. Sauf que dans Skyrim, tu pouvais le faire comme tu le voulais. Et à la fin, dans un donjon dans Skyrim, t'avais des trucs légendaires, ou du lore, ou une mission secondaire à laquelle tu t'attendais pas. Tu vois, on tape beaucoup sur Cyberpunk. En l'occurrence, Cyberpunk, à des moments où tu t'y attends pas, il y a une quête secondaire qui peut se lancer au milieu d'une autre mission, ou des choses comme ça, des trucs de base qu'il y a dans ces RPG à la con. Il ne fait pas un seul truc comme ça, le Hogwarts. C'est horrible. C'est un faux RPG, je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de pire dans l'industrie aujourd'hui, parce que ça fait des jeux de 70 heures, chiants et répétitifs. C'est horrible. Exactement. C'est tout le problème. C'est dur. J'aime pas que Witcher 3 ait autant marché, ça m'énerve, parce que Witcher 3, c'est vraiment un jeu remarquable. Il est assez exceptionnel, mais ce qu'il a donné après, c'est vraiment compliqué. Attends, t'as dit quoi sur Witcher 3 ? Que je suis pas content en fait qu'il a eu du succès, parce que autant le jeu était vraiment remarquable, autant ce qu'il a donné, les conséquences de ça, c'est catastrophique pour l'industrie. C'est ça, mais tu vois, quand tu critiques le jeu en 2015, tu te fais atomiser la gueule. Et 10 ans plus tard. Mais là, le pire, c'est que c'est un sous Witcher 3. C'est ça. Et. C'est du coup, je suis étonné, je pensais. En tant que fan d'Harry Potter, t'as pas quand même été un peu émerveillé? Mais j'ai décollé, évidemment, mais il faut savoir décorréler la poudre aux yeux, et je suis conscient qu'il y a de la poudre aux yeux et que ça peut aider à kiffer un truc, mais la poudre aux yeux, elle fait son effet un certain temps, ce qui fait que ta proposition de faire un jeu normal à la Naughty Dog, peut-être que le charme aurait marché du début à la fin, pourquoi pas. Par contre, je voulais revenir en tant que pseudo-fan de Harry Potter, il y a que la moitié du délire, en fait. Il y a l'émerveillement, il y a le côté chatoyant, il y a le côté conte, il y a le côté magie, tout ce que tu veux, mais Harry Potter, c'est tout le côté glauque qui vient avec. Il est à peine effleuré dans le jeu, à peine. L'histoire principale n'en parle tout simplement pas, et t'as juste des quêtes secondaires avec l'autre Sébastien, désolé un peu du spoil, qui va virer un peu en mode Anakin Skywalker, et tu peux décider de le suivre ou pas dans son côté obscur, mais c'est pas du tout abordé. Ton personnage peut être un psychopathe, il y aura toujours les scènes mignonnes à l'école avec Noël et les sapins. Ça n'a aucun sens, il n'y a pas de cohérence, et ça s'ampute de la moitié de ce qui fait que les gens qui aiment Harry Potter aiment Harry Potter. Il y a que la moitié chatoyante. Du coup, il n'y a pas le vrai, ce qui fait que c'est une bonne histoire. Ce n'est que la moitié de ce qui fait qu'on aime. Et au bout de combien de temps l'effet fanboy s'est dissipé pour toi? 15 heures, je dirais. Mais après, les 15 heures m'ont fait décoller. Après, t'as une petite routine d'open world où tu fais « Ok, c'est sympa, c'est mon open world du moment. J'y joue un peu en mode automatique, mais il y a le skin Harry Potter, donc je prends un peu de plaisir. » Mais le soufflet, il retombe. Et à la fin, en fait, il m'énervait le jeu. J'étais pas content trop d'y jouer. Ah, mais c'est, c'est intéressant d'avoir ce point de vue, tu vois, pour le mec qui est fan, et tout en étant vétéran du jeu vidéo. Et qui se dit « Est-ce que je l'achète ?» En tout cas, c'est pas un bon RPG. C'est un produit exceptionnel par rapport à ce qu'on a eu en Harry Potter. C'est inespéré en fait qu'ils aient réussi un truc qui ait cette gueule là. Il présente bien le jeu, il présente bien, il n'y a rien à dire. Et il présente bien sur quand même quelques heures. Juste, il se met dans la merde tout seul en ayant des impératifs commerciaux qui l'obligent à se conformer avec le reste de l'industrie. Et ça gâche tout. C'est ça, du coup, est-ce qu'on peut en vouloir aux développeurs principalement? Je ne sais pas, parce que tu vois, les impératifs de l'industrie, c'est dû à quoi? C'est dû en partie au métacritique, au retour quand. Quand les investisseurs ils voient ça et qu'il y a les brainstorming, etc., ils disent regardez les métacritiques de God of War, de machin, voilà ce qu'il faut faire dans un jeu. Voilà. C'est comme ça que vous avez 19, c'est comme ça que ça se vend. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, les critiques. Mais c'est ça, elle mélange tout. J'ai vu que beaucoup de gens comparaient à Elden Ring et Breath of the Wild, mais ça fait vraiment mal. C'est pas à ces jeux-là, c'est à Far Cry qu'il faut comparer. C'est à Assassin's Creed, c'est à Horizon, à la limite, si vous voulez. C'est ça, je parlais surtout de Far Cry dans la partie 3 de mon playthrough quand j'en avais marre, en fait. C'était surtout Far Cry que j'avais hanté. Les derniers, hein, pas les premiers. Exactement, ouais, c'est les derniers Far Cry qui est le système Ubisoft. T'as tout dit, c'est la même chose. Sauf que c'est avec un skin Harry Potter. Du coup, je vais tempérer quand même parce que j'ai l'air énervé parce que la fin du jeu m'a énervé et que j'attendais un minimum de l'histoire et qu'il n'y a rien dans le jeu.
C'était vraiment l'histoire, elle est nada. Pour un RPG, c'est quand même con. Mais en fait, je me bats entre deux trucs dans ma tête. Il y a le mec qui aime Harry Potter en moi, qui se dit, tu peux pas passer à côté de ce jeu si t'aimes vraiment l'univers Harry Potter. Parce que quand même, t'as une porte ouverte sur le truc et ça ressemble à un fantasme à des moments. C'est comme la première heure de RE2 Remake. C'est, t'en rêvais, ils l'ont fait. Et là, ouais, ça dure quelques heures et l'effet s'estompe. Et t'as le gamer en moi qui, ce genre de jeu, c'est ce que j'aime pas en fait comme jeu. C'est des jeux que j'évite normalement. Ouais. Ouais. Du coup, je sais pas. Après, il y a un fait à prendre en compte, c'est que vous pouvez le vérifier là sur internet et même à vos proches, c'est que vous mettez le jeu dans les mains de n'importe quel non-gamer, slash, j'ose le dire, gonzesse, c'est parfait, c'est le jeu parfait, elles adorent. Combien de temps ? Je ne veux pas être misogyne, donc je ne vais rien dire. Non, mais quand je dis gonzesse, c'est parce que y a comme à nos âges, il y a beaucoup plus de gonzesses en fans d'Harry Potter et beaucoup plus de gonzesses qui ne sont pas gameuses, donc ils n'ont pas vraiment de jugement là-dessus. Et pour le coup, c'est eux le public cible et c'est ultra réussi, donc il n'y a aucune raison qu'ils n'en sortent pas 30 d'affilée derrière. Et d'ailleurs, en parlant de gonzesse, normalement, il y a une femme qui est censée intervenir tout à l'heure. Olivier, il faudra que tu donnes ton identifiant PSN que les gens puissent t'ajouter, que tu les rajoutes à la partie. Ça serait possible, toi, Olivier ? Je vais noter dans le chat. C'est la copine d'un des membres de la chaîne qui aimerait intervenir, on m'a dit tout à l'heure. Donc on prendra... Pardon, Flavien, du coup, reprend. Ah non, après c'était pour rebondir sur des trucs, et le côté soufflé qui retombe, avec Hideo on en avait parlé, c'est que le jeu, ils ont tout mis au début en fait, ce qui fait qu'à partir de l'hiver, à la moitié du jeu, il est beaucoup moins bien fini techniquement, il se casse un petit peu la gueule, moi j'ai eu pas mal de bugs, il y a plus d'inspiration pour l'émission, et Olivier je te trouve bien sympa, on va pas spoiler, ou on spoilera peut-être tout à l'heure, mais à part 2-3 détails de mise en scène que t'as vu dans 150 jeux, il n'y a rien dans le jeu, il ne propose rien. La mission dont tu parles, la mission exclusive PlayStation, c'est vrai qu'elle est sympathique. Mais elle est sympathique, mais elle sort de 2004. C'est une mission d'un jeu vidéo de 2004. C'est un enchaînement de scripts un peu rigolo, dans des couloirs. C'est un jeu carré, c'est un jeu PC. On dirait une mission secondaire de Vampire Bloodline, si ça t'intéresse. Oui, mais je veux dire, c'est ce qu'on veut dans un RPG, normalement, c'est des missions qui ne se ressemblent pas. Exactement, si on avait que ça, ça aurait été un RPG sympathique. Mais tu vois bien que ça, c'est une exception, alors que ça devrait être une mission de base vaguement sympa. D'ailleurs, c'est ce genre de truc dans Skyrim. Ça, t'en as des dizaines dans les Skyrim. Et c'est des missions vite fait. Elles sont rigolotes parce qu'elles ont une petite originalité dans l'écriture. Mais dans le jeu, tu fais des vagues d'ennemis. Y a rien. Jamais tu voles, jamais tu t'infiltres, jamais tu choisis de faire un truc, jamais tu stratégises. Y a rien dans le jeu, y a rien. Écoute, moi, je vais juste reclarifier mon point de vue. J'ai pas passé le meilleur moment de ma vie, mais en fait, je m'attendais tellement à un jeu feignant et mauvais, et j'ai eu un jeu mauvais, mais pas feignant. Et du coup, je me suis dit, j'ai quand même eu quelque chose. Voilà. Tu as raison pour le sens du détail. Le jeu, il a une approche de l'univers Harry Potter qui est inédite dans le jeu vidéo pour l'instant, c'est cool. C'est au moins, ils ont réussi Poudlard, quoi. Et puis pour le coup, je veux dire, Flavien... t'as passé 15 heures où la magie a opéré. Je trouve que dans l'époque actuelle et avec la qualité générale des jeux, c'est déjà pas mal, si tu veux mon avis. Oui, alors c'est 15 heures de Rodka. C'est pas 15 heures de pur plaisir. C'est pas un ride où pendant 15 heures, j'étais en train de planer de bonheur. C'était 15 heures d'espérance, 15 heures d'espoir. Comment on fait pour les espoirs déçus des gens? Est-ce que les Français ont besoin d'un espoir déçu? C'était 15 heures de suspense, comme une promesse de quelque chose qui ne viendra jamais. Je ne suis plus le même, Olivier. Tiens. Non, j'ai rien pour toi, je suis désolé. C'est pas grave, mon pote. Alors du coup, DG, j'ai pas compris, comment les gens m'ajoutent, où est-ce que je donne mon pseudo, sur le chat, où il y a un forum spécial, un Discord, Est-ce que tu peux te connecter au compte Padawam HD et en member, sur l'onglet communauté, tu donnes ton identifiant? Ok. Ce sera mieux, comme ça, seuls les members vont t'ajouter, et ceux qui aiment passer, ils vont t'ajouter là sur ton compte, et tu pourras les ajouter à la partie. Ok, donc les gars, je vais poster, les members only, je vais poster... un lien dans l'onglet communauté, on va sortir du live. Vous voyez ce que je vois, les mecs à l'écran? Vous voyez ce que je vois? Ouais, très triste, très très triste. Tragique, mais c'est peut-être magique. Hein. Il y a peut-être des choses survolantes là, je sais pas.
Ah, si c'était que ça, les gars. S'il y avait que ce problème dans ce jeu. Mais ouais, non, mais écoute, Flavien, merci pour ton avis, parce qu'en tant que fan, tu vois, j'avais besoin de d'entendre un mec à la fois fan, mais objectif sur l'état de l'industrie. Et ouais, après, je partais mal, parce que c'est pas du tout mon type de jeu. Tu sais, j'ai des facilités, par exemple, les jeux films à la con, comme The Quarry, que je t'avais fait essayer, ça, je pourrais me les faire jusqu'à la fin des temps. Même le plus pourri, je le finirais, je serais content. Ça reste fun, le concept reste fun. Puis ça prend pas 30 heures de ta vie. C'est ça un petit peu. Là, c'est vraiment, tu vas au taf, quoi. Et quitte à aller au taf, autant que ce soit avec un gameplay qui fait flipper, là. Mais je te jure, j'ai l'impression, quand on nous fait faire toutes ces corvées pour l'émission annexe de merde, de me retrouver au boulot. C'est terrible. C'est ça. On devrait pas avoir le sentiment de bosser quand on joue à un jeu vidéo. C'est ça. Oui, The Quarry n'était pas bon, on le sait, mais le concept de film interactif reste fun. Je suis un peu comme Flavien là-dessus, je reste bon au public à la base. Bon, quand le scénario est trop pourri, ça devient compliqué. Mais là, c'est la merde. S'ils avaient fait même un truc un peu cassé à la Skyrim en Harry Potter, les gens, ils auraient pu s'amuser. Parce que là, les mods, ils vont faire quoi? Ils vont remplacer ton balai par Shrek et ils vont mettre des gens à poil. Mais ils peuvent pas changer le game design. Je rêverais d'un jeu Castlevania. Un peu comme tu vois. Avec un château à Castlevania par From. Mais Flavien, moi j'ai une question. Dingue. Le jeu là, il a rapporté 40 milliards de dollars. Oui. Du coup, il va y avoir Hogwarts Legacy 2. Ouais. Alors, c'est quoi le Hogwarts Legacy 2 parfait? Le parfait? Oui, de tes rêves. Un truc, je demande même pas la perfection, Olivier. Je demande juste qu'ils écrivent leurs personnages et leurs quêtes. La base, que ce soit pas des trucs faux et fades. C'est du générateur. On est en train de vivre l'époque de ChatGPT. Tu demandes à ChatGPT de t'écrire une discussion entre deux élèves à Poudlard, ça te sort le même résultat que l'émission de ce jeu. Qu'elle soit principale ou secondaire, c'est des faux gens. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, qu'ils achètent un scénariste, plusieurs scénaristes, 10 scénaristes, qui a un ton, quelque chose qu'on retire du jeu, un arc, des choix, quelque chose comme ça. Et c'est bon, leur jeu, on le fera. Et je serai là, et Day One. Tout à l'heure, quelqu'un demandait quel est le rapport avec Witcher 3, plein de paramètres, mais par exemple, la mise en scène dans les cinématiques sur les quêtes, dans Witcher 3, il y a tellement, comme dans ce jeu, il y a tellement de quêtes que la mise en scène est abyssale, parce que tu peux pas habiller autant de quêtes sur la longueur, c'est pas possible. Il y a le fait que dans Witcher 3, l'open world, il se passe pas grand chose, il y a des secrets à droite à gauche, mais c'est quand même... Mais il est sorti en 2015, donc on pardonnait plus quand même. Il y a beaucoup de moments inintéressants de vide. Witcher 3, pareil, moi, c'est limite un jeu que j'aurais préféré suivre en jeu narratif ligne droite pour suivre le scénario. L'open world, j'y ai trouvé quasiment aucun intérêt. Le gameplay, en plus des combats, était pourrave, un peu comme là. C'était pire dans Witcher 3, je trouve. En fait, il y a toute une liste de défauts que je voyais en 2015 dans Witcher 3 que je retrouve ici, peut-être amplifiés à part pour le gameplay. C'est ça. C'est ça que disait Flavien et que je pense totalement. En fait, ça fait partie de ces jeux. C'est comme God of War, il va enfanter d'autres genres de jeux, enfin d'autres jeux, je veux dire, qui vont ressembler à God of War, mais qui vont être pourris, pareil pour Horizon, etc. En fait, de certains jeux qu'on a notés 20 sur 20 vont découler tout un tas de jeux qui vont être encore plus médiocres, qui vont rien régler. C'est ça le problème. C'est ça. Et là, t'as vu, s'il commence à recevoir des scores de la critique pareil, et à lui dire, dire au développeur, bravo les gars, vous avez fait aussi bien que Breath of the Wild, c'est pas normal de dire ça. Non, c'est mais non, pas mais vrai. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre les deux jeux sur la conception, rien. Et oui, c'est factuellement faux, ils ont mis des corps aigus, c'est le seul truc qui fait penser à ça. Sinon, c'est pas la même approche. Le rapport à l'open world au côté organique, on retrouve rien de Breath of the Wild. Les mecs, rien de chez rien. On peut aller partout dans Breath of the Wild, partout, là nulle part. Regardez, vous avez vu que les murs invisibles, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, on disait tout à l'heure, c'était justifié par le lore, là, le mur invisible autour de Pré-Hollard. Mais dans ce cas-là, il y en a aussi autour de Poudlard. Et non, mais c'est de la limitation technique de base. Les murs invisibles, ils sont intolérables dans le jeu. Mais c'est surtout, là je vous ai montré aussi, au-delà du fait que le personnage flotte dans les airs, là, il y a un truc qui est aberrant, là je peux pas sortir le balai et je ne peux pas me poser avec le balai ici. Par contre, je peux y aller à pied. Je comprends pas. Et après, il y a la barrière. Je ne comprends pas. Il y a des trucs comme ça. Leur phase de marche. Il faut que t'aies des phases où tu marches. Donc ils te coupent artificiellement. Non, mais là même pas, c'est qu'ils ont pas envie. Ils ont pas envie que t'accèdes ici, mais tu peux quand même y aller à pied. Mais en fait, vu que ça sert à rien, parce qu'il y a une barrière derrière, ils ont dit se dire, tu pourras pas te poser en balai ici. Écoute, c'est même pas grave.
Mais bon, enfin, qu'on ne compare surtout pas ce jeu à Breath of the Wild, pitié, on en est à des années-lumière, les gars, lumière. Allô, DG ? Oui ? Oui, ben, j'ai rajouté la copine de Koba qui veut venir nous mettre à l'amende en live. Donc, ah, elle super, est là, ben, on l'accueille avec grand plaisir. Ben, normalement, elle est là. Avec très grand plaisir. Ben, vas-y, n'hésite pas à parler, mon enfant. Salut. Oui ? Oui, bonsoir. C'est une safe zone ici, tu peux y aller. Bonsoir, on t'écoute. Du coup, est-ce que tu es fan du jeu Hogwarts Legacy ? On va te laisser t'exprimer. Vas-y, c'est à toi. On l'entend pas, il faut activer la voix. Ah, faut que tu actives ton micro. Donc, faut que tu ailles dans les paramètres de la partie et tu mets autorisé voix. T'inquiète, y a pas de soucis. Pas de soucis. On a tous commencé là-dessus, on comprenait pas, l'interface est mal foutue. Bah, jusqu'à aujourd'hui, hein, puisqu'il nous a fallu une heure pour nous rejoindre. Eh oui, Yaya, on est encore sur ce jeu, on fait ce qu'on peut, les gars, on vous a promis la review, elle est là. On doit couvrir tellement de trucs, c'est compliqué, on fait vraiment ce qu'on peut, hein. Je vous jure, c'est pas évident. Après, les gens, ils disent que le 2, du coup, vu qu'on dit aux développeurs que le jeu est parfait, le 2 va être pareil. Mais s'il est pareil, le 2, il y aura quand même un effet redite. Je veux dire, à part le Quidditch, faut quand même qu'il change des trucs. Mais t'inquiète, le Quidditch, il va arriver en DLC. J'en suis sûr. Du coup, est-ce que tu as réussi à partager ta voix ? Ok. Il n'y a pas de souci. Et je crois qu'il y avait aussi, si je dis pas de bêtises, Anthony qui souhaiterait intervenir tout à l'heure. Bah pour l'instant, ouais, j'ai reçu tout ça. Après, j'étais parti entre temps, il y a peut-être d'autres personnes qui souhaitent intervenir, on va les prendre en main. Tu en as montré Quasimodo del Paris, ça a aidé, oui, il a bien aimé. C'est pas vrai. Mais tu sais que Fabien, je l'ai revu, ouais. Et je le trouve très bon, hein, ce film. Très, moi, très j'aime bon. Bien aussi, il est assez malin, il y a un truc qui va pas dans ce film. Il est... Non mais c'est malin, il y a plein de scènes inattendues. Richard Berry est excellent. Il est excellent. extraordinaire. Ah, pourtant, je l'aime pas. Hein. Je suis pas loin de penser que c'est un de ses meilleurs rôles au cinéma. Complètement, il est énorme. Tu sais, j'étais allé le voir à Singapour. Il y avait un centre français et ils avaient passé ce film au cinéma. Ma mère m'avait emmené le voir. C'était en 99, je crois. Et il y a personne qui a rigolé pendant le film et moi j'avais des fous rires tout le temps. Et ma mère me disait arrête de rigoler. Ça la gênait, j'étais le seul qui rigolait. Et non mais c'est dingue parce que quand tu vois les goûts de merde du public français pour les comédies de chasse, et 20 ans plus tard je le revois et je me dis c'est toujours aussi drôle. C'est, ouais, c'était un c'est super malin, ce film est super malin. Ouais. Il a plein d'idées. Ah, puis c'est en roulis total. T'as même des séquences totalement américaines. La séquence où ils vont dans le sous-sol de la cathédrale avec la musique, c'est génial. Et c'est les bruits des portes de Star Wars quand ils bougent les gargouilles. Et même la déco pour un film français. Enfin putain, il y a du budget, c'est bien exploité. Ouais, en fait, c'est tout ce qui manque au cinéma français actuellement sur les grosses comédies, sur les films ambitieux. Je sais pas combien il a coûté à l'époque ce film. Oh, je pense un bon budget, mais. Ils se sont bien plantés. Hein. Bah ouais, bah c'est dommage. Parce que pour ce film méritait. Et oui, c'est un ovni un peu. Du coup, la demoiselle est partie, j'ai l'impression. Oui, non, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez là ? Ah, est-ce que vous entendez la demoiselle dans le chat ? Oui, il faut voir si. Et sachez bien vous tenir et rester respectueux, sinon il y aura des bans. Merci beaucoup. Et bah vas-y, c'est à toi, tu peux t'exprimer. Alors, déjà, c'est sûr que. Bah, en tant que personne qui aime beaucoup l'univers, etc., bah, c'était un jeu très très attendu. Tout le monde en parlait, etc. Donc voilà, et le fait en fait que ça soit dans cet univers, bah, ça biaise un peu la vie qu'on peut se faire de la qualité. Tu es fan depuis combien de temps d'Harry Potter ? Oh, depuis tout. C'est-à-dire en fait, une vingtaine d'années ? J'ai 25 ans, donc j'ai... D'accord, donc t'as grandi avec. Je suis pas non plus allée au cinéma, voilà, pour les premiers films, etc. Mais à partir, de 2000, voilà. D'accord. T'as vu les derniers au cinéma ou pas ? Oui, à partir du 3 ou 4, je les ai vus au cinéma. Du coup, t'étais enfant, enfin en tout cas plutôt jeune, quand t'as vu la fin de la saga au cinéma. C'est un truc qui t'a marqué, ça a laissé une grosse émotion ou pas ? Oui, et puis en fait, quand j'ai commencé à...
Enfin, en fait, je me souviens, j'ai vu le 6 au cinéma et j'étais trop impatiente de voir la suite. Du coup, j'ai lu le livre. Ouais. Et du coup, je savais la fin, quoi. Mais, ouais. Mais j'ai quand même, enfin, vu la qualité du 7e livre, non, je suis quand même déçue un petit peu de la fin de. Donc, en tout cas, on a avec nous une vraie fan d'Harry Potter. Donc, vas-y, tu peux reprendre sur le jeu. Je vais dire les points. Enfin, d'ailleurs, enfin, déjà, faut dire que j'ai pas non plus fait énormément de jeux, donc je pense que je suis parfaite en fait pour voilà, hein, ce type de jeu, parce que vous qui êtes connaisseurs, etc., en fait, vous êtes lassés en fait de. C'est ça, qu'est-ce que t'as fait comme jeu? J'ai fait, alors, pour vous dire un peu, bon, quand j'étais plus jeune, j'avais la PS2, etc., donc j'ai fait Shadow of the Colossus par exemple. Et sinon, j'ai commencé à vraiment jouer vers 2019, donc j'ai fait Red Dead 2, GTA, les Uncharted, Last of Us, Zelda Breath of the Wild, Assassin's Creed, The Witcher. Ah, ok, t'as quand même fait Red Dead 2, Breath of the Wild. Là, par rapport à ces deux jeux, qu'est-ce que t'as pensé de Hogwarts Legacy? Où est-ce que tu le places? Non, bah, c'est quand même moins bien. Je suis consciente de ça. J'ai pas compris, tu as dit quoi? C'était moins bien. C'était moins bien. Ah. Hogwarts Legacy est moins bien, ça tu le reconnais quand même. Oui. Mais t'as réussi à apprécier le jeu quand même. Non, mais écoute, ouais. Shadow of the Colossus, c'est quand même bien que tu l'aies fait. Bah vas-y, on t'écoute sur le jeu. Bah, en globalité, du coup, c'est vrai que c'est quand même un plaisir de redécouvrir tout l'univers, etc., Poudlard, sachant que ça fait des années qu'on n'a pas eu de film de. Bon, à part les animaux fantastiques, mais je les compte pas parce que ça se passe pas vraiment à Poudlard, etc. Donc ça aide vraiment à apprécier le jeu. Sinon, les points forts, j'ai noté bah, les quêtes, tout ce que, comme disait Fabien, avec Sébastien et Ominous, etc. C'était vraiment le point positif, je trouve. Ouais. Flavien, pardon. Il n'y a pas de soucis. Attends, t'as cadavre. Flavien, il a jamais dit que les quêtes étaient un point positif, il a fait que les critiquer. Non. Elle a raison, Sébastien, c'est un peu mieux écrit quand même. Voilà. Ah, il y en a quelques-unes. Est-ce que t'as pleuré à la quête de Toby? Moi, j'ai bien aimé la quête de la. On a tous pleuré, c'est normal. Le balai, je trouvais ça sympa, même s'il est un. Je trouve pas bien fait la maniabilité, etc. Le château, bah franchement, il est parfait. Je pense que c'est ce que tout le monde attendait. Voilà, j'ai rien à dire dessus. Et j'ai trouvé ça super sympa. En fait, je m'étais pas du tout spoilé le jeu et toute la partie salle sur demande, animaux fantastiques et tout, c'était vraiment une surprise. Et je trouve ça sympa d'avoir une espèce de mini. Enfin, même si ça sert en soi à rien, c'est quand même de la déco, etc., comme ce qu'il y a dans les Sims. T'as pris du temps à le faire ou pas? Ouais. T'as fait des petits bébés? Oui. Ok, ça marche. Combien d'heures de jeu en tout? J'ai pas fini, j'ai pas trop eu le temps, mais une trentaine. Je pense que je suis à 32 ans. Ah oui, t'es pas loin de la fin. Enfin, après, je sais pas, tu fais peut-être toutes les quêtes annexes. Bah ouais, c'est que moi je prends vraiment mon temps, quoi. Donc j'en suis à la fin de l'hiver, je pense. Qu'est-ce que tu penses des quêtes annexes? Ça dépend desquelles. Avec, en fait, il y a les quêtes vraiment annexes et il y a les quêtes de personnages. Mmh. Les quêtes de personnages, je trouvais que ça allait à peu près, même si les personnages sont pas bien écrits. Et après, les quêtes vraiment secondaires, non, ça n'a pas d'intérêt, clairement, c'est juste pour passer le temps, quoi. Mmh. Voilà, je trouvais la musique sympa. On appelle ça la. Le système de combat aussi, je l'ai trouvé assez sympa parce que, pareil, j'ai pas, enfin, vous voyez la liste de jeux que je vous ai cité, il n'y en a pas non plus 50 000. Donc, T'as pas fait. Est-ce que t'as joué au jeu Arkham ou Spider-Man? Non, j'ai pas fait. Ah, du coup, c'est bien pour toi parce que tu découvres ce système de combat. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis la VF aussi, je l'ai trouvé sympa avec la voix d'Elie et tout. Allez, ouais, j'aime beaucoup cette doubleuse. On m'a dit Adeline, je sais plus. Oui, Adeline Chetaille, un truc comme ça. Chetaille, c'est ça. Très très bonne doubleuse. Ouais. Moi, la VF, je trouve que t'as la moitié des persos qui est vraiment sympa, qui met du jeu, et la moitié qui est vraiment très très nulle, quoi. Et qui, au contraire, gâche
toute l'émotion qu'il est censé avoir dans la scène est gâchée, quoi. Mais c'est moitié-moitié. C'est ce que... Est-ce que vous savez qui fait le directeur en VO ou pas? C'est qui fait le directeur en VO, Flavien? Voilà la vraie question. C'est Simon Pegg. Et ouais, mais en fait, moi j'ai voulu, dès le début, j'ai voulu mettre en VO, mais on peut pas mettre le jeu en VO. Il faut télécharger un pack. Il faut mettre sa console en anglais. Et passer la console en anglais, c'est chiant. Ouais, mais en VO c'est nul, hein, si, voilà, si jamais vous le demandez. Ouais, ouais, c'est complètement banal. N'hésite pas à reprendre du coup. Hein, oui, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, bah c'était tout. Hein. C'était à peu près tout. Et sinon, en fait, bah, je suis d'accord avec vous. Hein. Il y a aussi un truc que vous avez pas dit, je crois. En fait, notre personnage, quand on est dans le menu et quand on joue, je trouve qu'il ressemble pas du tout. Il y a une grosse différence. Ah ouais? Ah ouais, t'as eu ça? Ouais, ouais, on est vraiment. Tu joues sur quelle console? PS5. PS5, ok. Tu veux dire sur le menu où tu choisis, enfin le menu où tu cherches ta sauvegarde au tout début? Non, start, ouais, non, le menu. Alors, Ideo, configuration, quoi, ouais. Ideo, on est d'accord que dans les menus ils mettent le modèle Opoly. C'est le moteur du jeu. Et dans le gameplay, c'est beaucoup plus l'Opoly, c'est comme chez Naughty Dog. Ah, ok. J'ai même pas fait gaffe à la différence. Ouais. Ok. Ah, moi j'ai pas trouvé, hein. Je trouve que c'est le même. Ça me choque pas, disons. Enfin, de toute façon, le personnage a une tête tellement horrible que. Et puis, on peut faire des personnages garçons beaux, mais les filles. Compliqué, hein. Celui d'Ideo, il est magnifique. Non, c'est très compliqué de faire une vraie fille dans le jeu, hein. J'ai eu du mal. Ah oui, bah. Ouais. Bah en fait, les filles sont androgynes, quoi. Et les garçons sont. Ouais, bah. Faut correspondre à cette époque, hein. D'ailleurs, tu vas y passer bientôt, tu seras plus vraiment une femme bientôt. Voilà, faut passer par la case opération. En fait, aussi, le problème du jeu, c'est que. Bah, c'est qu'on n'a pas de liberté, et par exemple, ça va avec le fait qu'on débloque pas le balai tout de suite, on débloque pas toute la map tout de suite, on débloque pas tous les sorts tout de suite, et ça, j'ai jamais vu ça dans un open world, quoi. D'habitude, t'as besoin de rien à faire dans la carte, ça sert à rien à débloquer. Quelques heures de jeu, là, faut faire tout le jeu pour avoir Avada Kedavra, quoi. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, de Avada Kedavra, est-ce que tu trouves pas qu'il y a un gros problème? Nous, je me permets de t'inclure dedans, en tant que fan d'Harry Potter, nous, les grands fans d'Harry Potter que nous sommes, est-ce que tu trouves pas qu'il passe à côté du côté ambigu moral en te faisant croire qu'il y a des choix de moralité? Ah, mais totalement. Et en fait, il y en a aucun. Et je ne te spoil pas pour comment ça va finir toute cette histoire, mais c'est l'arnaque jusqu'au bout à ce niveau-là. Et ça, on est d'accord que le côté sombre, c'était quand même un truc qui nous plaisait dans l'histoire, notamment dans le 7e bouquin dont tu as parlé tout à l'heure. Oui, bien sûr. Bah. Mais en fait, ils auraient dû prendre un parti, soit il n'y a pas de sort comme ça, soit faire un truc totalement dark où on devient un mage noir, etc. Mais vu qu'ils n'ont pas voulu prendre de parti, bah, ça finit par un truc qui n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Dans les dernières séquences, il y avait des paradoxes. Enfin, vraiment, je pense que ça donnera des mêmes Internet. Et c'est tellement dommage. Même s'ils ne faisaient pas un truc complet, au moins un minimum de variantes à la Mass Effect. Tu choisis d'être un connard ou un héros, t'as la même histoire, tu joues Shepard, quoi qu'il se passe, mais tu colores vraiment ta partie en étant un connard ou pas. Là, ça ne change rien, ça fait des siennes mielleuses. Qu'est-ce que pense ton copain du jeu? Bah attends, je laisse parler. Hein. Salut tout le monde, bonsoir tout le monde. Salut camarade. Salut. On écoute ton avis. Du coup, moi, je suis un peu moins avancé. Je suis à peu près 25 heures de jeu. Ouais. Comme Léana qui vient de parler, moi, j'ai à peu près fait tous les jeux qu'elle a cités, Red Dead 2, etc. Pour le coup, je suis extrêmement fan des jeux un peu couloir type Uncharted, Last of Us. Donc, on va dire, je suis moins axé open world. Mm-hmm. Malgré tout, j'en ai fait quand même quelques-uns Et le fait qu'on puisse pas accéder à toute la carte dès le début, ça m'a un peu pris la tête, ça, pour le coup. Le fait qu'on n'ait pas effectivement tous les le balai qu'on a à partir de 10 heures de jeu, ça m'a un peu pris la tête. C'est pas du tout vraisemblable par rapport à l'univers Harry Potter. Après, ce qui m'a un peu pris la tête, bah, comme DG, t'as pu le dire, les interactions de décor, c'est catastrophique, y a absolument rien. Les ennemis, c'est quand même hyper rébarbatif, que ce soit les araignées ou les gobelins, on n'a pas grand chose.
Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. J'attends de voir la fin du jeu. Mais le fait qu'il n'y ait aucune conséquence par rapport au choix qu'on peut faire, au dialogue, etc., c'est un peu dommage, je trouve, pour le coup. J'aurais aimé une version un peu moins enfantine, hyper sombre, mais je pense pas que ce soit le parti que tu as pris, même dans les années à venir. Après, peut-être qu'il y aura un DLC. Je sais pas. Du coup, est-ce que tu dirais que tu aimes le jeu ou pas? Je dirais que je mets un bon 12 sur 20. Et ta copine, elle mettrait combien? Bah, 14, je pense. Ah oui, tu mets que 14? Oui. Ah oui, vous êtes... D'accord, vous êtes pas non plus en mode 19, c'est génial. Bah, je pense que tu peux mettre 20 sur 20 si c'est ton premier jeu vidéo, quoi. Ouais. À la limite. Ça doit être ça. Ou en étant vraiment ultra fanboy avec des œillères, peut-être. Oui, c'est ça. Ou un journaliste payé grassement. Bah, merci beaucoup de vos interventions. Si vous voulez ajouter des choses, n'hésitez pas. Non, bah... Bon, et puis aussi, j'ai trouvé l'antagoniste, enfin, le gobelin, franchement... Nul. On va pas spoiler la fin, mais bon. Ah oui, parce que en plus, t'as pas fini. Je vais pas spoiler la fin. Eh ben merci, bonne soirée à tout le monde. Ah, merci beaucoup de vos interventions, merci. Et à très vite. Salut, bye bye. Bon, bah, une intervention qui tranche un petit peu, mais qui reste quand même mesurée. En tout cas, on avait une fan. Et son copain, bon, ils ont pas l'air non plus ultra méga emballés, mais ils sont contents quand même. Oui, je pense que 13-14, c'est objectivement la note du jeu global objectif, quoi. Bah, j'ai l'impression. Hein. Alors, je crois qu'on avait Anthony, là, je sais pas s'il pourra passer, qui est member, là. Il me semble que lui, il a adoré, hein, je crois. Bah, j'ai des gens qui m'ont ajouté encore. Ah, bah, n'hésite pas. Bah, j'aimerais bien qu'on entende des gens extatiques. Pourquoi pas? Genre des gens qui ont vraiment adoré. J'ai deux personnes, il y a Tyrion. Bah écoute, fais intervenir les gens qui veulent passer. C'est quoi cet écran noir? C'est un écran de chargement, déjà. Ce qu'on voit, 30... Oh là là, la là majorité là du jeu. Parce que les voyages à d'autres balais, ça va 2 minutes. Mon dieu. Mais t'as pas pété tous les ballons, Idéo? Mais ça sert à rien. Donc, est-ce que quelqu'un a compris à quoi ça sert de péter les ballons? C'est les défis. Bah oui. Quand tu les as tous pétés, tu gagnes une veste en plus dans les options. Mais ils réapparaissent tout le temps. Idéo, ah oui. Si tu peux me permettre, je rappelle que le seul moyen de finir le jeu vraiment, c'est d'être niveau 34, ce que tu n'es pas. Et du coup, il faut péter les ballons pour gagner. Ah oui, super, un niveau 34 pour assister à la fin dans le grand buffet, là, espèce de salon. Attendez, les gars. On se dit au revoir. Par rapport à ce que je disais, là, je sais plus, il y a une heure ou deux, mais vous vous rendez compte de ça? Idéo, il a fini le jeu tout à l'heure. On a battu le boss de fin, je vais pas le spoiler. Je me suis infligé ce boss. Il l'a battu en hard. En hard. Et il n'y a pas de générique de fin. Il n'y a rien. Et on apprend, pour débloquer le générique, il faut être niveau 34. C'est une blague. Mais est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire du jeu vidéo? Jamais. Tu bats le boss de fin, mais t'es pas encore bon niveau pour avoir le générique. On te dit encore merci d'avoir complété le jeu. Mais vous vous rendez compte? C'est tout. Pour avoir non, mais moi, honneur. J'ai, les gars, ouais, non, mais c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Le dernier jeu open world que j'ai fait ça, et que j'ai fait, il faisait ça, c'est Assassin's Creed Odyssey. Il a pas de fin, il y a pas de générique, il faut continuer d'avancer pour avoir le vrai truc. C'est la même chose. C'est du Ubisoft. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là là, c'est terrible. Bref, niveau 34, les mecs, si vous voulez avoir l'honneur de lire le générique de fin. Oh là là, incroyable, on décolle. Est-ce comment on débloque quelque chose avec ce générique de fin? Rien. Que dalle, tu ne débloques rien. Ah bah super, on est refait. Est-ce que la cinématique est sympa au moins de la fête? Elle est absurde étant donné que j'ai joué un psychopathe. Tout le monde te félicite, tout le monde te dit bravo, t'es le meilleur, quoi. Mais c'est la fin du retour du Jedi, c'est les Ewoks. Désolé pour les spoilers, mais c'est bon. Moi je dis non. Je dis arresto momentum. Exactement. Pollution. Donc, qui est le prochain intervenant? Eh ben on a Tyrion Eiffel, il est là ou pas? Bah super.
Ah bah, il est là, mais il parle pas. Bah, sinon, j'en ai un autre. Hein. Bah, écoutez, c'est un bide. Bah, je vais rajouter l'autre personne qui m'a ajouté. Pollution. Je dis. Allô? Ouais. Ça va. Et toi, ça va? Salut Tyrion. T'es une blague? C'est une blague, et c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce que c'est une blague? T'es une blague, Tyrion Eiffel? Ah, y a code rouge! Est-ce que c'est une blague, Tyrion? Tu m'as ajouté. On a jamais vu ça! Juste après que j'ai mis mon pseudo en disant venez parler d'Harry Potter. C'est finito! C'est finito! Bah écoute, c'est arresto momentum! Ah bah oui. Bonne soirée, mon pote. On jouera à Fortnite, t'inquiète. Salut Tyrion. Thomas ne vient pas. C'est le mauvais moment. C'est jamais fini. Non, attendez, il y a quelqu'un qui m'a ajouté, voilà. Il y a Amir, je crois qu'il veut parler et qu'il en a gros de Harry Potter. Mais quelqu'un a aimé ce jeu ou pas? Personne n'a aimé ce jeu en fait. Ils sont là. Bah je sais pas, le monde entier a aimé ce jeu, a adoré ce jeu. Ils sont où, le, où est le monde entier sur ce live? Il y en a un qui a aimé ce jeu et il m'a demandé de le dire publiquement ce soir, donc je vais le dire. Et il s'appelle Joachim de la chaîne Padawam. Bah ça m'aurait fait très plaisir qu'il intervienne. Et il a pas voulu intervenir parce qu'il en est vraiment qu'au tout début, mais il adore, il est comme un dingue, voilà. Oui, ben. On était tous comme ça au tout début. On était jeunes, l'araignée on qui était fait la toupie. L'araignée qui fait la toupie. Bah du coup, j'ai rajouté la personne là qui m'a ajouté, mais... Mais c'est quoi ces combats idéaux? Le jeu, il arrive à la fois être trop facile et trop long et chiant. Tu as raison, Olivier, c'est tous des sacs à PV. C'est le même combat en boucle du début à la fin. Il n'y a pas un combat avec une stratégie à part les boss statues à la con, là. C'est un enfer. Il n'y a pas de pattern, il n'y a rien. C'est passé quoi? Parce que, comme par hasard... Non, mais je... Surtout le côté aussi imprécis de pas mal de choses, hein. La caméra qui est totalement aux fraises et même les déplacements qui sont encore trop lents par rapport au... Surtout dans les niveaux de difficulté max, les ennemis frappent plus vite. Du coup, la lenteur du personnage n'est pas du tout adaptée, ils ont fait aucun effort d'équilibrage. Je le note. Ça se voit. Et qu'est-ce qui t'a dérangé dans l'éclairage, Olivier? Je t'ai entendu en parler un peu tout à l'heure. Alors, c'est pas l'éclairage... Vraiment, genre, je vois l'éclairage. C'est vraiment que, pour moi, il y a des bugs. Et tous les bugs viennent de l'éclairage. On voit qu'il y a des trucs qui passent entre les murs. Quand les persos ouvrent la bouche, on voit de la lumière à travers leur bouche, des trucs comme ça. Ouais. C'est la magie, ça. Et pour moi, le jeu est beau, mais il est gâché par des bugs d'éclairage. Voilà. Je vois. Et du coup, où sont nos intervenants? Bah là, j'ai invité l'intervenant, mais il n'est pas venu. Ah. Et personne d'autre m'a rajouté, donc c'est le bide. Et Anthony, il est pas là? Ah bah, je crois pas. Bon. En fait, vraiment, personne n'a aimé ce jeu, c'est une mascarade. On découvre la vérité en live. C'est la vérité si je mens les débuts. C'est que des faux commentaires. Je sais pas, parce que il y a des gens là qui écrivaient qu'ils adoraient le jeu. Mais c'est trop ça. Mais où c'est... êtes-vous? Où êtes-vous? Mais nulle part, ce sont des faux gens, des comptes créés par les développeurs. Voilà, c'est comme la vérité si je mens, c'est halluciné. C'est une mascarade. Où sont les gens qui pensent que c'est 20 sur 20? Personne. À part les corrompus de journalistes, là. Où ils sont? Non mais pour le coup, il y a vraiment les gens qui connaissent pas les jeux vidéo et qui aiment Harry Potter, ils adorent le jeu. Ça fait... Oui mais combien de temps, Olivier? Combien de temps? Combien de temps ça fait l'illusion? Je pense qu'ils peuvent tenir tout le jeu, je pense. Ouais mais en mode, ils écoutent des podcasts quoi en même temps au bout de 30 heures. Oui, complètement. Ils sont contents d'être tous baladés en valet. Il y a un côté très automatique, c'est sûr. Hein. Ouais. Bah, tu sais, moi, à partir et l'infiltration, du les fins d'infiltration, on en parlera pas. Oh là là, mais quelle catastrophe. Non mais le pire dans les phases d'infiltration, c'est qu'à la fin tu peux même plus en fait, que tu peux plus
vais lire le chat là, qu'est-ce qu'il dit. Il disait quoi, Olivier? On n'a pas entendu la fin de ça. Ça a coupé, ça a coupé, oui. Il disait que les phases d'infiltration étaient gâchées en plus, puisqu'à la fin, tu peux même plus les faire, puisque tu peux plus maîtriser les d'un coup. Donc dès le premier ennemi, en fait, l'infiltration est terminée. Exactement. Je vous pose la question en direct dans le chat, qui a aimé? Qui a adoré? Adoré genre 19 sur 20. 18-19. Écrivez-moi. Est-ce que ce jeu vaut son métacritique de 88-90? Y a-t-il au moins une personne pour qui ça vaut 18-19? C'est tout ce que je vous demande. Alors, se dénonce. On a Bill McRae qui m'a ajouté et il veut participer. Ah bah vas-y, ajoute-le. Misty, mon pote, tu fais bien d'acheter des Mescou et ne pas de t'approcher de ce jeu. Ouais, mais est-ce qu'il a aimé le jeu? Non, mais il l'achète pas. Non, mais le mec, il va intervenir. Est-ce mais Boruto, je sais que tu déconnes. Quoi que t'es allé voir Astérix, toi, pour te marrer, soi-disant. 15 sur 20, 0, 13, 13, 15, 9, pas 18, mais un bon 15, 12, 12. Un bon 15. 10. Ah, on a un 20 sur 20, mais je crois que c'est un troll. Oui. Oui, bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Il faut partager la voix, mon ami. Il faut partager ta voix, camarade. C'est dans la partie. Tu fais les 3 petits points sur la partie. Un 17 sur 20. Un 19. Bah oui, oh, mais faut venir parler hein, si c'est 19 pour vous. C'est du pipeau. Arrêtez-le, c'est du pipeau. C'est une époque. Ça sera l'apocalypse. Armageddon. Abstinence, abstinence. Frodo, ouverture. Frodo, ouverture. Ça me rappelle le Vietnam. Non mais attendez les gars, moi quand ça c'est la réplique du film. Oui, j'ai fait le Vietnam. J'ai trouvé des petits ensembles pas cher, hein, super bien taillés à 300 balles. Des petits restos tout compris à 40 balles. Bon, c'est évidemment faut connaître. Excellent. La façon dont il le dit, c'est génial. C'est mais attendez, à cause de vous hier, moi j'ai re-regardé 3-0 avec Gérard Lanvin. Pourquoi vous faites ça? Me dis pas que t'es c'est bien, tu progresses. J'aurais pu regarder La Belle et la Bête, enfin le Dauphin Notre-Dame plutôt. Regarde Quasimodo del Paris, c'est de la cam. Franchement, il est déchire. Il paraît qu'il est sur YouTube en plus. Ah bon? Bah... J'ai fait le Vietnam, moi. C'est vrai, j'ai fait le Vietnam. Des petits ensembles bien taillés à 300 balles. Des petits restos tout compris à 40 balles, moi. Évidemment, faut connaître. Bon, allez, intervenant, allô? Ah non, c'est bon. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir, intervenant, on te laisse. Tu as bien partagé ta voix, est-ce que vous entendez l'intervenant qui est en train de. Vas-y, parle. Allô? Oui, tu as dit allô. Est-ce que vous avez entendu allô? Oui, c'est moi. Bon, c'était pour parler de ce jeu. Ouais, bah on t'écoute. C'est parti, c'est à toi. Ben, en vrai de vrai, je pense comme vous. Mais comment ça, tu penses comme nous? Je crois que t'avais adoré. C'était une blague. Entre les deux. En vrai de vrai, au début, j'ai adoré. Ouais. J'étais à fond. J'étais, pendant au bout de 5 heures de jeu, j'étais à fond dans le jeu, l'histoire. Il me donnait envie de rester dans le jeu, quoi. Ouais, mais après, bah vas-y, développe, on t'écoute. Ça m'a lâché par une quête. Parce qu'il y a personne qui parle de ça. La quête, ramasser des items pour fabriquer quelque chose, pour avancer encore dans la quête. Ça, c'est chiant, ça. Ouais. On est d'accord. Et ça, je devais le dire, quoi. Mais c'est tout? Oui, c'est tout. Sinon. Intervenant! Et le phénix de l'intervenant, tu l'as fait la quête du phénix? Intervenant, on eût espéré que tu aies aimé le jeu et que tu le défendes. Ah oui, mais le jeu, il n'y a pas beaucoup de choses à défendre quand même. Attends, est-ce que tu es fan de Harry Potter et de son univers? Est-ce que tu peux nous décrire ta relation à Harry Potter? Ça, en vrai de vrai, non, je pense pas. En vrai de vrai. Harry Potter, j'étais pas la race. En vrai du faux. Open world du genre ou pas? Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Pas ça, idéo. Votre aventure est terminée. Truc de base, quoi. Assassin's Creed, Far Cry. Ouais, on est d'accord que ça ressemble. Ouais. Du coup, tu es déçu. Ouais, beaucoup. Tu as acheté le jeu en boîte ou sur le store en démat? 70 euros pour un jeu comme ça. Rassure-moi, tu l'as acheté en boîte? Oui, ça va. Heureusement. Est-ce que tu vas aller le revendre? Oui, je vais faire comme idéo. Oui, bah ne le vends pas n'importe où parce que sinon c'est 20 euros. Ah. Vends-le au bon coin. Je vais trouver à 30 euros alors, non? Faut l'offrir le à bon un coin. Enfant qui peut pas se l'offrir. Essaye d'arnaquer un enfant, voilà. Essaye. Écoute, on va t'aider, intervenant. Va à l'école. Mets-le maintenant, attends. Mets-le sur le bon coin dans 5 minutes. Hogwarts Legacy est un chef-d'œuvre ultime, 20 sur 20. Je pense qu'il va coter là. Bon, 90 euros déjà, c'est pas assez cher payé. Maintenant, faut que tu le vendes maintenant. Vite. Vite.
Après cela, il va décoter. Oui, oui, après ça décote, hein. Immédiatement après. C'est on m'a proposé un truc simple, c'est tu le revends à 20 euros et tu files 10 euros en members à la chaîne, comme ça, ah, franchement, ça en ressort un toujours win, le quoi. Business, là, hein. Ah bah, c'est bien. En vrai de vrai, je me suis déjà abonné, voilà. Ah. Déjà partie de la team. Diamond Dog. Et intervenant, quels sont tes jeux vidéo préférés? Metal Gear Solid, Skyrim. Ouais. Harry Potter. Non, Final Fantasy direct. Lequel? Attention, lequel, parce que Final Fantasy, c'est bien large. Le 13, c'est son préféré. Lequel? Final Fantasy, le 13. C'est... Non, attendez, laissez le parler, on n'entend pas. Non, allô, mon préféré, c'est FF7. Ah, le sang. Bah, avec Red. Choix classique. Avec le remake, on était cool. Ça va. Bah, merci beaucoup, intervenant. C'est quoi ton pseudo? Nero DMC. Néo DMC, très bien, merci beaucoup de ton intervention. Non, Néo DMC. Néo DMC. Et c'est pareil, Néo Dante, Néo DMC. La DMT, le bon lapsus. Bah écoute, si jamais tu veux rajouter des choses, c'est le moment, n'hésite pas. C'est maintenant ou jamais. Hein. Si t'as une annonce importante à faire, c'est maintenant. Rajouter une chose, attendez. N'achetez pas ce jeu, économisez votre argent. Achetez peut-être Yakuza Ichi Dragon. Ah, là, tu me parles. Là, bravo. Ouais. Merci. J'applaudis. Bah, merci beaucoup. Merci de ton intervention, Nero. Et puis, on te dit à très très vite. Y'a pas de soucis, au revoir. Merci, salut, camarade. Salut. Bon, bah, c'est quand même terrible. Olivier. Zéro. On ne peut pas avoir quelqu'un qui a aimé le jeu. C'est impossible. C'est trop demandé. Dans toute la France. Les gars, c'est un bide. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont aimé le jeu, qui veulent intervenir et qui peut-être sont pas members? Bah oui. Ah oui, bah oui. Soi-disant, on est trop sévère. Soi-disant, on est aigri, blasé. Voilà. Qu'on n'aime pas. Voilà. Vous les blasés. Tout le monde n'aime pas. J'ai envie de dire, on a le public qu'on mérite. Hein. C'est vrai. Mais moi, je ne vous oblige pas à suivre nos goûts. Tu nous obliges. Mais non, je vous oblige pas. Tu nous obliges. Vous avez les goûts que vous voulez, les mecs. Après... Tu nous insultes à chaque fois. Bah, en disant qu'on a des goûts de merde. En disant qu'on a un goût. Bien sûr que oui, nous oblige. Bien sûr que oui. Mais t'es pas à la mentale. Mais je le bien sûr, t'oblige. Je le fais avec beaucoup de respect parce que je laisse les gens s'exprimer. Après, je vous insulte si vous avez des goûts de chat, mais dans le respect. Dans le respect, toujours. Dans le respect. Et dans le calme, dans le calme. Tu aimais ce jeu, Ido? Pas du tout. C'est bien, tu vois, je te respecte maintenant. Non, mais vous venez avec live, vous voulez, on va pas vous manger, les gars. Non, mais c'est tout l'intérêt de ces lives, c'est. D'avoir des avis dissonants. Bah, il y a quand même Olivier qui est... Attends, Olivier, c'est le plus positif d'entre nous. Hein. Et ça, c'est dingue. C'était le grand projet de la chaîne, d'ailleurs, d'avoir des avis dissonants du public. Il n'y a personne. Bah, c'était le projet, mais... Il est mort dans le... On peut dire un truc qui va faire venir les gens, là. C'est que c'est peut-être officiellement le meilleur jeu Harry Potter existant. Et je suis sûr qu'on va trouver des gens qui sont pas d'accord avec ça. Flavien, toi qui connais bien la quatrième dimension, je suis en train de me rendre compte qu'à force de gueuler, tu sais, c'est comme l'épisode où le mec, il en a marre de tout et il souhaite que tout le monde soit à son image. Tu l'as vu cet épisode ou pas? Ça me dit quelque chose, ouais. Alors je vais pas vous spoiler et je sais plus le nom de l'épisode, mais il y a un épisode dans la quatrième dimension où t'as un personnage qui est un peu comme moi en fait, qui en a marre de tout, mais lui, il s'en encore pire parce qu'il aime pas les gens, il aime personne et il aimerait un monde où il y a que des gens qui soient comme lui. Et du coup, son vœu est exaucé. Il se réveille un matin. Il n'y a que des gens comme lui, mais genre littéralement c'est lui, tout le monde c'est lui, tu vois. Je vous laisse deviner comment ça se passe. Et on voit un peu ce qui se passe quand tout le monde est aussi blasé que moi. Ça donne ce live. Moi là je suis en train d'espérer que des gens viennent le défendre quand même. Ah, on a quelqu'un qui veut, on a quelqu'un mon pote qui veut défendre le jeu. Ah, formidable. Le suspense est à son comble, je vais l'ajouter dans quelques secondes, c'est une question de secondes maintenant. Formidable. C'est parti. On va encore se faire troller, je le sens. Je le sens. Ah, c'est vous qui gérez la communauté. Hein. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir intervenant. Ah mais il est pas là. Ah d'accord. Ah d'accord, c'était Flavien, pardon. Ah pardon, au départ. J'ai dit que c'était l'intervenant. Il a la voix de l'intervenant, Flavien, c'est énorme. On peut faire des voix en attendant, on peut faire des imitations, ça peut être sympa. On peut faire Morgan Freeman. Moi, je veux le retour de Morgan Freeman, j'aimerais bien le... La vie de Morgan Freeman, ça aurait pu faire. Putain, quelqu'un m'envoie une IA de Kylian Mbappé en anglais, c'est énorme. C'est vrai? Énorme. Ça existe? Ouais, ça existe. Oh là là. C'est énorme. C'est la même voix, c'est incroyable. C'est fou, ce monde. Bonsoir, intervenant.
Ah, bonsoir. Bonsoir. Alors, intervenant, il faut que tu partages le son de ta voix, que tu augmentes le son. Il faut que tu partages le son de ta voix, et il faut que tu mettes... Si tu arrives à mettre un peu plus fort, sinon c'est pas grave. Qu'est-ce que... Ah oui. Je sens qu'il va y avoir de la joute verbale avec l'intervenant ce soir. Ah, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Parce qu'avoir des clones de moi, il n'y en a pas. Il a l'air remonté, là. Allez. Vous m'entendez ou pas ? Oui, intervenant. Alors, tu as adoré le jeu, 20 sur 20. Non, je veux pas adorer. Oh ! Comment ça, t'as pas adoré ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, bah, l'intervenant précédent a dit pareil. Hein. On l'entend pas, on l'entend pas. En vrai de vrai, c'est quoi la, le truc ? Il a pas partagé ! Ah, on l'entend pas. Oh là là. Tu vas sur les paramètres de la partie. Et tu mets les trois petits points, et là tu mets paramètres de la partie, autorisé. Et on va pas les clasher, on a mis une heure pour régler ce truc. C'est tout le monde en fait, tu te rends compte que c'est tout le monde qui a ce problème. Mais ça veut dire que personne ne sait utiliser. Mais c'est un PS5, c'est, excusez-moi, mais les ergonomes. Faut tout revoir. Faut tout revoir. Et IDEO, clique sur intervenant et mets-lui le volume à fond. J'ai mis le volume à fond. J'ai mis le volume à fond. C'est bon, j'ai mis partager les gars. Bien, alors intervenant, tu as aimé le jeu, c'est 20 sur 20. Hein ? Intervenant ? Intervenant ? Intervenant ? Est-ce que t'interviens, intervenant ? J'interviens, les gars. Alors bonsoir. Vas-y. Bonsoir, les gars. Bonsoir, d'abord. Je suis content d'accueillir quelqu'un qui a adoré le jeu et on t'écoute. Il a l'air... Je l'ai fait. Oui ? Bah c'est déjà bien. Bravo. Tu l'as fait, et donc ? Moi je suis déçu un peu. Tu te fous de ma gueule, intervenant ? Je suis déçu un peu, les gars, je vais pas vous mentir. J'ai vu les vidéos, tout ça, moi j'étais hype parce que moi j'aime bien Harry Potter de base. Mais tout le monde en plus. Oui. C'est de la Harry Potter, attends. Non, franchement, l'univers c'est respecté. Quand t'es dans le jeu, tu te crois vraiment dans Harry Potter et tout, ça, y'a pas de soucis. Bah, franchement, l'univers, je parle de l'univers, moi. Ah oui, le château et tout, bien sûr. Dans ces grottes, tu te crois dans Harry Potter ? Dans ces grottes, avec ses coffres et ses squelettes ? Et ses toiles d'araignée, tu te crois dans Harry Potter ? On parle de Poudlard. Le Poudlard, mais le Poudlard, c'est un château, fallait pas sortir du château. Ça va, le château, en plus, il est grand, ça va. Sur ça, ils ont pas décollé. Mais après, c'est vrai que le monde ouvert, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu dirais que t'as aimé le jeu, quand même ? Bah, j'ai aimé une partie du jeu, mais une autre partie, j'aime pas. Raconte. Globalement, ça donne quoi ? L'impression générale que ça laisse ? Globalement, je sais pas, franchement, c'est moyen, c'est pas ce que j'attendais. Moyen, d'accord, c'est moyen. C'est pas ce que j'attendais. Sérieusement, moi, c'est pas ce que j'attendais personnellement. J'attendais mieux. Que tu attendais, après, je m'attendais. Déjà, moi-même, graphiquement, je m'attendais à mieux. Ouais, c'est de la PS5, graphiquement, franchement, je m'attendais à mieux. Quand tu le mets en mode performance, c'est pas ouf. Je suis d'accord. Après, les quêtes secondaires, vous connaissez, hein, franchement, les quêtes secondaires, il y en a marre. Moi, je peux plus, moi. Eh ben, pareil. Je peux plus, les quêtes où tu vas chercher ci, va chercher ça, ça saoule. C'est comme dans l'Assassin's Creed, c'est ça le problème. C'est ben les oui, quêtes secondaires, j'en peux plus, moi, c'est overdose. Et quand tu veux faire que la quête principale, t'es obligé d'être à un certain niveau des fois et ça te bloque. J'ai envie de quitter le jeu, moi, à ce moment-là, je peux plus. C'est terrible. L'homme est tabou, on sent le. Tu es à bout, l'intervenant, tu es à bout. Moi, j'en peux plus, moi, de ces jeux-là, à quête secondaire, à foison pour passer des niveaux. Non, ça va, mais le jeu, il est pas mal, mais en vrai, il a beaucoup de défauts quand même. Faut pas se mentir. On est d'accord. J'ai des quêtes secondaires. Même des fois, quand tu jettes des sorts, t'as l'impression qu'il les jette pas. Je sais pas, c'est bizarre, il est un peu bizarre des fois le jeu. Il est bizarre, j'avoue qu'il est bizarre. Tu mettrais combien ? En note ? Ouais. Sur 20. Sur 20 ? Oh, 13, on va dire 13. C'est le constat. Hein. Voilà, ouais, on va 13, pas y arriver. Ouais, 13, parce personne que... ne va défendre ce jeu. Personne, il est indéfendable, je crois. Non, bah après, moi, je suis pas en train de le descendre, le jeu. Il a des qualités, mais après, il a aussi beaucoup de défauts, faut le dire. C'est pas un jeu parfait. Non, mais on est tous d'accord là-dessus. DG. Hein. Il faut savoir qu'il y a une personne qui a adoré le jeu, qui vient de m'ajouter et qui veut nous défoncer en live. Non, Olivier, j'y crois plus. Non, je te jure, il vient de m'ajouter. Ah ouais, non mais je... Écoute, ok. Il faut que je le 14 sur 20, je conclue.
On donne tous la porte sur 20 à un moment, peut-être que c'est la vraie note du jeu. Il n'y a que des 13 là pour l'instant, dès qu'on tombe sur un 14, c'est inespéré pour nous. Ah, intervenant, bon, te laisse conclure évidemment. Bah, bon 13 sur 20, le jeu sur certains points, comme j'ai dit, il est pas mal. Bah, après, il y a un autre côté que moi j'aime pas, personnellement, que graphiquement, tout ça, les quêtes secondaires, moi ça commence à me saouler. Excuse-moi, intervenant, est-ce que t'aimes les jeux genre Horizon et God of War, les deux derniers? God of War, j'ai fait les deux. Et par rapport à God of War, tu préfères le God of War ou le Harry Potter en termes de quêtes et tout? Les deux, c'est un peu pareil en vrai. Franchement, okay, après, je dirais plus Harry Potter parce que bah, Harry Potter, moi quand j'étais petit, j'ai vu les films, j'aimais bien. Alors que God of War, je suis pas trop dedans, moi. Si, j'aime bien, mais sans plus, quoi. Donc, tu préfères l'univers Harry Potter que God of War? L'univers. Je préfère en tout cas l'univers d'Harry Potter que God of War. Mais God of War aussi, après, c'est à peu près. C'est le même constat en vrai. Ok, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Et Horizon, non, j'ai pas trop aimé. Bien, merci de ton intervention, intervenant. Merci on va à voir vous, si les gars. L'intervenant suivant va être positif, mais j'y crois plus. Merci beaucoup et à très vite. Bah, allez, bonne soirée, l'équipe. À la prochaine soirée, sur la chaîne, mon pote. Allez, salut, les gars. Olivier, c'est la dernière chance pour qu'on ait peut-être un intervenant qui aimait le jeu. DG, la pression est au maximum. Je vais t'amener un intervenant qui a adoré le jeu. Bonne défoncée en live. Moi j'aimerais que c'est Flavien qui. Demi seconde là. Oui. Il s'appelle Cher Fléau. C'est parti. Tu voulais dire quoi Olivier? Non, je voulais féliciter Flavien qui depuis le début il imite tous les intervenants quoi. Ah oui, bien joué Flavien. Bien joué. On a vu que du feu. J'adore Flavien. Bonsoir intervenant. Il est pas là. Ah bon? Tu dis bonsoir et y'a personne qui dit bonsoir. Mais j'en sais rien. T'es enfant départ. Mais Olivier m'a dit qu'il l'ajoutait. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce tu penses de cet environnement de jeu? Attends, je l'ai ajouté au groupe et il m'a invité à un autre groupe. Regarde le petit typo gris. Oh, c'est trop chou. Ah, bonsoir intervenant. Est-ce que tu as partagé ton groupe? Bonsoir intervenant. Bonsoir. Bonsoir. Alors tu as adoré le jeu. Désolé, je troll. Mais non, c'est Flavien, mais c'est... Attends, qui troll là? C'est Flavien qui imite ou c'est l'intervenant qui troll? C'était vraiment un troll, regardez. Au secours. Ça c'est un vrai bonsoir, bonsoir. Ça c'est le bonsoir d'un intervenant 13 sur 20. Bonsoir. Ah, je me suis fait avoir, bien joué Flavien. Comme un bleu. Bien joué. Alors attends, l'intervenant après le technique, je reviens tout de suite. Il est là l'intervenant, il faut partager. Ah, bonsoir intervenant. Dans les trois petits tu points. Tu as adoré le jeu et on te remercie, on t'aime beaucoup, on t'écoute. C'est un jeu, oui, il faut partager le son de la voix, bien sûr. Mais tu as adoré le jeu, pour toi, c'est un 21 sur 20. 22. La passion du jeu vidéo a sonné. Quel suspense. Bonsoir intervenant. Oui, on t'entend. Confirmez dans le chat, s'il vous plaît, qu'on l'entend bien. Confirmez. Donc, intervenant, on t'entend bien. Apparemment... Non, attends, non, pas, on t'entend pas. Ah non, tu as dû rater ton truc. Va sur... Oui, paramètres du chat, autoriser ta voix. Partager votre voix. Ok, voilà, c'est ça. Ok, super. Donc maintenant, vas-y, parle. Alors... Donc moi du coup c'est Dr Pixel, Cher Fluo c'est le nom du truc mais c'est Dr Pixel. Ah oh, salut Dr Pixel. Bienvenue Dr Pixel. Ouais, qui, Dr. merci. Salut. J'avais fait des trucs pour Arthur Meurant. Oui je me souviens, tu m'en avais parlé. Ouais, donc moi vraiment j'ai bien aimé le jeu, alors il est pas exempt de défauts bien évidemment. Mais moi, je en fait, vu que j'ai lâché les Assassin's Creed depuis Black Flag, et que ce genre de jeu, en fait, de base, ça me fatigue un peu. Ben là, je suis arrivé là-dedans tout frais, en ayant été sevré de ce genre de jeu. Donc du coup, c'est passé assez facilement au final. Alors évidemment, il y a des trucs qui peuvent rebuter, qui me rebuteraient en temps normal. Comme pour Spider-Man, d'ailleurs, c'est pareil. Hein, les collectifs dans Spider-Man, c'est chiant. Mais vu que le gameplay de déplacement était assez grisant, au final, ça passe. Ben, ça a été un peu la même chose pour Hogwarts. D'accord.
Vous l'entendez bien, les gars, dans le chat? Quelqu'un oui, dit qu'il l'entendait pas. Combien sur 20, tel. Tout le monde l'entend. Ok. Enfin, objectivement, je peux pas lui mettre au-dessus de 15, mais en termes de ressenti, je me suis vraiment éclaté sur le jeu. Mais objectivement, je peux pas mettre au-dessus, c'est pas possible. Après, je prends en compte le fait que c'est pas non plus un. Alors, je sais pas combien a coûté le jeu, mais je crois que c'est pas non plus un budget à la God of War ou bah, comme si, ça. C'est un studio qui a fait 150 millions. D'accord, ok. Parce que après, c'est un jeu qui a 14, fait quand même de la grosse chiasse avant. Et je me dis, c'est quand même encourageant pour un premier jeu ambitieux, entre guillemets, quoi. Même si, bon, l'ambition, voilà. Mais je veux dire, je trouve ça quand même relativement encourageant pour un premier jeu. Mais après, ce qui m'inquiète, vous en parliez juste avant, c'est que bah, si tout le monde se complaît là-dedans, il n'y aura pas vraiment de plus s'il y a une suite, quoi. Ce sera ça, un peu plus étoffé, mais est-ce que ce sera vraiment... beaucoup plus ambitieux, je sais pas. Ouais. Est-ce que tu sais si Arthur a joué au jeu? Non, je crois. J'avais parlé avec lui il y a pas longtemps, mais il m'en avait peut-être parlé, mais je sais pas si ça le saussait vraiment plus que ça, quoi. Ah, faut que je le relance là, parce que j'ai encore 2-3 trucs à sortir. Parce que là, il faisait des lives sur Resident Evil 7 et Resident Evil 2 Remake. Ok. Et je crois pas qu'il a fini aussi le jeu là, comment il s'appelle, avec la nana là, l'espèce d'isekai nul là. Forspoken. Oui, Spoken. Voilà. Ouais, il a fini ça. Donc non, voilà. Après, moi, franchement, j'ai passé un bon moment parce que c'est. Après, on va dire là, c'est, je vais juste maroufler un peu, mais en vrai. Alors moi j'ai eu très peu de bugs, je crois que j'en ai eu 3 au total. J'ai eu un crash dans la cinématique de fin, il y a un perso qui était debout sur le pupitre du boss de l'école. Et un autre, je sais plus ce que c'est. Si, j'étais bloqué entre deux objets. Mais ce qui est bien, enfin ce qui peut être justifié dans le jeu, c'est que dès que t'as un bug, tu dis ouais c'est la magie. Voilà, tu veux dire ça comme ça, ça passe on va dire. Elle est bonne celle-là. Mais non, globalement. Tu es plutôt conquis par ton expérience, tu t'es pas emmerdé? Enfin, un peu, parce que là, alors moi, faut savoir, je platine jamais les jeux, mais pour une fois, je me dis, vas-y, je vais le faire. Là, vraiment, c'est chiant. Là, ouais. Vraiment, c'est chiant. Mais sinon, dans le jeu global, j'ai fini en une cinquantaine d'heures. En vrai, c'est passé, hein. C'est passé tout seul. Mais moi, après. Peut-être que j'ai pas le même profil que les autres joueurs qui jouent peut-être à des Assassin's Creed ou à des Horizons ou à des trucs comme ça et qui eux ces mécaniques les ont dans le pif tout le temps quoi. Ouais. Moi c'est pas le cas donc du coup ça a peut-être changé ma perception par rapport à ça. Okay. Donc voilà mais et sinon Flavien a parlé de Bloodline tout à l'heure et j'adore ouais. Ce jeu. Voilà. Ah ça fait plaisir, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre cabossé mais que je me refais au moins une fois par an et en termes d'écriture en fait je me dis tu vois c'est ça qu'il devrait faire dans les jeux. C'est des jeux beaucoup moins ouverts mais beaucoup plus denses en termes. Ce que c'est tout petit c'est des toutes petites zones, mais si tu fouilles c'est hyper dense. C'est vachement dense. Secondaires partout, toutes les quêtes sont interconnectées, les personnages tu les connais et t'as une impression. C'est comme du Colisium, hein. Y a pas de persistance dans ce pilier. Je suis d'accord. Après, ce qui me manque, je trouve, c'est ce qu'on peut retrouver. Alors là, on parle de Rockstar, mais donc bon, voilà. Mais c'est des genre tu te balades et t'as un PNJ qui arrive et qui te dit ah enfin je rencontre quelqu'un depuis le temps. Est-ce que vous pourriez m'aider? Et puis tu sais, il t'accompagne à faire un truc et qu'il y ait des quêtes un peu dynamiques comme ça. Des événements sur ce monde. Il y en a oui, pas. Oui, des événements, c'est ça, exactement. Bien sûr. Donc moi je dirais franchement je trouve ça vachement encourageant pour un premier jeu entre guillemets ambitieux. Mais là où je les attendrais vraiment c'est sur une suite s'il y en a une quoi. Parce que si c'est la même structure exactement pour la suite, là vraiment ça fera chier quoi. Bah, le problème, c'est que tu peux être sûr qu'avec un Metascore comme ça et des critiques bah, qui pleuvent à 9 sur 10, 20 sur 20, que ça va pas changer. Bah pour le dernière coup, fois je suis qu'on s'est dit ça, c'était God of War. Et God of War, personne s'attendait à ce que le jeu soit un copier-coller du 1, et ils l'ont fait.
Ouais. Y'a pas ouais, le chat qui te dit, Déo, qu'est-ce que tu regardes dans les shots? L'avenir de la licence? Exactement. Mais après, moi, j'en parlais à quelqu'un du chat tout à l'heure, j'ai plus son nom, désolé pour lui, mais il parlait d'Oblivion et de Morrowind, et c'est vrai que moi, ça me manque ces jeux où, quand t'avais une quête, on te disait, eh ben, au bout de chemin, tu vas à droite, et puis tu tomberas sur une rivière, tu longes la rivière, mais t'as rien sur la map, c'est juste le mec qui t'explique le chemin, grosso modo, et après, c'est rien qu'aller à l'endroit où tu dois aller, c'est déjà une aventure en soi, quoi. Amen. Et ça manque vraiment. Alors, je me dis, bah, vu que Elden Ring a marché, même si c'est pas trop, il y a pas trop cette mécanique dans Elden Ring, mais t'es forcé de chercher quand même par toi-même. Vu le succès qu'il a eu, j'espère que c'est un truc qui reviendra. J'espère lui n'était pas optimiste, celui à qui j'ai parlé tout à l'heure, mais j'espère vraiment que c'est ce que, en fait, on encadre trop, je trouve. Ça coûte trop cher, ils sont obligés d'encadrer, ils peuvent pas se permettre. Même Rockstar, tu vois. Dans le jeu, avec des maps, Flavien. Ouais, non mais oui, bien sûr, Poudlard, dans une certaine mesure, tu peux faire comme ça, même si l'architecture est beaucoup trop complexe à assimiler, tu peux essayer de suivre les indications de tes profs. Attendez, je vous laisse une petite... Tu peux essayer de suivre tes profs, tu peux essayer de suivre les indications de tes élèves, tu peux essayer de t'en sortir, mais pour le reste du jeu, c'est cadenassé par un game design qui est obligé d'être dans l'accompagnement, parce que ça coûte trop cher, il faut que ça touche tout le monde. Donc, de base, c'est pas comme s'il pouvait faire un jeu qui te permet à la fois de faire comme tu veux, je et d'être accompagné. Une petite seconde, excusez-moi. Pas de soucis, Dr Pixel. Non mais t'as au moins 3-4 quêtes avec des cartes et sans indication sur la map. Bien sûr, mais ça c'est les cartes au trésor d'Assassin's Creed, c'est la moindre des choses. Toutes les missions devraient être comme ça en fait, et avoir un truc qui est vivant. Bon bah écoutez, ouais, j'ai l'impression que globalement, au maximum ça va pas monter au-dessus de 15 sur 20 en appréciation, même parmi les gens les plus gentils qu'on a reçus avec le jeu. À vous de voir les gars, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. Est-ce que vous voulez rajouter des choses, Olivier, Flavien, intervenant? Mais moi, je dirais, moi, pour moi, en conclusion, c'est en tant que jeu vidéo vraiment pur et de l'année 2023 qui s'annonçait énorme, c'est une déception. Mais par rapport à ce que j'imaginais des autres, des Ubisoft, bah, je suis. Voilà, par rapport à ça, pour moi, c'est plutôt pas mal. Dans cet univers de jeux Ubisoft, Open World à la con. Désolé, je suis là, j'ai dû m'absenter. Oh, Dr Pixel, j'ai une question pour toi. Est-ce que. Pourquoi il y a des gens qui ont mis, des gens payés dans ces métiers, qui ont mis 20 sur 20 à ce jeu? Alors, la question se pose, effectivement. Bah, après, je me dis, alors, quand c'est quelqu'un du métier, on peut se douter qu'il y a peut-être des biais ou des trucs comme ça, forcément. Après, je me dis, si c'était un random qui avait mis 20, enfin, que quelqu'un mette 20, en soi, ça me choque pas. Non, un random, bien sûr, mais là, on parle de la presse. Oui, là c'est déjà beaucoup plus problématique parce qu'effectivement on se dit ouais, est-ce qu'il y a des biais, est-ce qu'ils veulent s'assurer derrière. Docteur Pixel, je sais pas si t'as vu ce que j'ai vu, mais sur Twitter, je vais pas citer, mais un certain magazine avait très très bien noté le jeu. Quelques jours plus tard, ils tweetent qu'ils ont reçu le collector de Hogwarts Legacy. Ah, c'est étonnant. En disant après, moi, je suis pas trop les trucs de jeu sur Twitter et tout, vu que moi je suis essentiellement des pixel artistes et voxel artistes. Ouais. Mais bon, là effectivement, je veux dire, faut vraiment pas avoir envie de voir la poutre qu'on a en face de soi, quoi. Enfin, là, et c'est si un peu évident. Encore eux, ils l'ont tweeté. Il y a des gens qui le montrent. C'est comme à l'époque de Cyberpunk. Je sais plus quelle personne avait montré ce qu'il avait reçu de CD Projekt Red, enfin je sais plus où les... C'était où, pas les... une carte graphique Cyberpunk ou un truc comme ça. Je sais plus, mais quelqu'un avait reçu le très beau collector graphique de Cyberpunk, enfin un très beau collector, le collector quoi, et l'avait montré, pour montrer voilà ce qu'on reçoit, mais je me demande, je crois que j'ai le nom en tête, mais écoutez, je vais pas donner le blaze, mais au moins c'était pour montrer, voilà, objectivement, voilà ce que j'ai reçu et tout, et le test était, pour le coup, le test était resté objectif. Là, c'est un test dithyrambique, les personnes le montrent, mais il y a aussi les gens qui ne montrent pas ce qu'ils reçoivent. Et ça fait des années que ça dure. Ouais, là c'est déjà... Mais après, pour moi, un jeu vraiment qui a 20 sur 20, déjà, c'est... Je trouve aujourd'hui, on en a trop. Et là effectivement, si c'est on regarde ridicule. Ça par ce prisme-là, tu te dis, mais si tous les jeux ont 20, quelle est la... Comment dire quelle est la valeur de la note, quelle est... Enfin, ça n'a plus aucun sens, quoi. Ça finit avec des 22 sur 20 à Red Dead. Voilà.
Oui, parce que même 21, du coup, tout le monde l'a. Bah ouais. Ouais, non, mais. Non, bah franchement, oui, pour le coup, je trouve ça assez ridicule. Parce que maintenant. Il faut ajouter les types qui n'ont pas voulu le tester à cause de la polémique à la con. Donc on a, ouais, a pas un retour. Alors ça. Alors que le staff s'est fait prendre en flag en train d'y jouer après, enfin bref. Ça, c'était très drôle. Mais je trouve qu'on perd vraiment la valeur. C'est-à-dire que déjà, on est sur des jeux qui de plus en plus se ressemblent. Alors là où j'étais pas d'accord avec toi, DG, mais je comprends ce que tu veux dire, c'était sur un autre débat que tu avais eu, mais dans le jeu indé, je trouve que c'est le seul endroit où il y a des gens qui essaient d'amener des concepts frais. Alors après, évidemment, dès qu'il y a un truc qui marche, t'en as 18 pareils qui pop, mais je veux dire, c'est les seuls qui vraiment, vu qu'ils n'ont pas la pression des actionnaires ou des conneries comme ça, ils peuvent vraiment se permettre d'apporter des concepts frais. Est-ce que tu peux me citer 5 jeux indés qui viennent en tête par rapport à ça, au fait que ça a un peu de plus en plus un cahier des charges. Non, mais j'aimerais bien 5 jeux que tu as en tête indépendants qui ont amené une vraie innovation. Alors moi il y en a un que j'ai en tête, alors le nom je l'ai plus malheureusement, mais en gros t'es sur un, comment il s'appelait ce jeu là, moi vraiment il m'avait vraiment ému. Où tu joues une gamine, comment il s'appelait, c'est pas Céleste, Plectel. Non, tu joues une. Alors c'est fait tout en animation traditionnelle et tu joues une gamine qui doit ramener des âmes. Je pense que dans le chat il y en a qui l'auront. Si vous pouvez nous trouver le nom, ok. Et t'as pas vraiment marqué le jeu, hein, sachant que t'as tout oublié. Non, parce que le jeu je l'ai très bien en tête, mais c'est le nom qui me fait défaut pour le coup. Hésite pas si t'en as. Ah, on te dit, est-ce que c'est Ori ou Child of Light? Alors Ori, oui, mais après Ori, est-ce que c'est vraiment un jeu indé? Non, voilà. Ouais, voilà, c'est un peu du faux indé, même si ça reste très bien. On te demande si c'est Kena, Child of Light. Non. C'est pas ça. Toi, tu parles d'un vrai truc. Ok, alors non, mais attends, plus simple, balance-nous des noms de jeux que t'as en tête qui ont innové pour toi sur la scène indé ces 10 dernières années. Alors, il y a Don't Play This Game. Ok, c'est quoi ça, le concept, j'ai pas joué? Le concept en fait c'est que, alors, au début tu joues et on te dit ne joue pas à ce jeu. Et donc toi tu vas appuyer sur le bouton, ouais. Et en fait t'as tout un scénar qui va se mettre en place. Alors par contre vraiment le jeu, pour le coup DG, honnêtement c'est vraiment du génie pur. En termes de game design et tout, c'est un truc de malade. Il est pas très long, et en fait dans le jeu tu vas passer à travers plein d'étapes, que ce soit genre les vieux point and click à l'ancienne, genre Chevet de Baphomet et tout. Et en fait t'as plein de mécaniques qui vont popper, et en fait tu vas te battre avec le jeu lui-même qui veut pas que tu joues au jeu. Et, excellent, ok, alors, m'en dis pas plus, je vais le tester. Ok, vas-y, balance d'autres titres, hésite pas là. Après il y a... putain, je l'avais en tête il y a 2 secondes. Quand j'ai parlé de ça, il y avait Don't Play This Game. J'en avais un autre là, mais je l'ai perdu. Il n'y a pas de souci, professeur. Hésite pas s'il y a des jeux qui viennent. Quand je parle de la scène indé, tu vois, dans ce qui émerge ces dernières années, parmi les jeux les plus populaires de la scène indé, on retrouve Dead Hollow Knight. Dead Cell, j'ai vraiment adoré Dead Cell. Tu vois, Hollow Knight, tu l'as fait? Non. Bon, c'est un des jeux, tu vois, où tout le monde en a fait des tonnes. Il est très très bien, hein, je trouve très bien, mais c'est pas un jeu que je considère innovant. C'est une revisite de Super Metroid avec un design qui est choupi, qui fait un peu Burton, mais tu vois, c'est pas innovant. J'avais fait The Messenger qui est très sympa, mais c'est un mix entre Ninja Gaiden et Metroid. J'avais Inside, fait Céleste qui est très sympa, mais on reprend Céleste, tu vois, pareil, on en a fait. Il est un peu émergé, tu vois, il est assez connu. Il est très bien, mais j'ai retrouvé vraiment du Super Meat Boy. J'ai fait River City Girls qui est un beat'em all très sympa qu'on m'a conseillé. Pour le coup, c'est bien parce que t'as enfin un peu plus de gameplay évolutif. Contrairement à un jeu qui est sorti un peu plus obscur, Fight and Rage, qui est très très bien aussi, mais bon, très très archaïque. Mais enfin, je veux dire que j'ai dû faire, je sais pas, une dizaine, quinzaine de jeux indé. J'ai fait aussi Undone, qui est sympa, mais tu vois, rien de nouveau. J'ai fait... Histoire était pas mal, un peu classique dans sa structure, mais tu parles de quel jeu? Très sympa. Histoire.
Et histoire de c'est game. Ouais, c'est un peu classique, mais alors c'est du pixel art, ça plaît ou ça plaît pas, mais là c'est très ouais. très beau. Il y a Old Boy aussi, Old comme un hibou chouette, je sais plus, O-W-L, Old Boy, okay. qui est sublime, l'OST est très joli, et c'est un jeu qui est très court, mais qui est vraiment magnifique. Et après moi dans mes jeux préférés il y a Bloodline, un vieux jeu obscur peut-être que Flavien va le connaître, c'est Nocturne. Alors ouais, qu'était c'était en vrai tu joues maintenant t'as envie de t'arracher une couille, mais vraiment pour l'époque ça mettait à l'amende ouais, c'était un Resident like Ah, mais avec une gestion des ombres dynamiques et tout, mais c'est un truc de... Alors attends, si tu me dis que c'est un Resident Evil, parce que bon, là j'ai pas fait les quelques jeux que t'as cités, mais en tout cas j'ai fait beaucoup de jeux émergents de la scène indépendante ces deux trois dernières années. Je dirais que j'en ai fait une quinzaine, peut-être même une vingtaine. Et il y en a des biens, il y en a vraiment que j'ai bien aimé, mais par contre, tu vois, je vais pas les citer dans les jeux de la génération, tout simplement parce qu'ils n'amènent rien aux médias. Ils sont bien, j'ai bien aimé, je peux les conseiller en bons jeux. Et c'est pas, tu vois, des jeux que je vais citer en boucle comme Red Dead 2, etc., tu vois, qui font avancer le média. Et je, pour l'instant, dans ce que j'ai fait dans la scène indépendante, je ne vois aucun jeu qui a fait avancer le média. Aucun. Et bah, alors là, après, pire, tu vois, là, j'ai fait, on m'a conseillé, surconseillé Hi-Fi Rush. Bon, bah, j'ai sorti la review. Je suis très déçu par rapport à ce qu'on ouais, a vendu. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Et j'ai le sentiment que souvent, c'est ça, en fait. On hype des petits jeux qui sont pas. Souvent, c'est pas mauvais, d'ailleurs. Mais voilà, il y a rien de nouveau. C'est juste que bah, c'est sympa. Toi, c'est après, tu peux te dire éventuellement, ok, il y a deux mecs derrière, ça force le respect, parce que pour développer un jeu entier du niveau d'un Super Metroid, comme ils ont fait Hollow Knight, avec juste deux mecs au générique, c'est incroyable. Mais ça sort en, je sais plus en quelle année est sorti, en 2016, 2017, je sais plus, 2018 peut-être. Bon, voilà, enfin, c'est la perf pour deux mecs. Alors, mais est-ce que franchement, limite, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt déjà. Super Metroid qui reste quand même objectivement au-dessus. Ouais, je te pose quand même la question DG, c'est-à-dire que le jeu indé, c'est souvent des jeux 2D, la plupart du temps, on va dire. Oui. Et je te pose la question, objectivement, qu'est-ce qu'un jeu en 2D, pixel art ou pas, peut apporter dans un monde du jeu vidéo maintenant qui est du AAA essentiellement? Il peut rien révolutionner, mais il peut apporter des concepts frais qui peuvent pas forcément s'adapter à des gros triple A de malade, mais qui t'apportent quelque chose de nouveau, un peu de fraîcheur juste. Bah, si tu me cites par exemple Don't Play This Game, là j'ai pas fait et ça me rend curieux, je vais le tester. Mm-hmm. Si c'est un genre 2D qui amène quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, là, je vais dire bah, c'est super cool, ça peut faire avancer le média et pourquoi pas. Et pourquoi pas le prendre chose en 3D après, tu vois. Bah, ouais, là, je pense que, pour le coup, ça, c'est un concept qui pourrait être, je pense, amené en 3D. Alors, comment, je sais pas, j'ai pas la science du game design ni rien, mais je pense que quelqu'un d'assez chevronné et qui a vraiment de l'idée, je pense qu'il pourrait le faire. Mais en termes d'idée de game design, le jeu, c'est un truc de dingue, hein, vraiment. Après, il m'a foutu sur le cul. Ok, après, tu vois, j'ai bien conscience que faire un jeu vidéo aujourd'hui, tu vois, en 3D... avec un certain budget, évidemment, tu vois, c'est pas à la portée de tout le monde et de tous les studios, et c'est bien dommage, parce que malheureusement, les studios qui produisent des très très gros jeux sont complètement cloisonnés par un cahier des charges qui devient infernal. Donc, oui, la scène indépendante peut s'extraire de ces compromis qu'ils ont à faire, mais pour autant, tu vois, le fait de sortir autant de jeux en 2D très limités sur la technique fait que, la plupart du temps, les gameplays restent eux aussi limités et souvent reprennent des concepts qu'on a déjà vus. Et ça, mon reproche. Donc le constat, après, c'est qu'on est un peu baisé. Hein. Après, limité sur la technique, je suis pas tout à fait d'accord dans la mesure où... Alors, si tu parles de game design pur, oui. Mais après, je veux dire, le pixel art, on a une image du pixel art qui est un truc un peu facile. Mais le pixel art, c'est tout sauf facile en vrai. Hein. Ah ben non, c'est... mais ça bien sûr, et d'ailleurs il y a un jeu, je regrette. Ça enlève énormément de contraintes, certes, parce que bah, quand tu fais un bonhomme, t'as pas besoin de le faire hyper détaillé, mais par contre ce qu'il faut, c'est faire comprendre instantanément ce que tu vois à la personne qui joue, avec le minimum de détails, c'est un tas de contraintes qui sont hyper relous, et donc, tu t'appelles pas Docteur Pixel pour rien, j'imagine que t'as un amour particulier pour le pixel, mais tu vois, il y a un jeu que j'attendais à fond et qui est jamais sorti, c'était le jeu Cyberpunk en 2D, The Last Night, The Last Night, voilà, et bah celui-là, ça avait l'air génial, c'était magnifique. Bah, t'inquiète pas, je suis sur le Discord des développeurs et tu vas être très surpris quand tu vas le revoir. Parce que c'est un truc de baiser de la tête. Ah, donc il est pas annulé?
Non, il a été mis en pause parce que en fait pour le financement ça a été très compliqué. Mais voilà, il y a eu un gros stand-by, mais les devs savent toujours dessus. Ah, bah ça tu vois, c'est Day One, je trouve magnifique. En termes de direction artistique, c'est magnifique. Mais tu vois, j'aimerais avoir plus de jeux indés de ce niveau, mais j'imagine que ça prend énormément de temps, que c'est très compliqué. Là par contre, ouais, c'est... Alors par contre, depuis qu'on avait eu ce trailer de The Last Night, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a eu beaucoup de jeux qui sont un peu 2D, 3D. Tu vois, comme on a pu avoir Triangle Strategy, où c'est vraiment une DA qui commence à arriver. Et ça, pour, c'est vrai que pour de l'indé, c'est très sympa, je trouve, ce genre d'effet visuel. Comme il y en a un là, qui va sortir un peu dans le même style que The Last Night, qui s'appelle... Replaced. Oui, voilà. Alors, putain, la grosse gif, vraiment, ça m'a calmé, ça aussi. C'est vraiment très très propre. Non, mais écoute, Dr Pixel, merci beaucoup de ton intervention. Ça pourrait être un débat à part entière de live, hein. C'est intéressant. Oui, c'est vrai. Bah, merci beaucoup. On va pas tarder à conclure, les gars, parce que je vous avoue que je suis crevé. Il est quand même minuit et demi. Ciao. TG, il me reste une personne qui vient de m'ajouter en disant que je mets 19 sur 20. J'ai pas compris, t'as dit quoi? J'ai pas compris, Olivier. Il y a une personne qui vient de m'ajouter en disant que je mets 19 sur 20, elle vient de m'ajouter. Ah bah, c'est magnifique. Je suis... Bah écoute, là, pour cette personne, la prochaine fois, promis, on fera passer. Mais là, je suis vraiment crevé, les gars, je suis désolé. On va dormir. Bon, bah bonne soirée à tous alors. Merci beaucoup, Dr Pixel, ton intervention. Flavien, je sais pas ce qui lui est arrivé, perte de connexion. Bah, Flavien, merci beaucoup d'être passé de ton intervention. Il a dit qu'il devait partir, il nous a envoyé un message privé. Bah, merci beaucoup, Flavien. Merci beaucoup, Olivier, aussi, ton intervention. Et pour la gestion des intervenants, merci, mon pote. Pas de soucis, bah, merci, Idéo, merci, DG. Je vous laisse conclure. Bah, merci, Idéo, ouais, bah, on va conclure, hein, Idéo. Merci d'avoir fini le jeu. C'est ça, hein, écoute. Devant moi, parce que moi, j'en pouvais plus. Je m'inflige, mais c'est pour le bien du public, pas d'un MHD. Ça fait plaisir. Un mot de fin, Ido. Pas vraiment de mot de fin. Je suis quand même assez surpris de voir qu'il n'y a eu aucune personne qui a pu vraiment être, comment dire, totalement enchanté, totalement emballé par cette œuvre qui s'appelle Hogwarts Legacy, mais qui en même temps est assez... C'est un constat qui, j'ai l'impression, est assez maintenant partagé par tout le monde, qui se mettent à jouer au jeu véritablement et qui... Et qui se rendent compte pas de la supercherie, mais de la véritable profondeur, de la véritable substance de ce jeu, qui, comme tout le monde l'a dit, a des qualités indéniables, mais qui est vraiment ancré dans un archaïsme et dans une formule tellement éculée et usée par tout le monde, que l'illusion ne fait pas long feu, c'est ça que je veux dire. Et donc, c'est dommage, et puis en espérant que... On ne peut pas espérer, vu le retour, comme tu l'as dit, de la presse et des gens, mais en espérant qu'ils fassent plus pour la prochaine. Pour le prochain, il y a clairement un potentiel. Moi, j'ai deux questions pour finir. Oui, bien sûr. La première, c'est Hogwarts Legacy ou Wanted Dead. Et la deuxième, c'est Hogwarts Legacy ou Horizon 2. 20 sur 20 aussi, sur tous les tests. Bah, c'est sûr que par rapport à Wanted Dead, Hogwarts Legacy, il y a largement plus de travail, etc. Et ce serait fou de dire Wanted Dead. Et par rapport à Horizon 2, bah justement, c'est intéressant, puisqu'effectivement, pour moi, ils ont littéralement les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Mais Horizon 2, quand même, a une gestion technique beaucoup plus impressionnante pour son opponent, etc., qui laisse, j'ai l'impression, plus rêveur que ce jeu, qui a tellement de failles dans sa gestion de l'opponent, avec ses grands chargements, on va pas y revenir, mais Horizon 2, quand même, pour la perf technique, ça me semble plus... Malgré tous les défauts, hein, mais ça me semble plus cohérent. Bien. Atomic Heart, les gars, je vais le mettre à télécharger. J'essaierai de vous rendre la review, soit pour la fin, enfin, plutôt pour le début de la semaine prochaine, parce que là, il faut que je finisse de monter l'interview avec Kevda. On a encore des phases cam en retard. Les gars, arrête pas. Non, mais on dort plus, dis-le, DG, t'as combien de café aujourd'hui? Non, mais là, on bosse beaucoup, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... Les gens font pas compte. Et on est très content de le faire, mais désolé si on a un peu de retard sur les sorties. Le mois prochain, vous serez surpris parce qu'il y aura du changement pour un truc. Donc, vous verrez. Et puis voilà, je ferai certainement une grosse annonce prochainement parce que j'ai un gros truc en tête et si on peut le faire avec l'équipe, ça serait formidable. N'hésitez pas dans les commentaires, bah, si jamais vous avez adoré le jeu, à détailler, à émettre votre critique à vous, voilà, on lira, puis je pense que ça peut servir aussi à d'autres personnes.
malgré le fait que ce soir, bah, on n'a pas eu de gens qui notent au-dessus de 15 sur 20. Désolé si on vous paraît encore une fois trop blasé, on essaie de rester le plus objectif possible. On va s'excuser, tout le monde l'a été ce soir. Voilà, mais bon, enfin, je dis désolé, mais en même temps non, parce que quand moi, je suis désolé de me répéter là-dessus. Certains vont se dire que je boucle, mais l'état de la presse, c'est catastrophique, j'en peux plus. Je sais pas si je devrais... Ça me fait chier, en fait. De toute façon, j'ai pas le temps de ressortir une vidéo dessus. J'ai pas le temps cette semaine. Donc, je sais pas quand c'est que je vais... En fait, j'ai même envie d'enquêter, moi, sur les journaux actuels. Non, je veux vraiment faire une enquête. Tu vas prendre ton impair. Je veux faire deux enquêtes. Savoir ce qui se passe dans les putains de magasins de jouets et savoir ce qui se passe au sein de la presse. Fais-le, ton enquête. On en reparlera, voilà. En tout cas, on vous a tout dit. C'est la magaison. Vous avez eu plusieurs sons de cloche. Merci à tous, merci à tous les intervenants, merci à toute l'équipe. Passez une très bonne soirée et on vous dit dès à demain pour autre chose. Ça va pas arrêter. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci d'être là. Salut. Ciao. Ah puis Olivier, d'accord, même pas au revoir. Au revoir Olivier. Salut mon pote.